Le haras de la Monnerie, vendu pour dissolution d'association. Côte qui bleu, étalon alzan né en 2001 par Pistolet Bleu et Kakira, fille de Kadoudal. A noter que dans la première mère, Côte qui Kova compte une victoire et une place supplémentaire. Elle a remporté le prix Magne Listed Race à Auteuil le 8 octobre et s'est placée troisième du prix Cambacérès Group 1 le 2 novembre. Qu'est-ce qu'il est beau cet étalon, fils de Pistolet Bleu, d'une fille de Kadoudal, déjà très bien connu comme étalon, comme on voit ici, mesdames et messieurs, Côte qui bleu. On a vu peut-être 5000 qui a 5000, donne-moi 5000 quelque part, 5000, l'enchemin, bon, alors 1000 qui a 1000, 1000 euros volume maintenant à 1000, à 1000 le fils de Pistolet Bleu, à 1000 l'enchemin maintenant à 1000, Côte qui bleu, 1000 en face, à 1000 le somme, à 1000, 1000 l'enchemin maintenant à 1000, à 1000 Sylvain, votre enchère à 1000 euros, à 1000, 1000 le somme maintenant à 1000, excellent étalon ici à 1000 euros, à 1000, 1000, 1000, 2000, 2000 l'enchemin maintenant, 2000 à gauche, le somme à 2000, à 2000 le somme encore maintenant à 2000, à 2000 pas Sylvain, toujours plus voler à 3000, 3000 euros, à 3000 le somme maintenant à 3000 et 3000, et plus voilà, monsieur, à 3000, 3000 là, à 3000, 3000 l'enchère à droite ici, à 3000, à 3000, 4000, 4500, 3500 du sort, à 3500, 4000, voulez-vous, 4000, 4500, 4500, 4500, à 4500 l'enchère maintenant, à 4500, 4500, 5000 l'enchère, à 5000 et 6000 encore, voulez-vous maintenant, à 5000, à 5000, 5000, 5000, 6000, 6000 l'enchère maintenant, à 6000, à 6000, 6000, et boum, ce but, c'est étalon là, à 6000, nous sommes maintenant, à 6000, et preuvez aussi, à 6000, à 7000, 7000, 7000, 7000 euros maintenant, 7000 à gauche, à 7000 le sommet maintenant, 7000 plus bougie maintenant, à 7000, à 7000, 8000 l'enchaîne maintenant, arrondissez s'il vous plaît, à 8000, 10000 l'enchaîne maintenant, 10000, 10000, 12, vous voulez encore maintenant, 10000, à 10000, 10000 le sommet maintenant, vous voulez pas mettre 12 encore maintenant, Guy, à 10000, 10000 l'enchaîne maintenant, 10000, à 10000, 12, voulez-vous encore. Alors, un étalon Côte qui bleu. Donc ça c'est une curiosité, un étalon Côte qui bleu qui se présente. 10000, Côte qui bleu à 10000, à 10000 l'enchaîne, petit-fils. 10000, voilà, Côte qui bleu, le père de vainqueur, pleur de. Kaki bleu, père de Volnay-Piergy, vite fait, Tropique des Dunes, la grande, grande famille de Côte Kita, Cobrouk, encore une fois, Katkonova, Côte Kigot, Katenko, Katko, Côte Kijet, celle qui appartient à Pierre Julienne. 11 000, ça me coûte plus cher maintenant. 11 000, 11 000, 11 000, j'essaie de vous aider là, monsieur. À 11 000, 11 000, mettez 12 encore maintenant. À 11 000, 11 000, l'enchaîne maintenant, 11 000 là. À 11 000, vous l'avez presque là, monsieur. À 11 000, on l'enchaîne à gauche ici, à 11 000. À 11 000, 12 000, 12 000, voulez-vous maintenant, encore maintenant, 11 000 là, c'est bien vu. Contre vous là, monsieur, 12 000, 12 000, l'enchaîne maintenant, 12 000. À 12 000, 12 000, 12 000, 13 000, voulez-vous encore maintenant, 12 000. À 12 000, 12 000, fils, pistolet bleu, à 12 000. Et plus vous là, à gauche, à 12 000. À 12 000, remettez-en une là pour la roi. À 12 000, 12 000, le somme, c'est bien vu. Fini là, rien en face, l'enchaîne à droite, pas Guy maintenant, 13 000, l'enchaîne maintenant en 13 000, à 12 500, 12 500, à 12 500, 13 000, voulez-vous, à 12 500, n'arrêtez pas s'il vous plaît, monsieur, à 12 500, à 12 500, remettez-en une là, à 12 500, nous vendons toujours pas d'erreur ici, à 12 500, c'est bien vu, l'enchaîne à gauche, contre... Alors, est-ce que ça va être vendu à 12 500, est-ce que ça va partir en Libye, est-ce que ça va partir, je ne sais pas. Merci, Laura, 12 500. Le numéro 200. Voilà, sur 5 jambes, il montre ses attributs. Pour réduction d'effectifs, Rebecca... Sur la 5 jambes, ça vaut... Ah bah ça, c'est Lise, ça la fait rêver, ça. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est Ziad qui a acheté? Ziad Ramdan? Elle est présentée... Le Tunisien, pour la Libye, peut-être? Le 19 mars. A noter que son produit 2010, Tisbé, a remporté le prix Baron de la Bastide à Limoges le 12 octobre. Jument, on est en allemand. Ziad, c'est toi? Ok, voilà, c'est Ziad. Ziad Ramdan qui a acheté les talons à 12 500 euros. On connaît bien Ziad. Alors le marché, évidemment, le marché libyen a diminué parce que le pays brûle en ce moment. Alors il y a moins de clients, bien sûr. On pense plus à se nourrir qu'à d'acheter des chevaux de course. Mais il y a encore du marché, la preuve. Il a acheté le Côte qui bleu, les talons. J'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi les Tunisiens qui risquent de on va les voir, hein, acheter beaucoup de juments ici. Pourquoi ils achètent autant de chevaux pour partir au Maghreb? 2000 enchères maintenant à 2000. À 2000, le sommet 2000 est pleine, ces juments. À 2000 enchères, 3000 enchères, à 3000 encore. À 3000 enchères maintenant à 3000. Sœur de Schwaffelberger ici à 3000, la petite fille de Colleg Schul. À 3000 enchères, plus voilà. À 3500, 3500 du sort. À 3500, mon enchère, tu joues maintenant à 3500. Tu se passes pas sur 4000, 4000, 4000 enchères. Et 500, voulez-vous encore maintenant à 4000, 4000 jolis juments ici à 4000. Et bien profonde là. 4000.
4 500, 4 500, 4 500, 4 500, 4 500, 5 000 enchères, à 5 000 enchères encore maintenant, à 5 000, 6 000, voulez-vous, monsieur, maintenant, à 5 000, à 5 000, 5 000, nous sommes maintenant, à 5 000, bien profond, 5 000, 6 000, 6 000 enchères maintenant, à 6 000, 6 000, nous sommes maintenant, à 6 000, 7 000, voulez-vous, allons les 6 000, 7 000 euros maintenant, à 7 000, à 7 000, regardez comme elle est née là! Regardez comme elle est née, 7 000, 8 000, enchères maintenant, 8 000. Ah, 8 000, nous sommes encore maintenant, 8 000. Ah, 8 000, la sœur de Raffle Burger, pleine de tin horse, ah, 8 000, nous sommes. Ah, 8 000, enchères en face, ah, 8 000, qui couvre l'enchère ici, ah, 8 000 à gauche, là. Ah, 8 000, nous sommes à 8 000. Ah, 8 000, c'est bien vu, l'enchère 9 000 €, 9 000 arrondissez, s'il vous plaît. Ah, 9 000 €, l'enchère maintenant, va pulliner au mois de février. Ah, 9 000, dernier saillie au mois de mars, début mars. Alors, Rebecca Reinberg, une fille de Suraco et Royal Cat par Royal Academy, elle est pleine de tin horse. C'est la mère de Tisbé qui a deux victoires puisqu'il a gagné une deuxième. Elle a gagné une deuxième course depuis l'apparition du catalogue sous l'entraînement de Anne-Marie Poirier. Rebecca Karenberg, c'est bien né. Hein. C'est la sœur de Raphaël Berger qui a gagné le Golden Peitsche, un groupe 2. Royal Marie, c'est aussi la souche de Summitville, troisième des Aux. Contre vous à droite, la guille. Charles Foll, gagnant du Berthe. On en fait un peu dans toutes les distances là-dedans. 11 000. Bon. 12 000, 12 000, 12 000 enchères. Regardez la belle modèle ici à 12 000. À 12 000, nous sommes à 12 000. Voilà, pleine d'un étalon à 4 000 €. Elle est présentée par le Harald Grand Camp. Pleine de ten horse à 12 000, c'est bien vu. À 12 000, on peut la juger. L'enchère à droite à 12 000, fini là. À 12 000. Alors, Top Alec, hier, il a été racheté. 13 000, 13 000. Le Dalgar. 13 000, la fille. Sur la côte à 13 000, 13 000. Je sais pas si là, c'est, elle est grande, hein. Jument, petite fille de Cronlich sous la 13 000. C'est bien vu. On peut le grand retour de Loïc Stecher, le cheval part en Libye. Ouais. Il rend maintenant à 13 000. On la juge. Qui, merci beaucoup, 13 000. Le numéro 202 est présenté par l'élevage du clos. Shama Diva, pouliche grise, née le 27 février 2014 par Rajzaman et Shama Rose, fille de Vergla. Cette pouliche est vendue sans TVA. Petite fille de l'Inimex, la seule par Raj Saman dans le catalogue. Grand vainqueur de Brigham Mugay, Daniel Wildenstein aussi. Premier produit, son full. Toute poche famille de Free Walk, 6 victoires, 13 fois placées à l'entremarché. Jean-Claude de Roger, on m'a dit, combien en faut-on ici pour le début débat? Allons-y, 5 000, la fille de Raj Saman, 5 000, 3 000, 10 000, qui a 2 000, donnez-moi 2 000 quelque part. Alors, à 2 000, notre full, une full maintenant. Quel excellent l'Inimex. Tandis que l'eau précédent était adjugé 13 000 euros, une full. Shama Diva par Raj Saman, la première production de Raj Saman, et premier full, la mère est par Vergla. Et la mère, c'est une seule de Upukai, un fils de Midian sprinter. Précoce, troisième du prix Thomas Brion. Qui a tout fait, il a gagné 6 courses de 2 à 3 ans et il a gagné en obstacle après. La mère, c'est aussi la sœur de Kenkai, un Kendor, 3ème du Saraka, Black Type, Wango Kai, 10 victoires, River Kai, 3 victoires, Free Walk, malgré le fait qu'il soit par librettiste, c'est 5 victoires, donc une vraie souche de chevaux de course. 3 500, voulez-vous, à 3 500, plus voilà, monsieur, merci, Octo, tout de même, contre-aide, à 3 500, l'enchère à droite ici, à 3 500, rien à gauche là, à 3 500, la seule dans le catalogue par Rush Saman, à dans les 300 000, à 300 000, nous sommes à 3 500, nous sommes à 3 500, c'est bien vu, à 3 500, c'est bien vu, on va juger à 3 500, tenir tout d'horizon à 3 500 €, fini là, à 3 500, à la juge. Guy, votre enchère, 3 500, merci pour votre aide. Le numéro 203 est présenté par le haras de Précolette, Chantala, jument B, née en 2007 par Xar et Chantarina. Elle est présentée pleine de No Risk At All. Dernier service le 29 mars. Je m'en fie de Zar avec du cadre, très bon son d'une fille de Farley, d'une fille de Blushing Groom, elle-même fille de Zedan, donc une très tute balsuche. L'agécran ici, mesdames et messieurs, la mère et propre sœur de Chantarini. Combien vaut-on ici? Elle est pleine de no risk at all. Combien vaut-on? Débute à 2000, allons-y, 2000, 2000, au moins, allons-y à 2000. Qui a 2000? Donnez-moi 2000 quelque part. 1000, 1000, voulez-vous? 1 000 €. 1000 à droite de l'enchère maintenant, 1000, à 1000 du sommes, à 1000 d'une fille de Farley, 2000, 2000 l'enchère maintenant, 2000, 1500, 1500 l'enchère, à 2500, 1500, 1500 l'enchère maintenant, 2500, 2000, 2000 du sommes, à 2000 du sommes, no risk at all, pleine de 2500, 3000 enchères, à 3000 en face, l'enchère maintenant, 3000 et plus vous, Guy, maintenant, 3000, à 3000, 3000 du sommes maintenant, l'enchère ici en face, à 3000, à 3000 qui couvre l'enchère, 3500, 4000 voulez-vous, 3500, 4000 voulez-vous, ou là, à 3500 l'enchère à droite ici, à 3500, 4000 l'enchère,
4000 sœurs. À 4000 sœurs maintenant, 4000, regardez comme elle est née. À 4000, la propre sœur de Chantarini. À 4000, les Sardania. À 4000, mon enchère en face. À 4000, plus vous guillez là. À 4000, je vous entends pas du tout là, Laetitia. À 4000, l'enchère maintenant. À 4000, à 4000, suivant, 4500. À 4500, 5000, voulez-vous, monsieur? 4500. À 4000, oui. À 4500, voulez-vous, 5000? À 5000, 5000, nous sommes maintenant à 5000. À 5000, l'enchère, 5500. Cher. À 5500, no risk at all, sir. À 5500, l'enchère maintenant, 5500, va pouliner le fin de février, 6000 enchères, à 6000 de serve, à 6000 enchères maintenant, 6000, à 6000 devant le tuyau, je suis 500, plus voilà, monsieur, à 6500, 7000, voulez-vous, à 6500, oui ou non, à 6700 euros maintenant, à 7000, la fille du champion du monde, Zahar, ici, à 7000, une fille de Farley, une fille de Blushing Room, et aussi elle-même, une fille de Zedan, là, à 7500 l'enchère. À 7500, oui, mi. À 7500, merci, vous voudrez de l'enchère à droite ici, à 7500. À 7500, nous sommes, on va du nôtre, nous allons vendre pas d'argent ici, à 7500. À 7500, c'est bien vu, on peut la juger. Nathan de Barclay-Marc de Tombe, s'il vous plaît. 7500, l'enchère à droite. L'appel là-bas? À 7500, nous sommes, fini là, l'enchère Baki, toujours maintenant. À 7500, dernière fois, dernière chance. On les juge. Merci, Guy, 7500. Guy. Le numéro 204 est présenté par le Hara de Molpère. Cher Garina, jument Maiden Bay né en 2010 par Desert Style et Sherakat. A noter que son frère Sibiril a remporté le prix des Stayers à Argentan le 29 septembre pour ses débuts. Nous avons un certificat d'aptitude à la reproduction pour cette jument. Issue d'une famille très vivante, famille Sher King, famille aussi de Golden Nepi, Shamdala, Shalalenia. C'est la famille aussi de Shergar, tout de même, mesdames et messieurs. Deux victoires, des belles origines, famille Lagacran. On débute à 5000. Allons-y, 5000. Qui a 5000? 5000, 5000. Marche bien aussi à 5000. Double victoire, 5000, 2000, 1000, voulez-vous. À 1000 pour début débat, deux victoires, quatre fois placées, 1000 à droite l'enchère. À 1000, nous sommes maintenant à 1000. À 1000, la mère pas Inchenor d'une fille de Doyoun. À 1000, l'enchère maintenant à 1000. À 1000, nous sommes quel sujet maternel ici à Kinil. À 1000, 1000, nous sommes maintenant à 1000. La sœur de Sibiril à 1000. À 1000, 1000, 2000, 2000, l'enchère maintenant à 2000. À 2500, 1005, 1005, 1005, l'enchère. À 2005, 1500, nous sommes. À 1500, you can't blame me for trying. À 2500, l'enchère maintenant à 2005, 1005, nous vendons toujours. À 2005, sur le marché, à 1005. À 2005, 1005, regardez bien la sœur maternelle. Famille Chokai, sa famille aussi de Sugar. 2000, là-haut. À 2000, mon enchère maintenant à 2000. À 2000, nous sommes maintenant à 2000. À 2000, 2000, 2000, l'enchère Guy. À 2000, plus vous là. À 2000, mon enchère toujours maintenant à 2000. À de quel suche maternel fabuleux. À 2000, à 2000, l'enchère maintenant à 2000, à 2000, nous vendons toujours pas de réussir à 2000, à 2000, mon enchère qui se promène à 2000, c'est bien vu, rien à gauche, rien en face, rien à droite, à 2000, mon enchère tout en haut là, à 2000, on va juger alors à 2 millions, fini là, à 2000, on a juge. Docteur, juste en haut, merci beaucoup monsieur, 2000, merci docteur, 2000. Le numéro 205 est présenté par le Hara du Grand Chêneau. Summer Cloud, jument B, né en 1999 par Septième Ciel et Silent Circle. Jument 5 ans, mesdames et messieurs, plus de 5 ans, famille classique du Derby d'Epsom. English Springs, c'est Pentar, c'est famille aussi de Harvey Emma, la mère de Shirley Heights, toute bonne famille maternelle. Il faut noter aussi que les deux ans, Permis Sky est à l'entraînement aussi. Combien faut-on ici? Deux victoires. 33 placés aussi. Trois fois placés. Combien faut-on ici pour débuter? Allons-y. 5000, 3000, 1000. 1000, voulez-vous? 1000. 1000 pour débuter. 1000, la fille, de, fille gagnante, Septième Ciel. 1000, 1000. Allez, on vient donc de passer à la partie poulinière, élevage et foal. Parce qu'on a déjà eu un Raj Zaman tout à l'heure qui a été vendu. Une femelle même de Raj Zaman. 1000, voulez-vous maintenant? 1000. Une poulinière qui est présentée par le Grand Chêneau qui passe sur le ring, là, 205. Elle est vide de Dom Driver cette année. C'est une fille de Septième Ciel. Et l'origine, l'origine d'Alpine Rose, de Fra Grand Mix et de Fra Cassan également. Alpine Rose, la lorette de groupe 1 dans le genre romanais, qui est la sœur donc de Fra Grand Mix. Et donc Fra Grand Mix sera, selon toute vraisemblance, restera, pardon, au Hara de Rosière l'an prochain. Le numéro 206 est absent. Nous passons. L'année sûre encore, mais bon. On va. Il fait. En tout cas, il fait partie des 12 étalons donc, qui ont été repris par le Hara de Cercy. À la manière. Qui ont été loués au, à l'État français. En 2010 par Alnamix et Somac. Faute d'enchères retirée.
À noter que son frère Izawa compte une place supplémentaire. Il s'est placé deuxième du prix Geoffroy de la Selle à Lignières le 19 octobre et totalise 84 140 euros de gains. Nous avons un certificat d'aptitude à la reproduction pour cette jument. Frère du tube, certificat d'aptitude à la reproduction, pourquoi? Parce que c'est une médaine. Combien de temps ici? Famille très vivante alors. Poulinière médaine donc, qui est âgée de 4 ans. Elle est présentée par le hara de Mirande. Elle appartient d'ailleurs au hara de Mirande. C'est une femelle grise, tout comme son père Alnamix, qui fait d'ailleurs la monte au hara de Mirande. Elle est bien née donc par Alnamix et c'est une sœur de Izawa. Qui compte une victoire supplémentaire depuis l'opération du catalogue. Et ce fils de Calife, Izawa, est un gagnant de l'Istud à Auteuil, gagnant du prix Guillaume de Pracontal, un gros handicap quintet. Une seule sortie à 1000, la sœur d'Izawa à 1000, à 1000, la famille Boreal aussi. Quand une seule sortie en obstacle, cette femelle de 2-4 ans. À gauche, l'enchère maintenant à 1000, nous vendons toujours pas d'erreur à 1000. S'appelle à la manière. 1 000 euros, c'est bien vu, l'enchère à gauche, rien à droite, en face, l'enchère à gauche par Laetitia à 1000, nous sommes dernière fois, dernière chance. On les juge. Laetitia, merci beaucoup. 1000 euros. Le numéro 208 est présenté par le hara. 1000 euros. Elle est d'ailleurs élevée par le hara de Mirande. Jument B foncé, né en 2005. Lors de sa seule sortie, c'était cette année. Elle était arrêtée malheureusement. Cette pouliche. Je l'ai pouliche ici, jument ici. C'est chez nous. 1000 euros. Spinning World, grand vainqueur de 4 groupins. Tête fine, élégante, regardez cette pouliche-là, action très fluide. Et c'est racheté. Mesdames et messieurs, Isabelle Paco qui signe le bon. Rainmade, Rivermade, moqueuse. Combien vaut-on ici? 2000, allons-y, 2000, qui a 2000, d'aller voir 2000 quelque part. Isabelle Paco, la propriétaire donc du Cura de Mirande. Dans la manche. Mais toute demande devrait s'élever à 1000 à droite. À 1000, nous sommes, et contre vous là, monsieur, je vous attends là. À 1000, nous sommes maintenant à 1000. À 2000, enchères à gauche, à 2000. 3000 enchères. À 3000. Fille de Spinning World désormais. Ah, qui est présentée pleine de Wootum Bassett. 4000 juments ici, 4500. Dont les premiers produits sont yearling et qui se sont très bien vendus cet été, notamment. La fille de les poulains de Wootum Bassett. Wootum Bassett plutôt, qui a été talon au hara des Truands, évidemment, depuis ses débuts. Allons-y, les enchères. Il avait gagné le prix Jean-Luc Lagardère, entre autres, à l'âge de 2 ans, ce Wootum Bassett. Gauche, là, Laetitia. Donc il est entré au hara en 2012. Qui allô, Guy? Âgé de 4 ans. 6000, 7000, enchères maintenant, 7000. Ah, 7000, nous sommes maintenant, 7000. Alors, cette poulinière, elle a déjà produit. Et quand vous au gauche, là, 7000. 2, 3, 4 poulains. Dont le 2 ans est à l'entraînement en France, le Evasive. Elle est présentée par le hara de Grand Camp. C'est Eric Vermeek, bien sûr. L'action très légère aussi. Ah, 7000, nous sommes. C'est qui fait la monte, Evasive? Ah, 7000, nous sommes. Il sera à 6000 euros l'an prochain, Evasive. Elle est grande ici, à 7000, 7000 par Spinning World, à 7000. Ah, 7000 enchères à droite. Il y a Christine Duterte également qui m'a donné les prix. Saï 2015 de ses étalons. Ils auront 3 étalons au hara du Vézeray. Guy, merci beaucoup, 7000 euros. Ça ne va pas changer. Hormis donc Nakus qui arrive au Grand Chênet. Donc Mutatir sera à 7000 euros l'an prochain. Et My Boy Charlie et Weeper à 5000 euros tous les deux. En 2003 par Indian River et Trouble Ahead, Fee de Pebble. Combien pour la mère de... Elle est pleine. Isawa, mesdames et messieurs, pleine de Sadex. Elle est pleine de Sadex. Dernier service le 22 mars. Excusez-moi, Sophie. À noter que son produit 2009, Isawa, compte une place supplémentaire. Il s'est placé deuxième du prix Geoffroy de la Selle à Lignières le 19 octobre et totalise 84 140 euros de gains. Donc vous avez entendu toutes les updates de Sophie là. Combien faut-on ici pour débuter? La fille, la mère d'Isawa, pleine de Sadex. 5000 velours, 5000 enchères là-bas, 5000... Somax est tout simplement la mère du lot 207 qui a été racheté tout à l'heure pour 1000 euros. Et ici, on vend la mère, donc Somag, d'Indian River, et même fils de Kadodal. Et donc, c'est la mère d'Izawa, ce gagnant du prix Guillaume de Pracontal. Elle est pleine de Sadex, un autre étalon qui fait la monte au Rat de Mirande. 3000 enchères, 4000 à gauche là, 4000, mère d'une Black Type ici, à 4000. Somag, elle est née en 2003.
3, elle a gagné à deux reprises. 4500 Lisa, à 4500, 4500 mon enchère contre vous à la gauche là. Elle avait déjà été élevée au Hara de Mirande. Elle portait la casaque Evin. Elle est notamment gagnante d'un stip la peau. Pauline au mois de février, madame. Âgée de 5 ans. Et sa première victoire, elle l'avait obtenue en 2006, également un pot, dans une course de haie. Double gagnante et en haie et en stiple. Rien à droite là, mon enchère en face, rien à gauche là, Laetitia. 4500, dernière fois là, dernière chance. La juge, en face, monsieur, merci beaucoup. 4500. Le numéro 210 est présenté par Marie-Nick. 4500, et sachez que sa femelle de 2 ans, la King Sassa, est à l'entraînement chez Isabelle Paco pour l'écurie Mirande. De même que la pouliche de 3 ans. À noter que dans la première mère, Jubilance s'est placée 4e du Swedish Open Mile Listed Race et totalise 103 511 euros de gain. Je vous très bien présenté, mesdames et messieurs, elle marche bien. Elle est pleine d'Evasive, le père de Evasive First, donc pleine de très bons étalons, jeunes étalons Evasive First. Combien votons ici? 4000, 4000, voulez-vous 4000, 4000, joli jument bien présenté, plein de VC. Combien votons 4000, 1000, voulez-vous 1000, 1000, allons-y. À 1000 pour débuter très bas, 1000, allons-y, 1000 là-haut, là, monsieur. À 1000 à droite, l'enchaîne maintenant à 1000, à 1000, pas qui maintenant à 1000, à 1000, nous sommes à 1000. Elle est sœur déjà de l'Italie, la mère de Black Tide. 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, la chambre à droite à 3000, à 3000, pas qui maintenant à 3000, 3000, plus voilà, Sylvain, 3000, à 3000, 3000, l'enchaîne maintenant à 3000, 500, voulez-vous, monsieur, à 3000, voulez pas mettre 500, à 3000, l'enchaîne à droite ici, à 3000 pleines d'Evasive, à 3000 l'enchaîne maintenant, à 3000, 3000 l'enchaîne à droite, à 3000, à 3000 l'enchaîne maintenant, à 3000 pleines d'excellents Evasive, à 3000, le père de Evasive First, à 3000, à 3000 nous sommes, à 3000, à 3000. Le lot 210, une fille de Johannesburg, qui est pleine de Black Tide, deux Evasive. À 3000, à 3000 contre vous en face, là, monsieur, à 3000, l'enchaîne à droite ici, plus vous là, 5, oui, 3500, merci. À 3500. Et présenté par Marie-Yick, la propriétaire justement de cette jument. Appartient plutôt à Marie qui est présentée par le rat du lieu des champs, Richard Poel. À 3500 l'enchère en face et plus voilà, pleine de paires de Avis First, 3500, 4000 qui m'appelle là. Laetitia l'enchère. Attention madame, vous allez acheter le cheval là, madame en bas, attention là. À 3500 l'enchère ici, à 3500, 3500, 3500 nous sommes maintenant. À 3500, 4000, 4000, 4000 nous sommes maintenant. À 4000, 4000 l'enchère à droite de là, 4000. À 4000, 4000 nous sommes maintenant. À 4000, 4000 nous sommes. À 4000 pleine de EV, ça va 4000. Madame, vous voulez mettre une enchère là-bas? À 4000 nous sommes. À 4000, 4000, 4000 l'enchère maintenant. À 4000 l'enchère pas Guy maintenant. À 4000, 4000. Madame, méfiez-vous, vous allez acheter un cheval plus tard. À 4000, 4000 l'enchère maintenant. À 4000. Fais des menaces, John Kelly. Ici à 4000. On bat. Pour faire des menaces. Fini en face, rien à gauche là, à 4000. Après l'histoire, il y avait trois dames qui faisaient de grands signes dans la salle. À 4000, nous sommes à 4000. On aurait pu penser que c'était des acheteuses. Merci Guy, 4000 euros. Le numéro 211 est présenté par le château Gassard et vendu pour dissolution de l'association. Valouise, jument B, née en 2010. Extrêmement bien née. Oratorio et Valley Orchard. Et donc, c'est la sœur de Vivacissimo, le 7 juillet. Fils de Mutatir, qui est gagnante de l'Istat à Auteuil, le prix Karl Schomberg, qui s'est disputé derrière il y a quelques jours. Ici, la fille d'Oratorio, combien débute Antoine Confier, qui a pris le micro. 3, 3, 3, et donc, c'est une fille d'Oratorio, donc. À 1000 euros maintenant, qui débute les enchères, 2000 euros. Et elle est pleine pour la première fois de Blue Brésil. À 1000 euros, qui débute les enchères, 500, si vous voulez, la fille d'Oratorio, 500. À 1000 euros, maintenant 1500, bien sûr, 2000 pour y aller, à 2000 euros, 1500 euros, 2000 euros, à 2000 euros, si vous voulez, 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, jument pleine, Blue Brésil, allez, 1000 euros, à 2000 maintenant, 2000, 2000 euros, à 2000 euros maintenant, 2000, 2000, 2500, 2500 là-bas, 3000, vous voulez 3000, à 2500, c'est Guy Lanchère. A été élevé par le rat de Bourgeville, 500 euros, à 2500 euros, la fille d'Oratorio, 2500 euros, une place à Chantilly, à 2500, c'était sur 1400 mètres, la famille de... gagnant l'an dernier à 2500 gros Black Tide, âgé de 3 ans, 2500 euros, 3000. Il a couru deux fois cette année mais il n'a rien fait. On s'est bien vu le marteau à Chantilly également. Guy, votre enchère à 2500 euros, pas d'erreur. La mère Valère pardon, avait déjà été élevée par l'élevage de Bourgeoville, elle a été exportée en Turquie. On l'a vu, Guy, 2500, merci. Le et numéro 210 est absent, nous passons au numéro 213, par le rat de Bourgeoville. Loire de Lumière, jument B née en 2005 par Passing Sale et Yakalkat, fille de Ankalkat. Elle est présentée pleine de Irish Wells, dernier service le 17 avril.
Une jument de Passing Cell ici, pleine de Irish Wells, la famille, l'année du cadran, Geronito. Et 212 est absent. Il y en a Akaranga, donc maire de Red. On va passer à une autre poulinière qui est pleine de d'Irish Wells. Plus de 80 000 euros de gains, c'est un bon pedigree de famille. De polyglotte. Obstacle Atlantique du cadran, du black type, obstacle à tous les étages ici, pleine d'Irish Wells. Fils de polyglotte, combien de butons? 5, 3, 1000, maintenant, bonne jument, 1000 euros. À 1000 euros, vrai jument, vrai matrone, 1000 euros, j'ai maintenant. À 1000 euros, l'enchère, 1000, maintenant, 1500, Guy, 1500, 2000 en face, si vous voulez, 2000 euros, 2000, merci. À 2000 euros, maintenant, 2000 euros. Cette poulinière, cette 213, elle s'appelle Loire de Lumière. À 2000, 3000, elle a été, elle est née, tout proche, tout près d'ici, dans le Maine-et-Loire. Pour aller à 4000, elle a été co-élevée par l'écurie Pégase. À 4000 euros, plein d'Arichwell. Victoire, c'était en plat pour sa deuxième sortie. Votre enchère Laura, pas d'erreur. À 4 pour sa deuxième sortie, c'était à Savenay. Pédigré la famille sur 2100 mètres. Black Tap à tous les étages dans du Black Tap. Obstacle à 4000 euros, c'est bien vu. À 4000 euros, c'est Laura, votre enchère 500. Si vous voulez 500 maintenant. À 4500, non. À 4000 euros, c'est Laura, c'est bien vu. À 4000 euros, pas de regret, Guy, je vous entends plus. À 4 la Nierling par Balingari. La fille de une femelle, une deux ans par Forestier, également une femelle, une autre femelle par Nickname qui est âgée de 4 ans. On l'a vu. On est sans saignement pour l'instant, n'est même pas déclaré à l'entraînement. Laetitia. Le numéro 214 est présenté par le rat de Précolette, Scalia, jument B né en 2007 par Sagacity et Zicia. Elle est présentée pleine de Panis, dernier service le 21 mars. A noter que son produit 2012, Mulia, compte une victoire et une place en trois sorties à deux ans. Très bien. La fille de Sagas ici, pleine de Panis. Très bien. Le premier donc qui est vainqueur depuis l'apparition du catalogue. Donc depuis l'apparition du catalogue, la mère a donc fait un gagnant. Donc le combien de butons? Elle a même fait un gagnant. Combien de butons? 3, 1000, 1000, qui débute 1000, 1000, 1000 euros. 1000 euros plein de Panis, 1000 euros. À 1000 euros qui débarre, 1000, 1000, bien sûr. Le rat de la Précolette, donc. À l'enchère, 1000 euros, 1000 euros. Monsieur Chalet qui nous présente une nouvelle femelle. Voilà, 2000, 2000 euros. Belle jument Bébrune, 2000, 2000. Scalia. À 2000 euros. Saga City. Plein de Panis, 2000 euros. À Bischoff, Bishop, pardon, Cachel. À 2000 euros maintenant, 2000 euros. Scalia a elle-même été élevée par Monsieur Chalet. À 2000. Il est sous différentes entités, notamment l'écurie Altima, donc l'écurie Altima qui est l'élevée. L'éleveur pardon, de Scalia. Elle nous est présentée pleine de Panis. Dernier service, d'un très bon dernier service, le 21 mars. Sylvain, c'est vous. À 4000 euros, votre enchère en face. Et l'actuelle, 2 ans, une fille de Mua et Miné gagnante depuis l'apparition du catalogue. C'était en septembre dernier. 5000 euros l'enchère pour vous, Laetitia. Elle est chez. À 5000 euros, essayez 6000 tout de suite. Thierry Lemaire, à l'entraînement. 6000, j'ai maintenant 6000. Et il avait gagné à Castéra Verduzan. 6000 euros l'enchère, Sylvain, pour vous. Sur 1700 mètres. 6000 euros. Pour la Kazakh de la mode Saint-Pierre. À 7000 euros l'enchère, vous Laetitia, à 7000 euros. À 7000 euros, Sylvain, je vous en prie. Elle a eu un mal par Maiguri, cette poulinière. Et le premier produit, un fils de Dragon Dancer qui est hongre, ne compte qu'une seule sortie, c'était à Limoges. À 9000 euros l'enchère, et pour vous Laetitia, au fond, à 9000 euros. À 9000 euros, c'est surtout la sœur de l'excellent Gen Z. À 9000 euros, bien vu. Le fils de Gentle Wave qui s'était placé deuxième de l'Istat, c'était dans le prix de Lavre, il avait laissé entrevoir des espoirs classiques. À 9000 euros, c'est vu. À 9000 euros pour aller. Et ce Gen Z, si je ne m'abuse, était entraîné par le marteau Jonathan. Pour vous, Laetitia. Je vais vous dire cette suite. Euros, pas d'erreur. À 9000 euros. Par Jonathan Peace, plutôt. Je m'appelle 9000. À 9000. J'ai dit une bêtise. Donc. Votre enchère, Laetitia. Et donc, il était deuxième du prix de Lavre. Derrière Méandre. On la juge. 9000, Laetitia, merci. Le numéro 215 est présenté par le hara de Pouju. Bleu Aquarelle, jument sortant de l'entraînement, né en 2008 par Côte qui Bleu et Alcancia, fille de Vaguely Pleasant. Une gagnante ici, une sortie en plat, une gagnante, une victoire. La fille de Côte qui Bleu, donc la mère par Vaguely Pleasant, la fille de Ghislaine ici. Tout bonne famille de Black Tiger. Le lot précédent a été racheté. 3 000 euros pour aller vite, 1 000 euros. 1 000 qui débute la fille de coquille bleue, 1 000 euros qui est gagnante, une jument gagnante, 1 000 euros. J'ai maintenant 1 000 euros. Monsieur Chalet, pardon. 1 000 euros. Lui-même le bon. 1 000 euros maintenant, 1 000 maintenant, 2 000 si vous voulez, 1 000 maintenant, 1 000 maintenant, 1 000 euros. À 1 000 euros votre enchère, 1 000 euros. À 1 000 euros. À 1 000 euros qui continue, 1 000 maintenant, 2 000 euros. 2 000 Laetitia pour vous, contre vous, 2 000 euros. À 2 000 euros l'enchère, 2 000. À 2 000 euros c'est votre enchère, Laetitia, 2 000. 2 000 euros. À 2 000 euros.
euros tout de même. De Coq qui bleu, qui est passé d'ailleurs tout à l'heure sur le ring. Il a été acheté 12 500 euros. 1500. Il est désormais officier en Libye, ce Coq qui bleu. Et là, on a eu une de ses filles qui est née en 2008, qui est gagnante. Pour les 2000, à 1 500 euros, c'est pas de regret. À 1 500 euros, pas d'erreur, 2000 fresh bidon maintenant. À 2 000 euros, à 2 500, on y revient maintenant. 2 500 euros, 2 500, à 2 500 pour aller à 3 000. Non, j'ai 2 000 ici, 2 500 si vous voulez. 2 500 euros, c'est bon ou pas? 2 500, 2 500 euros l'enchère là-bas. 2 000, oui, ok, 2 500, à 3 000, non, à 2 500, vous, pas d'erreur. Voilà, votre enchère, 2 500 euros. À 2 500 euros, le marteau va se lever alors pour une belle jument. À 2 500 euros, une jument gagnante avec de l'os. À 2 500 euros, Laetitia, votre enchère à 2 500. On adjuge 2 500 euros, merci. Le numéro 216 est présenté par le Haras des Faunes, Ilocygne, jument B née en 2011 par Lorman et Back to My Roots. Elle est présentée pleine de Méguéry, dernier service le 30 avril. Donc une jument pleine de Méguéry, deuxième du Jean-Luc Lagardère, Roupin, Haras l'an dernier pour la première fois, c'est les premiers foals ici. Méguéry. Une fille de Loman, une bonne fille de Loman ici. Mère Fujasi Pegasus, la famille Alexia, grande édition, Saint-Ambamba, combien de bitons? 5, 3, 1000 euros, 1000 euros qui débute 1000, 1000, 1000 euros maintenant, 1000 euros j'ai maintenant, Alexia, 1000 euros bien sûr. À 1000 euros qui débute 2000, la fille de Loman, 1000 euros. À 1000 euros. Fille de Loman désormais. Elle est un pédigré pareil à 1000 euros. Elle portait la casaque de Jacques Berès. 1000 euros, 1500. À 1500 pour les. Évidemment, elle était entraînée par Jean-Marc Capit. 2500, Laetitia, votre enchère. Elle s'est placée à plusieurs reprises, notamment à Salon de Provence pour ses débuts. À 3000 euros. À Vichy également. Elle a pris une troisième place dans un réclamé. 3000 euros maintenant, la fille de Loman. Et elle est présentée pleine pour la première fois. 3000 euros, belle police. De Maiguri. Bien faite. Beau poil, 3000 euros, à 3000 euros l'enchère, en face de moi, à 3000 euros. Et le petite fille de Lexa qui avait gagné. Essayez 500, Laetitia. Qui avait gagné groupe 2. À 3000 euros, la fille Loman, pas d'erreur. À deux reprises, notamment en France, dans le Royal Lieu. À 3000 euros, mon enchère, en face. Et sa mère, Back to My Roots. C'est ici, là. La mère de Dilocine avait été élevée par, enfin, était entraînée, pardon. 500 euros. Par Xavier Nakachi. 500, si vous voulez 4. 4000. 4000. Si vous voulez 4000. 3500. C'est Ilocygne, notamment la sœur de Kilm, Yuri Kenron, qui est gagnant à deux reprises. 3500, merci. Et toujours à l'entraînement d'ailleurs. Le numéro 217 est présenté par le Haras des Faunes, appartenant à Florence Troadec. Nadija, jument B, née en 2011 par Dacha. Le Haras des Faunes continue à vendre ses pouliches. En tout cas, il présente. D'autres pouliches. Dutch Art ici, le réputé. Le 217. Ici, une femelle pleine de jument, pleine de Deportivo, pardon. Le père de Gaël Oshop, évidemment, cette année. Gagnante, à combien les bitons? 5, 3, 2, 1000 euros. L'un des tout meilleurs 3 ans en français. 1000 qui m'appelle 1000 euros. Ce Deportivo. 1000, j'ai maintenant Laetitia, 1000 euros maintenant, 1000 euros, 2000 si vous voulez, 2000, 1500, 1500. À 1500, le fille de Dutch Art, 1500 euros. À 1500, Fred. Avec une mère par Shiro Kiron. À 2000, maintenant j'ai 2000, 2000 euros. À 2000 euros, on parle du Dutch Art ici, pas d'erreur, qu'une mère gagnante. C'est bien une fille de Dutch Art, elle n'est pas Alzane comme son père Dutch Art, ni même comme son grand-père Médicienne. En face de moi, 2000, 3000 maintenant. À 3000 euros. Elle n'a pas couru cette Nadija. À 3000, elle est âgée de 3 ans. 3500, bien vu, 3500. À 3500 euros, si vous voulez 4 maintenant. Donc elle t'a failli cette année. À 4000 euros. Donc j'ai 3 ans donc. 4000 euros l'enchère pour vous. Deportivo. 4000. À 4000 euros, bien vu, Laetitia. À la Chopard, bien sûr, autour du ring. 4000 euros. À 4000 euros, pas de regret, Laetitia, je vous entends plus. À 4000 euros, on est à gauche. À 4000 euros, personne finit en face. À 4000 euros, le marteau va se lever alors. À 4000 euros, la fille de Dutch Art, pleine de Deportivo. Qui fait des gagnants, Deportivo. À Gallo Shop, gagnant groupe 2. 500, 4500, 4500, c'est un très bon croisement de Dutch Art. Alain Chopard dit non de la tête, donc 4000 euros, c'était sans doute le prix de réserve, voire 4500. Les deux ans, 4500, à 4500, Laetitia, c'est bon. Je pense qu'elle va être vendue. À 4500, fini Laura, à 4500, on a juge, 4500, Laetitia, merci. Le numéro 218 est présenté par l'élevage des Trois-Rivières. Beauchamp Xiara, jument B, née en 2006 par Campton Admiral et Beauchamp Buzz. Elle est présentée pleine de Évasive, dernier service le 31 mai. Une jument pleine devant vous d'Évasive, qui fait des magnifiques produits. Hein.
C'est le père entre deux cire domino, évasif des modes, piment rouge. La fille de comptoir, Compton, ballon admiral, qui est gagnante, une jument gagnante, demi-sœur du black tie, pleine d'évasives. Tout est réuni ici. À combien débutons? 5, 5, 4, 3, 1000, 1000, maintenant. Une jument qui est gagnante. À l'âge de 5 ans sur 2400 mètres. 2000 pour aller. Elle est pleine, donc d'évasive. Dernier service du 31 mai. 2000 euros. Présenté par l'élevage des Trois Rivières. J'ai 1000 euros qui continue. 2000. À 1000, 2000. Maintenant 2000 euros. 1500 alors. 1500, bien sûr. À 1500 pour aller à 2000, 2000, 2000 euros. Si vous voulez 2000, j'ai maintenant 2000 euros. À 2000 euros, une jument gagnante pleine d'évasives. 2000, 3000, 3000. À 3000, 2500 si vous voulez bien sûr. À 2500 euros. À 2500 pour aller à 3, à 3. Qui continue? Laura, je vous entends pas là-bas. À 3000 si vous voulez, j'ai 2500 euros. À 2500 euros, bien vu, 2500. À 2500. Regardez le pédigré, 3000. Regardez le pédigré, 3000. Jument gagnante pleine d'évasives, demi-sœur de Black Type. C'est ce qu'on recherche. 3000, à 3000 euros, Laetitia, c'est pour vous l'enchère, à 3000, 3000, 3000 euros, 3000 euros, à 3000 euros, Evasis qui produit très bien dans ses premières générations, 3000, à 3000 euros, c'est bien vu, à 3000 euros, tout de même, essayez 4000, à 3000 euros, c'est là, à 3000 euros, Laetitia, c'est votre enchère, à 3000 euros, pas de regret nulle part, à 3000 euros, bien vu, à 3000 euros, le marteau va se lever pour vous, Laetitia, à 3000 euros, dernière fois, dernière chance, à 3000 euros, on a le juge, 3000, Laetitia, merci. Le numéro 219 est présenté par le haras du lieu des champs, appartenant à l'EARL Michel, Bella Spring, jument B née en 2004 par Phantom Breeze et Belle Ambrée. Elle a été saillie en 2014 par Boris de Deauville, dernier service le 9 mars. Une fille de Phantom Breeze. Boris de Deauville. Pourquoi on en parle? Puisque cette poulinière, Royal François, Miller Thomas, qui est nommée Bella Spring, est pleine de Boris de Deauville, d'un excellent dernier service. Dernier service datant du 9 mars. Par ailleurs, elle appartient à l'ERL Michel, qu'on salue s'il nous écoute évidemment. Et l'ERL Michel, ce sont les éleveurs de Miller Thomas évidemment, qu'on retrouve sous la deuxième mère. Phantom Breeze, père de mère, maintenant 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, votre enchère. Qu'on retrouve, je disais, sous la donc deuxième mère. Alors elle n'a pas couru, Belle Spring. Un bon tissu qui marche. Sa mère, elle est non plus pas gagnante, mais c'est une sœur de 1500, Riverstone, Intime, Valdevi, entre autres, euros, sont tous les trois Black Type. 1500, bien vu, je l'ai pris. À 1500. Et donc Bella Spring est une 2000, si vous voulez, 2000, est une cousine de Royal François. 2500, si vous voulez. Gagnant du prix de la péricole, un groupe 3. 2500, 3000. Et c'est une tante également de Milord Thomas, justement, l'aurait depuis l'apparition du catalogue. 2500 euros maintenant, 2500, si vous voulez. On voit Richard Poel ici. 2500 euros. Je vous présente cette pouliche. La fille de Phantom Breeze. Et donc, Miller Thomas qui est lauréat depuis l'apparition du catalogue, 3000, du prix de la Jousselin. Marche bon tissu, 3000. À 3000 euros maintenant, 3000, 3000 euros. À 3000 euros maintenant, 3000, 3000, c'est bien. Alors, Boris de Deauville courait sous la casaque de Magalène Bryant. C'est votre enchère. Un très bon coursier, ce Boris de Deauville. L'enchère là-bas, Laetitia, à 3000 euros. Lauréat de groupe 2. Deux groupes 3, placé de groupe 1 également. Oui, c'est vous. Et le père de vainqueur. Le père d'Harry, entre autres. Cet excellent cheval. On a juge. Il avait fait ses débuts d'étalon au haras de Cercy avant d'être envoyé auprès de la princesse HSV Agency dans un des pays du Maghreb pendant 2 ans. Et puis il a été racheté l'an dernier par Magalène Bryant, donc son ancienne propriétaire, pour refaire la monte en France. Présentée pleine de mutatir, dernier service le 1er mars. Il a plutôt bien marché cette année, Boris de Deauville. Que son frère King of the Picts compte une place supplémentaire. Il s'est placé 4e du Weekend Hurdle Group 2. Le 31 octobre et totalise 59 792 livres. Une Holy Roman Emperor ici, pleine de mutatir. Papier très intéressant ici. Mutatir, donc père de Hipping depuis la partie. Présenté par le haras de Saint-Vincent, groupe 2, Thierry Dallalonga. Grand Prix de Listel à Nantes. Grand Prix de Nantes. Holy Roman Emperor, in the wing, pleine de mutatir ici, la famille d'Hector Protector. Une fille d'Holy Roman Emperor qui n'a pas couru. Qui est âgé de 3 ans et qui est d'ores et déjà pleine de mutatir. Avec un beau modèle en plus. Dernier service datant du 1er mars. 1000 maintenant, j'ai bien sûr Laura, 2000 maintenant, 3000. Et c'est une sœur d'un lauréat de groupe 3. C'est 4000 maintenant, 4000 euros. Et multiples placés de groupe 1. 4000 euros, Laura, c'est pour vous. Notamment 3e du Novices Hurdle. 5000 euros maintenant, 5000. À 5000 euros, la petite sœur de King of the Peak, 15 5000. C'est également une nièce de la toute bonne U13
Utrecht, 6 000 euros. Gagnante 6 000 euros, bien en France 6 000 du prix Chloé. 6 000 euros, 7 000. 7 000 Utrecht a été entraîné par André Favre, elle portait la casaque Maktoum. Pleine de mutatir. Et c'est une souche. À 8 000 euros, bien vu, 8 000 maintenant, 8 000 euros. Niarchos, sous la troisième mer, on retrouve Hector Protector, Shanghai également. C'est votre en 9 000. 9 000, à 9 000 euros maintenant, 9 000 euros. Et Siro. Avec vous à 9 000 euros. À 9 000 euros, pour les 10, maintenant 10, si vous voulez, maintenant 10, maintenant si vous voulez 10, j'ai 9 000. À 9 000 euros, votre enchère, Laetitia. À 9 000 euros, la fille de Holly Roman Rapport. À 9 000 euros, 10, Fresh Bidder, 9 500. 9 500 alors. 10 000, bien sûr. 11 000. 11 000, l'enchère est à gauche à 11 000 maintenant, 11 000, à 11 000 euros. Plein de mutatirs, de très recherchés mutatirs, des gagnants tous les jours, quand vous lisez les journaux, à 11 000 euros, à 11 000 euros, à 11 000 euros seulement, à 11 000, à 11 000 euros, pas d'erreur, 11 000 euros, Laura, c'est votre enchère, 12 000 maintenant, à 12 000, 12,000 only, à 12 000 euros, à 12 000 euros, bien vu, 12 000, à 12 000 euros, si vous voulez 13, si vous voulez 13, maintenant 13 000 euros, à 12 000 euros, c'est bien vu, à 12 000 euros, allez-y, Laura, 13 000, à 12 000 euros, c'est votre enchère, Laetitia. À 12 000 euros pour aller à 13 000, si vous voulez 13 000. On est à 12 000 euros donc pour cette fille d'Holly Roman Emperor. Mutatir, champion qui a notamment remporté le Jean-Luc Lagardère. À 11 000 euros, 12 000 euros, ans. Parlons pas d'erreur. À 12 000 euros. Donc pleine de Mutatir. Mutatir, il a 20 ans, Pépère, hein, déjà. À 12 000 euros, le marteau. Où il aura 20 ans l'an prochain. Oui, c'est ça, il aura 20 ans l'an prochain. Et il sera toujours au haras du Miseray, à 7 000 euros la saillie. 13 000, Laetitia pour aller vite, à 13 000 euros, à 13 000 euros, 14 si vous voulez, à 13 000 euros, téléphone 14 si vous voulez, à 13 000 euros, c'est Laura, votre enchère, à 13 000 euros, bien vu, alors une dernière fois, à 13 000 euros, pleine de mutatir, à 13 000 euros, bien vu, à 13 000 euros, pas de regret, à 13 000 euros, bien vu, à gauche, Laura, votre enchère, plus vous à droite, Laetitia, 14 000, 15 si vous voulez, chiffre rond, 15 000, tout de suite où le marteau se lève. À 14 000 euros, l'enchère est à droite avec Laetitia. À 14 000 euros, Laura, je vous entends plus. Il est 15, tour maintenant 15, si vous voulez 15 000. À 14 000 euros, pas d'erreur. À 14 000 euros, 15 pour 1 000 euros, vous allez laisser partir. À 14 000 euros, l'enchère est à droite, au téléphone. À 14 000 euros, bien vu, plein de mutatir, Oli Roman Lampeur. À 14 000 euros, on adjuge. Laetitia, votre enchère. André Casny, merci, 14 000 euros. Le numéro André Quesny. Oui, c'est pour le compte d'un client. Il arrive de Brest. Venise, jument grise, néon. Oui, mais il avait 17 chevaux dans son camion cette nuit. Pleine de Sri Putra. Il a fait les livraisons. Les services le 27 mars. Une Caldoun ici, le super père de On avait parlé tout à l'heure et qui a déjà produit. C'est pour le compte le père de ses clients. Mère de Fénis. Gagnant de Listed qui est pleine de Sri Putra. Un rat en 2014, donc ça sera les deux premiers en 2015. Combien débutons ici? 5, 3, 1000, 1000, maintenant 1000, 1000 ans, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, pleine d'un jeune étalon, 1000 euros. 1000 euros, la mère de Fenice. Caldoun, mère Irondeuk, 1000 euros, 1000 euros. Pleine de Sri Putra. Elle est présentée par le roi des embruns. Regardez le pédigré. Femelle grise comme son père Caldoun. À 2000 maintenant. La sœur de Simon du Désert, Faye Gray. 2000 euros maintenant, 3. Un excellent papier. 1500. Et cette pouliche, elle appartient à Olivier Pirot. On va y aller à 2000 de toute manière. À 1500 euros. Oh là, le micro est tombé. Pas de regret, micro d'Antoine. 1500. À 1500, 2000. 2000, bien sûr, 2000 maintenant. Où? C'était qui? Moi, j'ai 2000 euros là-bas. 2500. 2500. 3000. 3000. 3000. 3000. 3000 euros. 3000 euros. Au téléphone, 3000? 3000. Non. 3500 si vous voulez au téléphone. Au téléphone, il y a Paul Nataf. 3500 si vous voulez. 500 si vous voulez. 3500. 3500 euros maintenant. À 3500 euros, plus vous en face. 4000 maintenant. 4000. À 4000 euros. À 4000 euros, j'ai maintenant 4000 euros. À 4000 euros, 4000 euros la mer. Et donc cette Venise, elle est née en Irlande. 500. À 4000. Et donc elle appartient à Olivier Pirot. On y revient. 5000 euros maintenant. 5000 euros. À 5000 euros la mer. Donc c'est la mère de l'excellent Fenice. À 5500 euros, on y revient. À 5500 euros maintenant, essayez 6000. 6000 à 6000 euros, à 6000 euros maintenant, 6000 euros maintenant, 6000 euros 500, à 6000. Elle a eu un 6500, à 6500. Un mâle, une femelle plutôt de à vous de jouer. À 6500 euros l'an dernier, c'était une nuance grise. La fille de Caldoun à 6500. Qui est née en 2013. Une autre femelle de Weeper qui est en entraînement chez Monsieur Marion. À 6500 euros, pleine d'un tout jeune étalon, premier en 2015.
6 500 €. Et oui, elle est pleine de Sripoutra. Sripoutra, un fils d'Oasisrim qui a été récupéré par, 6 500 € là-bas, par Roger Simon du Radio Staz cette année. Rien en face. C'est la monte qui fait la monte plutôt depuis cette année. On a juge. Paul Nataf, 6 500, merci. Paul Nataf, c'est parti, c'est acheté. Le 2 est un supplément. Et c'est vendu plutôt. Présenté par Guy Chérel, Chattanooga, jument Alzane, né en 2006, par Turgeon et Chattoga. Elle est présentée pleine de König Turf, dernier service le 17 mai. Comment ? La fille de Turgeon est si pleine de König Turf. Un nouveau supplément au catalogue. Une femelle par Turgeon. Dolcetto, tout. Qui est présentée pleine de König Turf. Et est présenté par Guy Chérel. Guy Chérel qui est bien sûr ici, qui est présent. Discute avec Aurélien Kahn. Aurélien Kahn qui est de la région également. 1 000 €. Il habite à Morane. Le déboueur et pré-entraîneur Aurélien Kahn. 1 000 €, 1 500 € là-bas. 1 500 €. Laetitia, 1 500. Elle vient rendre l'aide cette enchère. Cette poulinière. Allez-y, 500, bien sûr. 3 000 maintenant. 2 000, pardon. 2 000 €. À 2 000 €, j'ai maintenant 2 000 €. Laura avec vous. 2 000 €. 2 000 €. À 2 000 €. À 2 000 €, l'enchère, c'est vous, Laura. À 2 000 €. À 2 000 €. C'est la sœur de Greencastle. Greencastle qui. À 2 000 €, plus vous ici. Qui était, pardon, déjà entré par. À 2 000 €. Par Guy Chérel, fils de Greentune. Canon du Jean Stern, 4 ans. 2 500. À 2 500 € maintenant. 2 500 €. À 2 500 €. On trouve beaucoup de chevaux qui sont sur l'Israël à Auteuil. Notamment Katao. De gros blind type, non, justement, pas Katao, pardon, Dolcetto, se qualifiait. À 3 000 €, voilà, 3 500. À 3 500 €, bien vu. À 3 500, 4 000, maintenant, si vous voulez, 4 000 €, si vous voulez. À 3 500 €, plein de König Turf, 3 500 €. La fille de Turgeon, tête de ça dans les étalons, obstacle, 3 500 €. Très belle tête, 3 500 €, mon enchère, ouais, cette pouliche. 3 500 pour aller à 4 000, si vous voulez. À 4 000, une tête, pardon, très arabisante. Arabisante plutôt, si on m'exprimait ainsi. Bien vu. À 3 500, votre enchère là-bas. À 3 500 €, pas d'erreur. À 3 500, 4 000. 4 500, 4 000 €. Bien vu alors, à 4 000 € terminé en face, à 4 000 € terminé, à 4 000 €. Quand même, la sœur de Greencastle, hein, gagnant le groupe. Il y a du pédigré là-dessus. À 4 000 €. On a le juge, Laetitia, à 4 000, votre enchère, merci. Le numéro 223 est présenté par le Haras du Chesnay pour la succession de M. Christian Enti, Loughlin, jument B, né en 2002, par Enrique et Clear Sound. Elle est présentée pleine de Captain Marvelous, dernier service, le 27 mars. Une jument par le tout bon Enrique ici qui arrive devant vous, qui est pleine de Captain Marvelous. Qui est déjà père de Captain Courageous. Un vrai pédigré, du black type à tous les étages aussi ici. Une fille d'Enrique pleine, combien débute-t-on? Allez-y, 1 000 qui démarre, 1 000 pour aller vite, 1 000 €. 1 000 € qui débute, 1 000 qui débute, 1 000 €. 1 000 €, la fille de Enrique pleine de Captain Marvelous, 1 000 €, Laetitia, bien vu, 1 000 € une seule enchère. Fille d'Enrique dont le Yearling, le Never on Sunday, s'est vendu hier. C'était le lot 99. 1 000 € 500, j'ai maintenant. Laissez-moi vous dire pour combien il a été acheté. À 1 500 €, pas d'erreur, 1 500. À 1 500 € l'enchère en face de moi, 1 500, 2 000, on y revient maintenant avec Laetitia, 2 000 € maintenant, 500 si vous le voulez. À 2 000 € Laetitia, votre enchère. Oui, bon, d'accord, 1 500 € seulement. 1 000 € maintenant qui m'appelle, 500 pour la prendre. Et tout à l'heure, le. La foule par Shakespearean pleine de Captain Marvelous passera 3000, sous le lot 2058. 2500, alors, 2500, ici, donc, on a la mère 500 € de ces deux poulains. Ça s'appelle Loughlin, si vous voulez, de Enrique, donc, qui est pleine de Captain Marvelous. Maintenant, à 3 000 € bien sûr, 3 000, 3 000. Qui est allant chez Larissa Knight. Si vous voulez, à 2 500 €. Captain Marvelous, fils d'une VCB Spirit. 500, si vous voulez. Gagnant à l'âge de 2 ans. Laetitia, votre enchère. Et, comment dire, du critérium de Maison Lafitte. À 3 000 € la fille d'Enrique est pleine de Captain Marvelous. À 3 000 € seulement. Tantoya, qui elle-même s'est placée de Lusted, de groupe 3 et 4e des Delmar Hawks aux États-Unis, évidemment. Qui elle-même bien produit et a sorti deux Black Type. Le numéro 224 est présenté par Gemuel Vittori, Amazona, jument B, né en 2010, par Danomast et Crème Pralinée. Cette jument est vide. This mare is not in full.
Elle n'est pas pleine de Maguri, comme indiqué sur le catalogue. Elle est vide. Merck a 6 victoires et qui a 2. Le dernier service datait du 2 juin. La famille encore un peu crème caramel. Crème caramel. Mais d'ailleurs, c'est dommage puisque il y avait plus de crème brûlée aujourd'hui au restaurant. Et plus de 300 000 euros de gains. Je suis vénère. Je suis sur les nerfs. 1000 euros. Attention, j'ai bien envie. 1000 euros, 1000 euros. Il avait une excellente entrecôte d'ailleurs. 1000 euros, madame. 1000 qui débute. 1000 euros. Bon, peu importe. Crème caramel, c'est la deuxième mère de cette Amazona. Solo 224. 1000 euros, madame. 1000 euros qui débute. 1000 euros, 1000 euros. 1000 euros. Elle n'a pas couru d'ailleurs. 1000 euros, madame. 2000, 1500. Sa mère a gagné à 6 reprises. Et elle a donné 1500 euros. Deux vainqueurs. Tentant tes rêves. À 1500 euros. Fit Evening World. 1500. À 1500, 2000 pour l'emmener si vous voulez 2000 euros tout rond. Et la sœur cadette de cette Amazona est passée hier déjà sous le lot 61. 500 euros, c'est bien vu. C'était une fille de Dragon Dancer. Et le 61 s'est vendu pour. Pas d'amateur dans la salle, ni en face. Pour 1500 euros le marché. 6500 euros. 1500 euros. Version latine. 1500 euros. Acheté par Donatien de Beauregard. 1500 euros. On la juge. 1500, Laetitia, merci. Le numéro 225 est absent. Nous passons au numéro 226, présenté par le Hara du Mesbray. Absent, c'est pas bien ça. Et pourtant, c'était une tente de body. Nous avons un certificat d'aptitude à la reproduction pour cette jument. Le Hara du Mesbray qui nous présente ce 226. Corianda, une fille de Daniel Dancer et de Cumin, une fille de Fusaichi Pegasus, pardon. Excellente famille. Et la troisième mère était une pure championne, c'était User Friendly. Bien pour débuter les enchères, la mère par Fusaichi Pegasus. Bon, elle avait gagné les Irish Hawks, cette User Friendly. Notamment Cucuma placé. Et la mère Cumin était troisième de groupe 3. Qui est Cumin était longtemps poulinière, ou c'est possible qu'elle soit toujours poulinière au Hara de Dumézret pour Marcello Randelli, qui est suisse, comme ne l'indique pas son nom de famille. Qui a eu plein de bons chevaux chez Marcel Roland. Chez Marcel Roland, il a des chevaux aussi chez Henri Lex Pantal. Yojo Friendly. C'est la troisième ère de cette. Tu te rappelles de Yojo Friendly? Non, je ne m'en rappelle pas de cette User Friendly. Montée par le vieux George Duffield. C'est elle qui avait fait une lutte extraordinaire à l'arrivée de l'Arc de Triomphe en étant battue d'une courte tête. Deuxième de l'Arc, battue par Subotica. Excellent, Subotica. Regardez le pédigré à 2000 euros. Allez, le 226, donc Corianda, Daniel Dancer. 500, 2500, 2500, à 2500, Sylvain Lanchère. Voulez-vous 3 à 2500, 2500 euros, Sylvain, vous l'emportez pour le moment à 2005, à 2500, à 2500 euros qui couvre l'enchère de 2500. Elle a une sœur qui s'appelle Ciboulette. À 2500. Regardez. Est-ce que la Ciboulette fait partie de la sauce gribiche? Non. Dancer. Ciboulette, à ne pas confondre avec Ciboulette, la mère de Night Shift, évidemment. Laetitia, c'est vous. 3000 maintenant. 3000 euros qui couvre l'enchère 500. 3500 euros toujours par vous. 3500, 4000. Ciboulette, la jument dont on parle, qui est une 2 ans et justement à l'entraînement chez Henri Alex Pantal. Elle n'a pas encore débuté. Elle va porter la casaque de son éleveur, tout simplement, Marcello Randelli. Il aura par vous l'enchère pour le moment à 4000. Mettez vos enchères. 4000 à 4000 euros seulement. Qui met 500? C'est le troisième produit de la mère. Voilà. Sa sœur aînée, Cucuma, nous sommes, c'est vu, Laura, une fille d'Invisible Spirit, on est d'accord. Laura, avait échoué à deux doigts de Daily Stud, était quatrième du prix de la flèche et quatrième du Roland de Chambure. Je vous la laissais partir, pas de regret. Elle était entraînée par Pascal Barry. À 4000 euros, le marteau se lève, pas de regret, pas en face, plus à droite. 4000, on peut la juger. Fini, dernière fois. À 4000 euros, 500, on y revient. 4500, Laetitia. Laura, que fait-on? 4500 euros. À 4005, l'enchère à droite de nouveau par vous, Laetitia, à 4500. Pas là, rien à gauche. 4500. À 4500, on met 5, mettez 5000. On essaie 5000? Non? Pas de regret? 4005, enchère à droite. Non, par vous, non. Laetitia, le marteau se lève. Non, on veut pas. Pas là, rien à gauche, fini. Et la mère Cumin, elle portait 4500. La casaque de Lady Bamford. Lady Bamford, la propriétaire de.
Feel Like Dancing qui fait la vente au Ras du Lion. 4500 euros pour le 226. De Grand Camp. Allez, on va passer au numéro 227. Une fille du regretté Lando. La mère, elle est par Batchouf, ça c'est pas commun. Elle est pleine de Tilors. Elle est présentée pleine. Et talons maison, puisque la jument est présentée par le Rat de Grand Camp. Tilors fait bien sûr la monte au Rat de Grand Camp. Son frère Dara Tango a remporté le Buchner for New Year's Day Handicap à Catrick le 28 octobre. Le frère vient de gagner, le propre frère. On le laisse arriver, la fille de Lando. Beau pédigré ici. La voilà. Alors ce monsieur là qu'on voit, elle est pleine de Tinors, qui nous vient du Maghreb, là qu'on voit, avec le pullover orange et le blouson, gagnant de la poule, la veste marron. Ça fait trois lots de suite qu'il vient d'acheter. Les chevaux qui vont partir au Maghreb. Gagnant, la mère et sœur de Black Type, du caractère gras dans la famille, donc pour cette fille de Lando. Petite fille d'Akatenango. Alors. 1000, 3000 pour débuter les enchères. 3000, 2. On débute à 2000 euros, à 2000. Pleine de Tinors à 2000. À terme en avril, à 2000 euros. Allons-y, 2000. Sylvain, à 2000. À 2000 euros, mettez vos enchères. 2000. Regardez là. Regardez le pédigré. 2000. À 2000. 3 maintenant. 3000. Guy l'enchère. À 3000. 3000. À 3000 euros. 500, 3500, 3500, 3500, Sylvain, 4000 maintenant à droite l'enchère, à 4000 euros, pleine de Tinors, à 4500, Sylvain maintenant, 4500, 4500, rien à gauche pour le moment à 4500, 4500 euros, allons-y, mettez vos enchères, 4500, 4500 euros en face de moi l'enchère, 5 maintenant, Guy de nouveau l'enchère, à 5000 euros, toujours à droite maintenant, par vous Guy l'enchère, à 5500, 5500 en face de moi, 5500, Sylvain, à 5500, excellente famille maternelle, pleine d'un bon cheval, à 5500 euros, pleine d'un gagnant de groupe 1. Oh, Mr. Richard Venn va enchérir et c'est parti. 6000 ? 6000 ? Laetitia ? 6000 euros. À 6000 euros qui couvre l'enchère de 6000 euros, 6000. Alors pourquoi il y a beaucoup de juments partent au Maghreb ? Parce qu'il y a une industrie des courses méconnue mais puissante en Libye notamment, en Tunisie, au Maroc et aussi en Libye. Et il faut savoir qu'en Libye, 7. Eh bien, il faut absolument que les chevaux soient 7000 euros, bien sûr, 7000. Et il faut absolument, pour courir, il faut que les chevaux soient nés et élevés en Libye. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juments françaises à bas prix qui sont achetées ici, notamment des plaines, c'est plus pratique, qui sont exportées en Libye et les poulains naissent libyens, donc ils peuvent courir. Euros, we are now. À 7500 euros, toujours la l'enchère à droite à 7500. Laetitia, c'est vous? On est d'accord, 7500. À 7500, Guy contre vous cette fois à 7500. Et rien à gauche. À 7500 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger. Contre vous, Sylvain également, à 7500 euros. Pas de regret, bonne jument ici, pleine de Tinors. 8000, on y revient. 8000 euros. L'enchère. 8000. À 8000. Guy par vous l'enchère à 8 cette fois. À 8000 euros, le marteau se lève, je vais l'adjuger. À 8000 seulement, pas de regret. À 8000 euros, 500. Merde. Guy, contre vous, 8500. 8500, il faut se battre. 8500 euros. L'enchère par Laetitia cette fois-ci, le marteau se lève, pas de regret. À 8500 euros, dernière fois. On peut adjuger contre vous, Guy. Merci de votre aide. À 8500, Laetitia l'enchère et on adjuge. 8500. Le numéro 228 est présenté par le Hara de Longray, Crystal Gem, jument Alzane née en 2009 par Cadeau Généreux et Desert Crystal. Elle est présentée pleine de désert blanc. Dernier service le 3 mars. Poulinière qui est pleine de désert blanc. La fille de cadeaux généreux. Ce qui est assez peu courant. Cette jument gagnante. Alors désert blanc, il avait un 100 mètres à 2 ans en Angleterre. Un destin tout simplement. De désert blanc gagnant. Désert blanc avait commencé sa carrière de course en France chez Pascal Barry pour la casaque du Mézeray. Il a été exporté aux États-Unis où il est à gagner groupe 1, le Manhattan Handicap. En février, à terme de bonheur, 5000, voulez-vous. Et alors, il y a deux ans, à 3000 euros, voulez-vous pour les. Il a été annoncé étalon en France, donc il y a deux ans, il est revenu en France donc. À 2002, à 2000 euros, deux, voulez-vous deux. Il a commencé à saillir, malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Mettez vos enchères, les gagnants à deux ans. Donc il est retourné à l'entraînement. À 1000 euros à gauche, l'enchère. Il a regagné. À 1000 euros qui pour l'équipe. Et il s'est replacé de groupe encore une fois. À 2000 euros, 2000 qui l'enchère. Et donc, entre-temps, il est revenu saillir, mais uniquement quelques juments. 2005, 2500, 2005, à gauche. À 2500, et donc, cette jument qui est pleine de ce désert blanc, donc. 3000, à 3000 euros, pleine de désert blanc, 3500, 3005, là. Crystal Gem, c'est solo 228, elle est pleine de désert blanc, donc. Et c'est une fille de Cadeau Generous. Gagnante
à 2 et une nièce de Stimulation. Pleine de désert blanc, à terme de valeur, groupe 2. À 3 500 €, nous sommes l'enchéré par le roi. Guy, je vous laisse faire. On peut imaginer peut-être que cette jument part également au Maghreb. Alors on avait peur hein, que avec les problèmes qu'il y a actuellement, gros problèmes politiques actuellement qu'il y a en Libye, le marteau se lève, qui est moins d'achat, mais manifestement non. 500 euros. Parce qu'on continue beaucoup d'acheter beaucoup. Hein. Tout à l'heure, le premier lot de la vente d'élevage Coquille Bleue a été acheté par Azied Ramdan pour faire étalon. Le numéro 229 est absent, nous passons... Et on continue dans la série, 3500, tiens, ça va être intéressant de savoir qui a acheté l'effectif. Ce lot 228 à 3 500 €. 2006 par Sadler's Wells et Diarshana. Elle est présentée pleine de Air Chief Marshall, dernier service le 3 avril. A noter que dans la deuxième mer, Crystal Diamond compte deux places supplémentaires. Elle s'est placée deuxième du prix Scaramouche Listed Race à Saint-Cloud le 3 octobre et troisième du prix Vulcain Listed Race à Deauville le 22 octobre. Elle totalise 67 000 euros de gains. La fille de Sadler West, c'est Calette Balti, écurie d'Oro Arnaud, qui signe le bon à 3 500 €. C'est à Lyon, la mère Pachan. Excellent croisement ici. Famille maternelle, pleine de caractère gras. Alors, pas de 229, on passe donc au numéro 230. Une Saddle Swells. La grand-mère Diamond. My God. Et la mère épart d'Arshan. Peut-être dans les derniers produits de... Enfin, c'est peut-être pas la dernière génération de Saddle Swells. S'il est mort, il a arrêté de saillir. Oh, je sais plus quand exactement. C'est en 2007, non, les derniers Saddle Swells. 10 000, Saddle Swells, 10 000. Une jument pleine de filles de Saddle Swells, je le répète, 10 000, 5. Saddle Swells, la mère part d'Arshan. Ça, c'est un croisement. S'il vous plaît, 3 000 euros, allons-y. Classique. Ah oui. 3 000 euros qui m'appelle, pleine d'Air Chief Marshall. À 3 000 euros, 3, 2, voulez-vous pour les buts et bas, 2 000 euros, pas plus bas, s'il vous plaît, 2 000. À 2 000. À 2 000 euros qui m'appelle, à 2 000, 2 000 euros. 1000 à 2000, à 1000 euros, 1000, voulez-vous 1000, à 1000 euros, la fille de Sadler's Wells, Splendid Chief Marshall, à 1000, à 1000 euros, allons-y, 1000, 1000 euros, 1000 euros, 2000, 500, 1500, 1500 à droite, à 1500, 1500 euros qui couvrent l'enchère à 2500, 2000 en face de moi, à 2500. Ah non, ni toi ni moi avions raison, c'était en 2008 dans les derniers produits, ouais, donc produits de Sadler's Wells. L'antépénultième production de The Saddle's Wells. 2005, 3 maintenant, 3 par vous. Quand on pense au prix qu'a dû coûter à l'époque la saillie de Saddle's Wells pour produire cette pouliche. De 3000, oui, une fille 500, 3500, Guy de nouveau, une fille de Sadler's Wells. Pleine d'Air Chief Marshall, à terme de bonheur, à 4000 maintenant, nous, on y revient, 4000 enfin. Donc on avait un croisement classique, hein, Saddle Swells sur Darshan, des chevaux de... Bon, Saddle Swells, il a tout fait, mais Darshan, c'était vraiment des classiques, hein, 2400 mètres. Et là, on a ramené de la vitesse, bien sûr, avec Air Chief Marshall, le fils de Daniel Lancer. 4500 seulement, nous sommes, mettez vos enchères. Cheval de 12, 1400 mètres. Guy, c'est vous. Pas d'erreur. On est, c'est 5000. Voulez-vous 5000 ? Grande famille des dés. C'est là. Voilà. 4005 et rien à gagner. D'où Diamond Green notamment, les bonnets talons. Laetitia, à 5000 euros. Kim et 6, à 5000 euros, c'est vu, pas de regret. 5000 euros seulement, la fille de Sadler's Wells, pleine d'Air Chief Marshall, dont les premiers produits ont 2 ans, plusieurs bons gagnants, à 5000 euros, à droite l'enchère. Alors Diamond Nizi, Arnaud, a été élevé, co-élevé par Baron Stone Stud. 5000 euros, le marteau se lève, on peut l'adjuger. Qui fait souvent appel à des... 6000 à des saillies de Coolmore. Et le premier Air Chief Marshall qui est né en 2013 a été élevé par le harad de Kietkieville. Pas de regret, pas là, pas en face, à 5500. Les Belges. Fini. D'ailleurs, Diamond Nizi, elle courait sous la casaque du harad de Kietkieville. Elle avait pris une deuxième place à Lyon sur 1600 mètres. 6500, on y revient, 6500. On monte gentiment, hein, c'est normal quand même, ça dans le swell, ça attire forcément. 6500 euros, le marteau se lève. Dernière fois, 6500. Alors c'est 6000 ou 6500? Dites-moi. Laetitia? Laetitia, 6000? 6000? On est d'accord. 6000 à droite, l'enchère, pas d'erreur. Enchère à droite à 6000 euros, pas là, rien à gauche. À 6000 euros, le marteau se lève et on va la juger. Dernière fois, pas de regret nulle part à 6000, là, l'enchère, on la juge. 6000. Oh, oh là 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 là. Il était temps, le marteau n'était pas tombé. On l'aurait entendu. Moi, je veux bien par 500. Mais il faut que ce soit rapide. Mais rapidement, allons-y, voilà. 6005. Alors Diamond Nizi, cette poulinière, elle avait déjà été rachetée en février 2013 pour 11 000 euros. L'enchère, Laetitia, on est d'accord? Fini? Et à l'âge de 2 ans, elle avait coûté 43 000 euros et elle avait été achetée.
elle avait été achetée au prix up, 43 000 euros donc. Le haras de la cour blanche. Et Yearling, elle avait été achetée 45 000 euros par Conmarnan. Par Simon du Désert et Dota Greta, fille de Greek. Alors maintenant, maintenant c'est Kiriki, la 231, une fille de Simon du Désert, la marque Green Tune. Elle est pleine de fuissés. Pleine de fuissés, gagnant du Moulin de Lens. Son premier produit s'appelle Cricri, un Le Havre qui n'a pas encore débuté. Le deuxième produit 2014 par Polyglotte. Plus de 80 000 euros. Une jument qui a été bien servie. Hein. La famille de Gange. Le Havre et Polyglotte. Ouais. Et là, elle est pleine de fuissés, le jeune étalon. Du haras du Kennet. 5 000, voulez-vous 5 000 euros, 5 000, 5 000, à 5 000 euros. Qui officiera l'année prochaine à côté de... Anodin, et oui, un nouveau fils d'Anaba qui rentre étalon au haras du Kennet donc. Allez, 1000 euros, 2000 euros, la mer pleine de fusées. Après son excellente deuxième place derrière Carcanti, dans la Federska Mile. 1000 euros, c'est la même, Guy l'enchère par vous, Guy. À 1000 euros, 1000, 2000, à 2000, à 2000, 1500, 1500, 1500, 1500 euros, allons-y, mettez vos enchères, 500, à 1500, voulez-vous deux, deux. Bouche compacte, enfin une jument plutôt, poulinière compacte. À 2000 euros, qui couvre l'enchère de 2000 euros, 2500, 2500. Laetitia à 2005, toujours à 2500, à 2500 euros qui couvre l'enchère de 2005, toujours la l'enchère à droite à 2005, à 2500, 3 maintenant, 3, 2 par vous maintenant à 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000 euros. Bonne jument, excellente jument de course gagnante à 6 reprises, 3500 à droite, de nouveau toujours Laetitia à l'enchère à 3500. Jument qui a une belle robe, Alzane brûlée. 4000, à 4000 euros, toujours à droite l'enchère à 4000, à 4000 euros qui prend le relais à 4000 euros seulement vu, à 4000 euros pleine de fuissés, je le répète. La famille de Gange. 4005 seulement, nous sommes maintenant à Gange, entraîné par François Boutin, si je ne m'abuse. À droite, l'enchère. Qui avait gagné le Critérium de Maison Lafitte à 2 ans avant de poursuivre une bonne carrière aux États-Unis. À 5000, pardon, 5000. Gange qui avait été 3e des 1000 des 2000 Guinées quand même. 5000 par vous, Laetitia. À 5000 euros, Laetitia, c'est chez vous, pas d'erreur. À 5000. À 5000 euros, le marteau se lève et on va la juger, pas de regret. À 5000 euros, bien vu, fini, pas de regret nulle part. À 5000, Laetitia joue les sphères. On est d'accord ? 500. On met 6. Tu avais fait un point statistique tout à l'heure 5000. Non, tout simplement pour la bonne et simple raison que le réseau pédale dans la semoule un petit peu. En charade, 6000, on y revient. Bah, on va pas dire que le danger c'est la campagne, hein, mais bon, c'est vrai que le réseau est pas génial. Donc, s'il y a des petites coupures, veuillez nous excuser, c'est un peu indépendant de notre volonté. Puis là, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de gens qui utilisent Internet. Donc, 6500, 6500, à 6500 euros. On a encore pas la fibre optique. Alors, pour ici. Non. À 6005, pas de regain nulle part. Enfin, pas de l'autre côté de Loudon, en tout cas. Laetitia, tout est chez vous. 7000 maintenant, pleine de fuissés. À 7000 euros, pleine d'un excellent cheval. À 7000, 7000 euros, toujours à droite, l'enchère. Et on va te juger. 7000 euros, pas en face, rien à gauche pour le moment à 7. Bien vu, fini. Dernière fois, dernier tour de salle, 7000. Laetitia, je peux la juger. À 7000 euros, le marteau se lève. Pas de regret. Dernière fois, on la juge. 7000, Laetitia. Le numéro 232 est présenté par le GFA Près du Roi. Elle se nomme Zicatella. C'est une pouliche alsane née le 18 avril 2014 par Hurricane Cat et Douce Mélodie, fille de Sing Spirit. Ah, une foule. Une foule déjà. Enfin, désormais. Le lot 232. Hurricane Cat, le père de Bolly cette année. La voici. Une canne en groupe 3. Par le père donc de plusieurs bons chevaux, dont Vizir Béré notamment, Extrême Cara en obstacle, et bien d'autres. Une famille maternelle intéressante ici, une bonne souche américaine, la mère par Singspiel. Bon père de mère. La mère par Singspiel qui est née en 2003, n'a pas couru. Combien pour débuter les enchères pour la fille du Hurricane 4. La mère s'appelle d'ailleurs la mère s'appelle Douce Mélodie. Son 2 ans. 3000 euros, 3000, a été vendu tout à l'heure. Une femelle par Pierre Gintelo, 157. On débute à 1000 euros si vous voulez. 1000 euros, mettez vos enchères. 1000. Ah, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros en face de moi. J'ai 1500 euros seulement. Et son Sireling, plutôt une femelle par Zanzibari, est passée hier sous le lot 68. L'enchère de 1000 euros seulement. Voulez-vous 500 quelque part? À 1000 euros, 1000 euros. Qui m'appelle? Qui couvre l'enchère de 1000 euros seulement. Et j'ai 1000 euros également. 1000 euros seulement, nous sommes à 1000. Mettez vos enchères. Hurricane 4, 1000. À 1000 euros, pouliche bien amenée ici. À 1000 euros, allons-y. À 1000 euros seulement, vous la laissez partir, pas de regret. Qui m'appelle? Voulez-vous 500? Qui met 500? La pouliche, 1500. 1500 euros à droite, l'enchère. La fille d'Hurricane 4 à 1500. Ça vaut beaucoup mieux que ça. Ça vaut mieux que ça. 1500. Beaucoup plus loin sous le. Sous la troisième mer. 1500 euros par vous. Au bout de la page du catalogue, on retrouve. On y revient.
contre Ouvora, Torio, Fahim et Blue Constellation. Blue Constellation qui est un fils d'Orpen et qui fait la montée aux côtés de son père d'ailleurs. Ouara du Téné. À 2000 euros contre Blue à droite. Chez Nicolas Riva. 2000 euros qui met 500. À 2000, c'est en face de moi l'enchère. 2000. À 2000, toujours la l'enchère par vous mettre l'enchère. À 2000. À 2000 euros qui couvre l'enchère qui met 500. Voulez-vous 500? À 2000, le marteau se lève, pas de regret. Bien vu, fini. En face de moi l'enchère. Dernière fois, pas de regret. On la juge. 2000, en face. Le numéro 233 est absent. Nous passons au numéro 234, présenté par le haras du Grand Chêner, appartenant à David Le Texier. Magic Roses, jument noir pangaré, né en 2005 par Indian Dane Hill et Final Care. Elle est présentée pleine de Dome Driver, dernier service le 27 avril. Cette jument est vendue sans TVA. Allez, pas de 233 absent. On va passer à la Indian Dane Hill. En mars, pleine de Dome Driver. Présentée par le rat du Grand Chêner, tout près d'ici. Le rat du Grand Chêner qui aura 4 nouveaux étalons l'année prochaine. Enfin, 3 étalons nouveaux. Dunkerque, Maïris, Nakous. Et peut-être un autre qu'on ne sait pas. Et la mère est la sœur de Kill de Crabe. Jument bien connu. Excellente jument dans sa région. Qui a produit un gagnant de course principale aussi. Combien pour débuter les enchères pour la petite fille de Dane Hill? Par Indian Dane Hill. Par Indian Dane Hill qui fait la monte chez les Dautouillon, Raphaël et Frédéric Dautouillon. Dans le Jura. À 5000 euros, voulez-vous 5? 5000, belle jument, regardez-la. À 5000 euros. Côté de Martillot, entre autres, aux côtés de Bach. 5000, 3000, voulez-vous 3? Et l'an prochain, en la deuxième partie de la saison de monte, ces trois étalons seront accompagnés de Samoum, l'excellent Samoum. Belle jument, je le répète, pleine de Dome Drive. Qui s'aillera en France pour une année, pour une saison de monte exclusive en 2015. Il va débuter au Haras de Saint-Voix. Allons-y, mettez vos enchères. 500. Puis il va terminer la saison monte donc chez Raphaël et Frédéric de Touillon dans le Doubs. 3005 à 3500 euros, pleine de Dome Driver, pardon, à 3500. À 3500, mettez vos enchères. À 3500, la famille de Kill de Crabe, je le répète, 3005, championne en Scandinavie, 3500 euros seulement. Nous sommes à 3005, à 3500. Laetitia, c'est vous? 4000. Qui met 500? 4000 euros, toujours à droite, l'enchère. 4000, pas là, rien à gauche. À 4000 euros, 4000. 4000 euros, we are now. 4000, 4000 euros. 4000 euros. 4000 euros, toujours à droite, l'enchère. 4000 euros, Kill de Crabe, championne en Scandinavie. 4000, 4000. Elle est pleine de Dome Driver. 4000 euros seulement, nous sommes. Laetitia, c'est vous? 500. Qui met 5? Voilà, Indian Dane Hill, qui est un étalon un peu vieux, mais c'est un étalon efficace. La mère, elle est par Carleon, et la jument est pleine de Dome Driver, qui fait la monte au haras du Grand Chêner. Pleine de Dome Driver, pas de regret. Qui va quitter le Grand Chêner. Pour une destination encore inconnue. 5000, à droite, de nouveau par vous et contre vous, l'enchère à 5000 euros. À 5000 euros, belle jument, je le répète, regardez-la, 5000. À 5000 euros, à droite, l'enchère, pas de regret. Le marteau se lève, je peux la juger, Laetitia? Bien vu. Dernière fois, à 5000 euros, on la juge. 5000, Laetitia. Le numéro 235 est présenté par le haras de Grand Camp pour réduction d'effectifs. Gabriel, jument B, né en 2003 par Gabriel. Gabetta, fille de... Ah, Johnny Hallyday. Elle est présentée pleine de Air Chief... Présentée par le haras de Grand Camp de nouveau. Gabriel, une jument allemande, fille de Big Shuffle, grand étalon en Allemagne, est mort désormais. C'est un cheval irlandais, Big Shuffle, américain même. Enfin, né aux États-Unis par Super Concorde. Et c'est de nouveau, j'en reprendrai mon discours tout à l'heure, c'est de nouveau ce monsieur avec le pull orange qui achète. Il a acheté beaucoup, beaucoup de juments depuis le début de cette vente d'élevage. Combien pour débuter les enchères? Donc Gabriel, la mère par Lomitas, voilà, Big Shuffle, un étalon, un cheval qui a couru en Irlande et en Angleterre sur le sprint, fils de Super Concorde. Il avait pas sa place comme étalon en Irlande, il a été envoyé 3000 pour les buts. En Allemagne, et c'est un sprinter, un des premiers étalons étrangers qui a été qui a intégré le sang qui était alors totalement fermé en Allemagne. Et il a beaucoup apporté. Il a été un nombre de fois incalculable, meilleure paire de 2 ans. Et 4 fois tête de liste en général des étalons, grand rival à son époque de Dashing Blade. 3 à 2005, à 2005, à droite, l'enchère toujours à 2500. 2500 euros, we are at 2005. 2005 à 2005, bonne jument, pleine d'Air Chief Marshall, la mère d'une gagnante à 2500 euros seulement nous sommes. Laetitia l'enchère,
2005, pas l'erreur. 2500, à 2005, 3000, on y revient en face. 3000, à 3000 euros, toujours en face. 500, 3500, 3500, à droite, l'enchère, de nouveau à 3000. Voilà, Big Shuffle avec une mère par Lomitas, le père de Dendrim. Elle est pleine d'air Chief Marshall, elle a fait un gagnant, American Angel, une gagnante d'ailleurs, c'est une femelle. Rien à gauche. Qui a gagné cette année, cette fille d'American Post. À 4000 euros. Alors c'est marrant parce que dans le pedigree maternel, on a un Big Shuffle, parce que la grand-mère Gaada, c'est une sœur de, une cousine d'ailleurs de Big Shuffle. Donc là, on a vraiment du Big Shuffle du côté paternel, bien sûr, c'est son père, mais aussi dans le pedigree maternel. Deux courses à 4000 euros, l'enchère à droite par Laetitia, 4000, le marteau sur la vie, on va la juger, pas en face, rien à gauche, à 4000 euros, on peut la juger, Laetitia, on peut, pas de regret, là, l'enchère, dernière fois, on la juge, 4000, Laetitia. Le numéro 236 est présenté par le GFA Près du Roi. Il se nomme Grand Beaufort, c'est un poulain B né le 18... Voilà, 4000 euros pour la jument Gabrielle. Grande époque. Pleine d'air Chief Marshall, elle avait le profil pour partir au Maghreb, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est la majorité des cas. Ah, un foal. Le mal de Hurricane 4. Un joli foal, le 236. Le frère de Grand par, notamment gagnant à trois reprises, bon cheval de course, plus de 100... Ah bah voilà, le monsieur. La mère et sœur de Grand Beautemps, placée de... On le voit. Voilà, effectivement. Cheval dur, gagnant à 7 reprises. 30 beaucoup d'acheteurs qui nous viennent de Tunisie, de Libye et du Maroc. Et de nouveau, elle a une jument pleine qui part, qui va traverser la Méditerranée. 5, 3, 3000, voulez-vous 3000, 3000 euros, 3000 euros, le mal. Alors c'est une sacrée aventure, hein, parce que c'est souvent Fatih de la STC qui fait ses transports. Les chevaux descendent à Marseille, ils prennent le bateau. Le bateau dans les camions, ils arrivent à Tunis et après de Tunis ils poursuivent leur chemin en camion jusqu'à la frontière libyenne et ils descendent juste avant la frontière libyenne. Souvent ils passent, les juments passent la frontière à pied et ils sont récupérés dans d'autres camions de l'autre côté de la Libye. C'est-à-dire qu'en ce moment pour aller en Libye c'est quand même assez tendu. Mais les chevaux eux y vont. Allez, Hurricane 4 et Grande Époque par Valanour, le père de Voix du Nord. Valanour, c'est un foal. Pas là. Par là, et rien à gauche. Présenté par la GFA Près du Roi, que je ne connais pas personnellement. À 3000 euros, qui couvre l'enchère, 3000 euros, bon poulain de Hurricane 4 ici. À 3000 seulement, nous sommes 3000. 3 à 3000 euros, l'enchère par vous à droite, Laetitia, pas l'erreur. Pas là, rien à gauche. À 3000, à 3000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît. Bon poulain de Hurricane 4, à 3000 euros, le marteau de Slavie, on va la juger, pas de regret. À 3000, bien vu, fini. Laetitia, votre enchère, rien ici. À 3000 euros, pas de regret, rien à gauche. À 3000 euros seulement, vous le laissez partir. Poulain d'Hurricane 4, le frère de Grand Akbar, 3000. Le marteau se lève, Laetitia, c'est chez vous. Pas de regret, on peut adjuger la l'enchère dernière fois. On adjuge. 3000. Laetitia. Alors, pour l'instant, la vente d'élevage, avec les 36 premiers numéros, la vente d'élevage, on en est à 70% de vendus. L'année dernière, c'était 74 à la fin. Et un prix moyen de 4700 euros pour 4100 euros l'année dernière. Donc, on est à peu près sur les mêmes bases que l'an dernier. Et, mais là, à la vente, il n'y a que 30 lots, hein, de passer. Donc, c'est pas vraiment, on ne peut pas encore faire des grandes tendances. Alors, en ce qui concerne, en revanche, la vente des stores, des chevaux d'entraînement qui est terminée, on en était à 60% de vendus. C'est la vente qui a entamé la journée, hein, avec 70 lots à peu près. 60% de vendus pour 60,61% de vendus l'an dernier. Donc, c'est exactement pareil. Et 7100 euros de prix moyen par rapport à 6944 l'année dernière. Donc, voilà, on a 150 euros de plus en termes de moyenne. Le prix médian, il a baissé par contre. 3500 euros par rapport à 5500 l'an dernier. Là, voilà. Là, voilà. Alors, j'en profite. On s'était quitté hier, on n'avait pas les résultats bien sûr définitifs de la vente de Yearling. La vente de mère, petite fille de Storm. La vente de Yearling, 2014, on a terminé avec 75,22% de vendus. Bon score, 71,29 seulement l'année dernière. Et un prix moyen de 6464 par rapport à 5006, donc à peu près 850 euros de plus. 5000 à 5000 euros, 5, 5, 3, voulez-vous 3, 3, 3000 euros, 3000, 3, 2, pas plus bas s'il vous plaît, 2000, à 2000 euros, 2, 2, à 2000 euros qui m'appelle, 2000, My Boy Charlie, à 2000, à 2000, à 2000, Laura, à 2000 euros qui couvre l'enchère de 2003, voulez-vous 2, à 2000 euros à gauche l'enchère, à 2000 euros, regardez la fille de My Boy Charlie, à 2000, 2500, 2500, entre 2500, là-bas, l'enchère à 2005, à 2005, et le prix médian était de
5000 euros par rapport à 4005. Celui-là, il n'a pas bougé quasiment toute la journée. Voilà pour les statistiques d'hier qui étaient positives. La vente de store de, du début de journée aujourd'hui, c'est des résultats à quelques détails près, quasiment équivalents à ceux de l'an dernier. En ce qui concerne la vente d'élevage, ben on en saura plus un peu plus tard. On est parti sur des meilleures bases là. Jument de vitesse. La mer est gagnante à on est parti sur des meilleures bases avec un prix moyen pour l'instant de 4900 par rapport à 4100 l'an dernier. La fille de My Bosch, par contre, il y a un petit peu moins de vendus. 70% par rapport à 74 l'année dernière. À 4000 euros seulement nous sommes. Regardez là. 4000 euros. My Bosch, Charlie, Philly, here. À 4000 euros seulement nous sommes. 4000 euros, we are now. 4000. À 4000 euros. Alors, un poulain de My Boy Charlie présenté par la marquise de Moratala, poulain qui marche très bien, grand poulain. Une pouliche, à Rukena, né le 23 mars. 4500. À 4500, faut mettre 5000. 4500. Regarde. Fille d'une excellente sprinteuse, Fruta Bomba, qui avait gagné le critérium de vitesse à Maison Lafitte. Il enchérit rien à droite là-bas, à 5000. À 5000 euros, voulez-vous 6. À 5000 euros, la fille de My Boy Charlie, pas de regret nulle part. À 5000 euros, le marteau se lève, je vais la juger. La mère gagnante à 2 ans, à Deauville. À 5000 euros seulement, vous la laissez partir. Votre enchère, Guy, on est d'accord. À 5000 euros, le marteau se lève. Rien à gauche, Laura, je vous laisse faire. Merci de votre aide. 5000. Pas de regain nulle part dans la salle à 5000 euros. La fille de My Boy Charlie, dernière fois. Guy, votre enchère. Rien là-bas. À 5000 euros, le marteau se lève. Pas de regret. On peut la juger. On la juge. 5000 euros, Guy. Le numéro 238 est présenté par le haras de Grand Camp pour réduction d'effectifs. Have a nice day. Jument B, né en 2005 par Black Sam Bellamy et Ara Plata. Elle est alors, pleine de Yum Zain, dernier service. Oh là, une grande jument présentée par le rat de Grand Camp. Have a nice day, issue de Black Sam Bellamy, le frère de Galiléo. Moins bon étalon, bien sûr. Hein. Elle est pleine de Yum Zain. Elle est pleine de. Et c'est la sœur de Harsh Brown, gagnante placée de groupe 3, troisième du groupe 3, le prix Price der Winter Königin, la meilleure course pour les femelles de 2 ans en Allemagne. Une fille d'Oasis Dream qui est elle-même la fille de Ebony. Tandis que là, on voit le docteur Frémio avec sa fille. L'un des meilleurs 2 ans. Français, Virginie, que nous avions eu le plaisir de vous vendre à la test l'an dernier. Et oui. Et Have a Nice Day est la sœur de la mère d'Evasive First. Pour cette fille de Black. Un des meilleurs 2 ans français, gagnant du prix des chaînes, fils d'Evasive. Oumayoun, sous première génération, Evasive First qui avait été vendue à la test chez Osarus l'an dernier, septembre 2013. 2000, à 2000 euros, 2000, à 2000 euros, 2000 euros, 2000, à 2000 euros, mettez vos enchères, 2000, 2, à 2000 euros, mettez vos enchères à droite, l'enchère, 2, à 2000 euros qui couvre l'enchère de 2000 euros, à 2000 euros, Evasive First, on va en reparler l'an prochain. Ah oui, on va reparler Evasive First. 2500, à 2500 euros. Elle est pleine de Yumzen, donc je vous l'ai dit, qui a sorti un Black Type avec ses premiers 2 ans cette année. Pour l'instant, elle a eu une 2 ans par Evasive, même croisement qu'Evasive First, donc on peut imaginer que ça remarche. Hein. Et un Yearling par Yumzen. Elle n'a pas eu de fall cette année, en 2014, et là, elle est pleine. Dernier service le 20 mars, un bon service, puisque le produit donc il sera supposé naître à peu près 11 mois après le dernier service, c'est-à-dire vers le 20 février. À 4000, à 4500, 4500, Laura de nouveau l'enchère à gauche à 4005, à 4500. Le lot prochain, c'est la sœur de Shopshoot qui a gagné le prix de France. Proche famille des Basifeurs, je le répète. Ce week-end. 5000, en face. Que fait-on ? John, votre enchère. 5000, Laura, c'est contre vous. Contre vous ici aussi à droite, à 5000 euros. 5000 euros qui couvre l'enchère de 5000 euros pleine de Yum Zain. À 5000 euros, l'enchère est là maintenant par vous, John, et on va juger, pas de regret. À 5000, on met 6 si vous voulez, 500, 5500, 5500. À 5500 euros, toujours à gauche, l'enchère par vous, Laura, à 5500. À 5500 euros, que fait-on ? Pas là, plus à droite. À 5500 euros, pas de regret nulle part. L'enchère est par vous, Laura, toujours, pas d'erreur. À 5005, le marteau, 6000, alors j'ai 6000 ici. Mettons. Ah, voici les enchérisseurs. Que fait-on ? Et j'ai repéré les autres enchérisseurs. Ouais, ça, c'est intéressant. On va suivre le. Dès qu'on a fini avec cette image. 6 à gauche. 6500, Guy ? J'ai 6000 à gauche, on est d'accord. Hein. On met 500 si vous voulez. 6000 à gauche l'enchère. On met 500. 6000 à gauche, 6000 à gauche. 6000 à gauche, 6000 à gauche. Que fait-on ? On met 500 ? 6000 l'enchère est à gauche. Et vas-y first, on va en parler l'année prochaine. À 6000 euros, l'enchère est là, à gauche, par vous, Laura. On est d'accord ? Pas l'erreur. Guy, on met 500 ? On essaie 500 ? Voilà, l'enchérisseur. Alors, je sais plus exactement qui a l'enchère actuellement, mais en tout cas, il a mis des enchères, ce monsieur. 5, à droite de nouveau. Que fait-on, Laura ? Ah non, c'est reparti sur la droite, là, du coup.
à 6 500 €. L'enchère est là à droite et on va juger. Le marteau se lève. 7 000 à gauche. Il la veut. 7 000 à 7 000 €. Toujours à gauche l'enchère. 7 000 à 7 000 €. Pas de regret. Guy, je dois la juger. L'enchère est à gauche maintenant. Le marteau se lève. Fini. Pas de regret nulle part dans la salle. Dernière fois. Pas de regret. À gauche l'enchère. Et on adjuge. 7 000 €. Laura l'enchère. Merci, Guy, de votre aide. Ah, il y a eu plusieurs enchères qui sont parties vraiment dans des endroits différents. Laura des Faunes appartenant à Alain Chopard, Baquet à Shop, Jument B foncé née en 2011 par Deportivo et Harmony Shop. Elle est présentée pleine de panis, dernier service le 4 alors, février. Voici donc la sœur de Shopshoot qui vient de s'illustrer au plus haut niveau puisqu'il a remporté le prix de France à Auteuil, la course d'ouverture du week-end des 48 heures de l'obstacle d'Auteuil. Fils de Soaf, Shopshoot. Baquet à Shop, cette jument, elle, est issue de Deportivo, une jeune jument de 3 ans, pleine de panis pour la première fois, évidemment. Elle est pleine dès l'âge de 3 ans, elle n'a pas couru. Des courses gentleman à Auteuil. Et c'est Samuel Blanchard. On le connaît bien, le père de Samuel Blanchard qui signe le bulletin, l'écurie winning. Alors Samuel Blanchard, je ne sais pas s'il rachète. Samuel Blanchard, c'est l'éleveur de Evasive First, propriétaire d'Evasive. Shop Shoot, on le répète, Dollar Shop et bien d'autres. Il peut avoir acheté, c'est normal, il a très bien réussi avec Evasive First, donc on imagine qu'il va remettre cette jument Have a Nice Day à Evasive pour essayer de refaire le croisement. À 3 000 €, 3, 2. Alors, pour l'instant, revenons sur Baquet à Shop. Il enchère à 2 000. Allons-y. 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000. Baquet à Shop, donc présenté par Alain Chopard. Pour le moment, 2 000. À 2 000 € qui couvre l'enchère. Qui défend sa jument. 3 000 €, 3 000, 3 000, 3 000. Voulez-vous 4, pleine de panis. À 3 000 seulement, nous sommes à gauche. L'enchère, 4 000. À 4 000 € par vous, Guy. L'enchère maintenant, 4 000. La sœur d'un excellent cheval qui vient de gagner à hauteur. Le voilà, Alain Chopard. Il est en train de défendre sa jument, c'est normal. 4 500, à 4 500, la sœur de Shop Shoot, à 4 500, à gauche l'enchère, Laura l'enchère, à 4 500, faut mettre 5 maintenant, 4 500 €, elle est pleine de panis, une bonne famille maternelle ici, je le répète. Oui, alors c'est une bonne famille maternelle d'obstacles, puisque la mère harmonise Shop, déjà élevée par Alain Chopard, cette fille de Sing Kiang et la sœur de Symphonique, hein, quand même, gagnante du prix Sagan et du prix de Chambly à Auteuil, deux courses de niveau Listod. 4 500 € qui couvre l'enchère de 4 500, c'est vu. 4 500 €, c'est votre enchère, Laura, on est d'accord, à 4 500. 4 500, faut mettre 5 000. Qui met 5 000 €? On essaie 5 000 quelque part, elle est pleine de panis. La sœur d'un excellent cheval d'Obzac. À 4 500 € seulement nous sommes. Et Laetitia, rien chez vous. 4 500, qui met 5? On essaie 5 000 quelque part, voulez-vous 5? 4 500, enchère à gauche. Alors pourquoi nos acheteurs du Maghreb ne portent... On va juger... Même à 4 500 pas d'enchères, c'est parce que c'est peut-être un pedigree un peu trop obstacle pour eux. Il n'y a pas de course d'obstacle au Maghreb. Last time, last call. On la touche. 4 500. T'es racheté. Laura, pardon. Le numéro 240 est présenté par le haras du lieu des champs, Hope and Heart. Le 240, Richard Powell. Le 2 avril 2014. Le haras du break et Opa Opa. Lieu des champs. La voici. Pour Marie Nick, la mère par Mutatir. Fille de Sunday Break, la mère par Mutatir. La pouliche est déjà nommée, s'appelle Open Heart. Bon croisement, un Sunday Break Mutatir, c'est de référence du parquet talent français. La famille maternelle, la souche maternelle d'Alzao. C'est la cousine de Marble Garden et c'est effectivement la souche maternelle d'Alzao, un grand étalon, Alzao, qui fut meilleur étalon que Charles Lecourt. Sur Alzao n'avait gagné qu'un groupe 3 en Italie, mais c'est devenu un excellent étalon à Coolmore. Un des fondateurs de Coolmore, Alzao d'ailleurs. Fille de Sunday Break, à 1000 euros seulement, 1000 euros, 1000 euros la gauche. Et d'ailleurs, la deuxième mère, Light of Hope, est la propre sœur de Alzao, puisque Parly Farm, comme Alzao. 1500, Laetitia, 1005, à 1 500 € à droite l'enchère, 2000 maintenant à gauche, à 2 000 €, la fille de Sunday Break à 2 000, à 2 000 € qui prend le relais à 2 000, à 2 000 €, voulez-vous 500, Laetitia? Contre vous, à 2 000, 500, 2005, à gauche, à 2 500, toujours Laura l'enchère, à 2 500, pouliche bien née ici, à 2005, à 2 500 €, pas en face et rien à droite, 3 000 maintenant, 3 000, on y revient, 3 000, à 3 000 € qui couvre l'enchère de 3 000 €, c'est bien vu, 3 000 € par vous Laetitia, de nouveau l'enchère à 3 500, pardon. Le voilà Richard Powell, à 3 000 €, c'est... Rat du lieu des champs, vous allez découvrir un magnifique film, une vidéo sur le rat du lieu des champs dans quelques jours.
3 500 €. Tourner au drone notamment. Point de relais à 3 500, toujours à gauche maintenant. À 3 500 €, l'enchère est là par vous. 3 500, le marteau se lève. 4 000, par vous et contre vous, le l'enchère. 4 000 à 4 000 €. 4 000 à 4 000 €. Laetitia, c'est contre vous, on est d'accord. 4 000, le marteau se lève. À 4 000 € seulement, vous la laissez partir. Laura, c'est chez vous. On peut être jugé. Pas de regret, on la juge. 4 000, Laura. Le numéro 241 est absent. Nous passons au numéro 242, présenté par le Hara de Grand Camp pour réduction d'effectifs. Isarwell, jument grise née en 2002 par Stern Koenig et Idria. Elle est présentée pleine de 6 mâts de triomphe. Dernier service le 3 juin. Isarwell, une fille d'excellent père et mère Stern Koenig. Un jument ici qui ressemble beaucoup à la ligne maternelle d'une fille de Kings Lake ici. Alors, le 242, on me tire sur la veste, une jeune fille en train de me tirer, si elle m'a tiré le pantalon, ce serait mieux. Alors, qui est-ce? 2000, voulez-vous? À 2000, pour dévider très bas, allons-y, à 2000. À 2000, voulez-vous maintenant, à 2000. À 2000, pleine de la mer déjà de deux vainqueurs. Joël Boinard. Ah, c'est Joël Boinard, tiens. 1000, me remettez vos enchères maintenant à 1000, à 1000. Joël Boinard qui a acheté le 240, le foal. Il aime bien Sunday Break, c'est peut-être pour ça qu'il a acheté le foal pour 4 000 €. À 1000, nous sommes maintenant à 1000, à 1000, l'enchère maintenant à 1000, on débute à 1000, à 1 000 € maintenant, à 1000 suivants s'il vous plaît, à 1 000 €, à 1000, à 1000, à 1000, l'enchère maintenant à 1 000 €, à 1000, nous vendons toujours pas d'erreur ici, à 1 000 €. Suivant, s'il vous plaît, 1 000 € d'une fille de Kings Lake ici, très typée de la ligne maternelle ici, à 1 500 enchères maintenant, à 1 500, quand on en face là, 1 500, 2 000 enchères maintenant, oui, j'ai eu, à 2 000, c'est maintenant, à 2 000, à 2 000, pleine. Isarwell, une Allemande, par Stern Koenig et Idria, par Kings Lake. À 2 000, nous vendons toujours à 2 000. 6 places à 3 ans en Italie, en Belgique, en Allemagne, elle a déjà donné 2 vainqueurs, dont un fils de Fastlane qui s'appelle Fast Isar, qui a gagné 8 courses. À 2 000, elle est pleine de 6 mètres triomphe, pleine du 3 mai. On va te juger alors, à 2000, c'est bien vu, à 2000, fini là, pleine de 6 mètres triomphe, à 10 000, à 2000, c'est revenu, somme, dernière fois, dernière chance, on fasse l'enchère à 2000. 5, 2005, c'est l'enchère maintenant, 2005, nouvelle enchériseur, monsieur, 2500, à 2500, vous avez failli l'avoir, monsieur, là, à 2005, remettez-en une, là, s'il vous plaît, à 2005, encore une, un petit coup, là, monsieur, s'il vous plaît, à 2005, 3000, voulez-vous, à 2005, nous sommes maintenant très typés de la ligne maternelle. Très typés de la ligne maternelle, alors, une souche maternelle allemande. À 2500, souche des Irisette, Inarsix, Iberica. Alors, on vous l'a déjà dit, mais pourquoi les Allemands ont des souches, on dit les souches des I. Laetitia, 2500, merci Laetitia. Le numéro 243 est la souche des I. Le Hara de Grand Camp pour réduction d'effectifs. Isabeau, jument B, née en 2004 par Silvano et Insincerity. Elle est présentée pleine de évasives, dernier service le 25 mars. Pleine de paires de évasives first, grand souche, Queen Midas, des créditeurs, jument profond ici, excellent souche. Nijinsky, Mr. Prospector, Machiavellian, mère déjà d'une vainqueur, pleine d'évasifs. Combien votre temps ici? On débute à 2000. Voulez-vous qu'il y ait 2000? Donnez-moi 2000 quelque part. 1000. Voulez-vous maintenant 1000? Mettez vos enchères à 1000, jument. Mère d'une gagnante déjà. 1 000 €. Voulez-vous maintenant 1000 enchères? Alors, 1000 enchères. De nouveau, le rat de Grand Camp qui réduit, hein. Isabeau, une jument belge. C'est pas commun. Le 243 par Silvano, étalon qui fait la montre désormais, qui a fini sa carrière d'étalon en Afrique du Sud. Et la mère Insincerity par Machiavellian. Elle est pleine de évasive cette jument. Oui, donc je disais pourquoi les lignées, les juments allemandes, on les voit, elles ont souvent des noms, enfin c'est toujours des noms qui commencent toujours par la même initiale, c'est tout simplement que c'est légal, c'est obligatoire. Merci pour votre aide quand même. Pour qu'un cheval, pour enregistrer un cheval au directorium, donc l'équivalent de, enfin pas France Gallo, mais l'équivalent du CIR en Allemagne, vous êtes obligé de nommer votre cheval pur sang. Avec un nom qui a la même initiale que celui de sa mère. Donc la souche des I, la souche des A, la souche des L, etc. Voilà, l'enchère en face, à tombé fini là, à 3 minutes, ça m'a 3 000. On a juge. Qui, merci beaucoup, 3 000 euros. Le numéro 244 est absent, nous passons au Allez, pas de 3 000 euros donc pour la Silvano qui s'appelle Isabeau. Jument B, née en 2000. Pas de Wouch, le 244. Donc on va passer à... Elle est présente attention, mesdames et messieurs, on va passer à ici avec de l'os. Jument tout à fait particulière dans ce catalogue.
Deuxième du groupe. Présenté par le Haras des Coudray, c'est-à-dire l'élevage originel de la famille Montesson, de Pierre Ducomte, Pierre de Montesson. Vous connaissez bien la famille. C'est une Balingari et Caprissima par Épervier Bleu et par Caprica. Donc, c'est la souche de Géos et Capgarde. Voici la nièce de Capgarde par Balingari. Elle est pleine de Saint Dessin. Bon. Elle a eu un foal cette année par Erichouel. Là, elle est pleine de Saint Dessin. Pleine du père d'Argentique à Mille. Alors, sa mère, Caprissima, qui a gagné deux courses, qui a gagné à Auteuil deux fois, elle a fait cinq chevaux d'âge de courir, pas de vainqueur. Ça, c'est le problème, dont elle qui n'a pas couru. Mais le pedigree, il est en béton. C'est la nièce, quand même, de Géos. Donc, Capgarde, que tout le monde connaît, champion d'obstacles, le père de Top Étalon d'obstacles, les pères de Milord Thomas. Et voilà, et elle est pleine de sa dessin, surtout. Sylvain, à 3500, un plus haut en face, monsieur. À 3500, nous sommes à 3500, l'enchère là-bas par Laetitia. À 3500, nous sommes à 3500. À 3500, n'arrêtez pas maintenant, s'il vous plaît, Sylvain. À 3500, l'enchère maintenant. Alors, l'eau précédent, Isabeau a été racheté par le rat de Grand Camp, m'indique Lise, la cadreuse. 4500. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Donc le précédent est racheté. Enfin, le précédent, c'était le 243, parce que le 244 ensuite était absent. On va passer donc à Caroli. Alors, pleine de Saint-Dessin, rien que pour avoir le produit de Saint-Dessin, ça vaut de l'argent. 5500 enchères maintenant, 5500 enchères, pleine de paires d'argentique, 6000 enchères maintenant, 6000, 6000 maintenant, 6000, 5500. Alors, 6500. En fait, ce qui est marrant, c'est que. 6500, 7000, voulez-vous? 6500, c'est la même branche lointaine si on vient loin. Que celle de 4 coups. C'est pas ça remonte, il faut remonter un peu au calendrier grec. Hein, mais... 8 000 enchères, 8 000 nous sommes, oui, arrondissez au moins maintenant. 8 000 enchères maintenant, 10 000, 10 000 nous sommes maintenant, 10 000. 10 000, 10 000, 11 voulez-vous encore maintenant, 10 000. 10 000, 10 000 nous sommes maintenant, 10 000, voulez-vous pas mettre 11 encore maintenant. 10 000, 10 000 nous sommes, quand vous là, Laetitia, 11 000, 11 000 enchères. 11 000, joli jument ici, 11 000. 11 000, plein de saints, 11 000. 11 000, plus là, monsieur, 11 000. 11 000, 12 000, 12 000, la fin. Alors, ce qu'il va falloir suivre aussi, c'est la 3 ans par Western. Turner Katushka, qui est encore plus proche du Graal, hein, puisque c'est la nièce de Kotkita, du Kotkidi, famille de Katko, etc. Ce sera le 249. 14 000 enchères. 14 000 euros. 15 000 enchères. 15 000. Il y a Guy Petit qui est en train de mettre des enchères. 15 000 enchères à droite ici. 15 000. Vous laissez partir maintenant. 15 000 seulement, c'est sûr. 15 000. 16 000. Vous voulez encore maintenant 15 000. 15 000 enchères. 16 000. Oui, une enchère de Guy Petit. On peut pas le voir. Il est au-dessus du 16 000, 17 voulu encore maintenant. Il est au-dessus de la rambarde là. 16 000 ici, là-haut. 16 000 sur prendre courant par là. 16 000 aux deux à l'avant, pas d'erreur ici à 16 000. C'est bien vu, 16 000 euros. On va juger cette fois-ci à 16 000. Marteau se lève à 16 000. Est-ce que c'est Guy Petit qui va l'avoir? Guy Petit, merci beaucoup monsieur, là-haut. Merci. Et voilà, monsieur. C'est vendu à Guy Petit qui se paye pour 16 000 euros, une jument d'une grande souche maternelle. Pleine de saints des saints, 16 000 euros. Il y a 7 poulinières j'ai discuté hier avec le responsable du haras du Coudray, ils veulent garder 7 poulinières donc ils peuvent pas tout conserver bien entendu donc ils vendent. Il faut noter que quand mon décret sur les 2 ans cette année était vendu 115 000 euros au Brisabla. Donc, de 2 ans cette année par Sayuni, Count Monte Cristo. Vous avez bien entendu, donc, Blackberry Pie, ici, la jument présentée par le haras d'Aspel, la fille de Gulch, grand étalon américain Gulch, avec une mère par Petardia, à 2 ans, qui s'appelle Count Monte Cristo, qui a été vendu 115 000 au vent de Brizop, ce fils de Sayuni, qui a couru une fois en Angleterre. Sans ici, pour débriller. Allons-y, jaune 10 ans. Allons-y, mettez vos enchères à 10 000, vous lui avez 10 000, 10 000, 10 000. Alors, c'est la souche, sous la troisième mère. 15 000, 10 000. De Garde Royale, le vrai Garde Royale, le père de Capgarde, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure. Mettez vos enchères à droite. Sur la troisième ère, donc, on a le Garde Royale, qui a un grand étalon d'obstacles au haras nationaux à l'époque, au pain. Et là, la jument est pleine, Blackberry Pie, elle est pleine de Air Chief Marshall. Super bien né, hein. Sa mère, Name of Love, a gagné groupe 3 et a produit Perilous Poursuite, gagnant de l'Istode. Il y a des Black Type à toutes les générations. 4 000 enchères ici en face, à 4 000. Maintenant, ces premiers produits n'ont pas encore gagné. À 4 000. Le premier produit, Verona de 2009, ensuite Magic dans Lando de 2010 et Soyons Fous de 2011. Et le quatrième, c'est Côte Monte Cristo dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un
500. Elle est sans renseignement en 2013 et 2014. Donc elle a été saillie, mais ça n'a rien donné. À 5000, nous sommes dans 5000. Plus là, 5000. La famille britannique joue aussi à 5000. À 5000, quelle suite maternelle, 5000. À 5000, la fille de Name of Love ici à 5000. Que de black type dans la famille ici à 5000. À 5000, 5000, 5000, enchère. Mon enchère, toujours en face ici. À 5000 qui prend le relais à 5000. 5500, 5500, vous l'avez presque. À 5500, nous sommes à 5500. Elle est pleine aussi. À 5500, pleine de Air Chief Marshall, monsieur. À 5500, pleine du père de Carriac, Cayenne, Dauphine de France. À 5500, l'enchère maintenant à 5500. N'arrêtez pas, s'il vous plaît. À 5500, nous sommes. À 5500, remettez dans une là, au moins, s'il vous plaît, monsieur. À 5500, l'enchère maintenant à 5500. Fini là. Merci. L'enchère à droite ici. À 5500, remettez dans une là. À 5500, go, au moins, une seule. À 5500, l'enchère. À 5500, nous sommes là. Donnez un tour d'horizon à 5500. Fini là. L'enchère à droite à 5500. À la juge. Laetitia, 5500. Merci beaucoup, Laetitia. À droite. Le numéro 247 est présenté par le Hara de la Haye. 5500 euros. Jument grise née en 2008 par Turgeon et Carrie Rose, fille de telle qu'elle. Elle est présentée pleine de bon. High Rock. Alors, on va passer une jument pleine de High Rock. Elle s'appelle. Tico Box. Ring of Kerry. Ah, Tico Box, c'est important de le signaler. Belle jument grise par Turgeon. Kerry Rose par telle qu'elle. Donc ça, c'est une souche du Ménil, en fait. C'est une pure souche du Ménil, puisque la mère Kerry Rose est une sœur de Kerry Gold. Il a fait une excellente carrière pour le Haras du Ménil. Il a gagné le Grand Prix de Vichy, la famille Devin. C'est aussi la mère est une sœur de Cherbon, hein, qui a été, vrai cheval de Listod, un Caldounévé, parfait glacé, Caldouchka, très bonne souche. Mais c'est présenté par le Haras de la Haye, c'est-à-dire Pascal. Nous, Turgeon fait toujours la monte au Haras de la Haye. Vous vous rendez compte, Turgeon, il a 26 ans. Il saillait encore 60-70 juments par an. Il est éternel, ce cheval. Et la mère est par telle qu'elle. Un fils d'Acarat qui file la monte au Haras du Ménil. Jolie jument, là. Elle est pleine de High Rock, pleine de 4 juillet, par contre. Hein, donc, c'est tard. Et contre vous, ici, à 3000, la fille de Caron. 3500, la fille de Turgeon, ici, à 3005. À 3005, et la mère et les propres sœurs de Kerry Gold. À 3500 en face, l'enchère, plus vous la Laetitia, et plus vous la haut, 3500. À 3500, plus grand, qui prend le relais ici, à 3500, l'enchère. À 3500, vous la juger. À 3500, c'est bien vu. Elle est pleine très tardivement, c'est vrai. Je vous parle, excellent. Pour la première fois, puisqu'elle était sans enseignement de Cap Garde l'année précédente. Elle a une place en plat, trois places en obstacle. À 3500, l'enchère maintenant, 3500, c'est la sœur de Morning Glory, c'est marrant de nommer ça, Morning Glory, qui a gagné à Deauville. En fait, pourquoi je dis que c'est marrant, Morning Glory, parce que Morning Glory, c'est une expression. En fait, c'est les chevaux, c'est pas très positif. Hein. Quand on dit d'un Morning Glory d'un cheval, c'est qu'il va très bien le matin. Mais l'après-midi, rien. C'est-à-dire qu'il va très bien l'entraînement, puis l'après-midi, que dalle. C'est un Morning Glory. C'est pas très positif. Bah maintenant, il y a des courses le matin, donc du coup, il a gagné à Deauville, à 11h. À 4500, l'enchère à droite, pas à l'enchère ici, contre à droite là. À 4500, n'attendez pas que la marque tourne, s'il vous plaît. À 4500, on va juger alors. 4500, fini là. Merci encore. 7500. On la juge. Qui, votre enchère 4500, merci. En face, messieurs. Le numéro 248 est présenté par le Haras de Mirande, appartenant à la SCEA Haras de Mirande. Nicopal, jument B, née en 2000 par Nikos et Kingram Palace, fille de Crystal Glitters. Elle est présentée pleine de König Turf, dernier service, le 26 avril. Mais on est déjà de deux vainqueurs. Elle est double vainqueur elle-même. Elle est sur de neuf vainqueurs aussi. Deep jument. Regardez bien les juments là. Bien profonde. Une fille de Nikos ici. On débute à 2000. Allons-y. 2000 qui a 2000. 2000 mois 2000 quelque part. 1000. 1000 en face. Fais-le maintenant. 1000. Le jument plein ici de König Turf. Qui m'appelle? Sylvain? Oui, l'enchère là-bas à gauche, là, 1000. Ah, 1000, je vous entends pas très bien, là, Sylvain. 1000 à gauche, l'enchère maintenant, 1000. À 1000, plus fort, s'il vous plaît, à 1000. À 1000, 1000, nous sommes maintenant à 1000 euros. À 1000 euros maintenant, à 1000. 1500 à droite, 1500, nous sommes à 1500. À 1005, par Laetitia maintenant, à 1005. À 1005, c'est jument pleine, à 1005, la mère déjà de deux vainqueurs. À 1005, 1500, l'enchère maintenant, la petite, la fille ici de Nikos, à 1005. À 1005, l'enchère à droite, à 1005. Vous avez mis que seul là, à gauche, là, Sylvain. À 1500, nous sommes maintenant, à 1005, 2000, oui, 2000, j'ai eu. À 2000, nous sommes maintenant, tout le monde l'a vu, à 2000. À 2000, l'enchère maintenant, 2000. À 2000, nous sommes que des vainqueurs dans le pedigree là. À 2000, elle est gagnante deux fois elle-même, elle est sœur de neuf vainqueurs. À 2000,
est déjà mère de deux vainqueurs. À 2000, nous sommes dans 2005. 2005, son long chemin dans 2005. À 2005, elle est pleine non plus. À 2005, son long chemin dans va pulliner au mois de mars. À 2005, son long chemin à droite. Merci votre aide, monsieur, là. À 2005, 3000, voulez-vous? À 2500, à 2000, laissez partir, là. À 2005, son long chemin à droite, rien à gauche, là. Rien en face. À 2500, on va te juger. À 2500, fini, là. On les juge. Laetitia, 2500, merci beaucoup. Le numéro 249 est présenté par le haras des Coudray, Katushka, jument de 2011. J'ai pas eu le temps de voir qui c'était, mais c'était un jockey. Côte Kisha, fille de Mansonnier. Allez, 2500 euros pour le 248, Nicopal. Maintenant, c'est le 200. Ah ! C'est notamment placé deuxième du Welsh Pool Novices Limited Handicap Chase Ludlow le 23 octobre. Nous avons un certificat d'aptitude à la reproduction pour cette jument. Ah, de nouveau, un acheteur qui nous vient du Maghreb. Voilà, c'était le cheval précédent. Nikos, la mère par Christelle Glitters, la sœur de King Tune, que tout le monde a bien connu, King Tune. Elle a réussi des tas de choses sous l'entraînement de la fille d'Isabelle Paco, Anne-Sophie. 2500 euros, c'était pas cher. Ouais, elle avait 14 ans. Elle était pleine. Alors, là, on a la cousine de Katenko, Kotkiglot, Kobrouk, la petite nièce de Katko, Kotkijet, famille grande souche de champions avec ce 240. Westerner, la mère par Mansonia. Donc évidemment, c'est pas la branche la plus vivante, hein. Mais quand même, c'est la vraie famille. Le frère de cette Katushka, Kitschapoli, un polyglotte, a gagné 4 fois en France et outre-Manche. Et donc cette jument est Médène, elle a 3 ans. Médène, ça veut dire qu'elle n'a jamais sailli. 7000, nous sommes à 7000, 7620 contre vous. À 7000, 7000 euros, l'enchaîne maintenant, quel sens spectaculaire. 8000, l'enchaîne maintenant, 9000. Vous voulez que je vous raconte une blague ? À 9000, nous sommes maintenant, 9000. Le nom du groupe Iron Maiden, vous les connaissez, vous avez tous connu Iron Maiden. C'était la petite Annise, elle n'a pas connu Iron Maiden en vrai. 22, 23 ans, jamais sorti de chez elle. Iron Maiden, un groupe de hard rock. Eh ben Iron Maiden, en fait, le nom avait été donné en hommage à Margaret Thatcher. La Dame de Fer, Iron, et Maiden n'ayant jamais saillé. C'était ça l'histoire. Oui, ben en Angleterre, ils ont une culture hippique très importante, hein, donc y compris dans le monde de hard rock. 13 000, nous sommes à 13 000. À 13 000, ça vaut le coup à 13 000. À 13 000. Ah oui, ça vaut le coup, 13 000. 13 000, racing and breeding. À 14 000, c'est surtout pour l'élevage. À 15 000. Oui, c'est vrai, c'est surtout pour l'élevage. Alors, qui achète ? Là, on n'a pas les Tunisiens, évidemment, c'est pas du tout leur sport, ça, c'est ce genre de produit. 16 000, nous sommes maintenant à 16 000. Là, on va plus avoir des Guy Petit, je crois pas qu'il est en, je crois pas qu'ils sont en train d'enchérir, mais ça se bat sévère du côté de Laetitia. 18 000, nous sommes maintenant à 18. 18 l'enchaîne maintenant. À 18 000, on cherche maintenant, 18 000, voulez-vous mettre 20 maintenant, à 18 000, 19 000, alors voulez-vous maintenant, Laetitia, 10 000. Patrick Joubert. Ah ah, je l'ai repéré, Patrick Joubert. Qui m'appelle? À 20 000, on cherche maintenant, à 20 000. Patrick Joubert qui est en train de... Alors ça, c'est le monsieur, là, on va le voir. À 20 000, à 20 000, nous sommes maintenant, à 20 000, rien à gauche, là, rien en face. Alors ça, c'est le monsieur, j'ai perdu son nom, mais c'est le monsieur qui est responsable en dessous, qui est assis, responsable du Radis Coudray, donc vendeur. Et Patrick Joubert, il est, si on tourne la caméra légèrement vers la droite, 22 000. À 22, la petite fille de Dane. Ah, il est parti. Il est là. Hop, là, le voilà. Avec Paul Couder. Et qu'il y a Claude Kelly qui est en train de dormir devant. Mais Paul Couder et Patrick Joubert qui ont gagné avec Vesley dimanche. 25, vous voulez maintenant 22. 22 maintenant. À 23, 23 maintenant. À 23, 23 l'enchaîne maintenant. 25. Qui a gagné avec. John O'Kelly m'a mis des enchères. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc, voilà. À 25 000, la fille de Western ici, 25 000. À 25, 7, vous voulez encore maintenant, 27. À 25, 25, 7, 6, alors voulez-vous. Ah, il y a Guy Petit qui vient de se lever, là. À 25, peut-être qu'il va mettre des enchères. Il est tout à fait, on ne peut pas le voir. Il est au-dessus de la coursive. À gauche, à 25 000, 26 enchères. Ah, on s'énerve un peu, là. C'est assez attendu. Donc, il y avait Paul. 27, 27. Paul Couder et Patrick Joubert qui sont souvent associés, notamment ils étaient associés sur Net Lovely. Paul Couder, c'est le président du syndicat Anglo-Course qui, alors je ne sais pas s'il continue de mettre des enchères, là j'ai perdu un peu le fil. 28, alors maintenant 30 maintenant, à 28, nous sommes maintenant 28 000. À 30, on en est à 28 000 maintenant. 30 000, à 30 000 enchères, à 30 000, deux, voulez encore maintenant 30 000, à 30 000, nous sommes maintenant 30 000, 32, 5, voulez encore maintenant, à 30 ou 31.
Ok, 30 000. On a 30 000, je vous laisse faire. 30 000, nous sommes à 30 000. Remettez-en une là. 30 000, 30 000, nous sommes maintenant à 30 000. À 30 000, quels sont maternels aussi à 30 000. À 30 000, la petite fille de Daniel ici à 30 000. À 30 000, c'est bien vu. On va juger à 30 000. Les Westerners, donc pour l'élevage. 30 000, l'enchère à droite ici à 30 000. Fini là, à 30 000, dernière fois, dernière chance. À 30 000, nous sommes. On juge. Laetitia, merci beaucoup, 30 000. Ah. Merci Laetitia. Je vais voir, je ne sais pas qui a acheté. C'est présenté par le Hara de Précolette. On va suivre la boîte. Jument Alzane né en 2000 par Selkirk et Kundalini. On va follow the box. Excellent père des mères. Selkirk, il n'en reste pas beaucoup. Ah non, c'est racheté. C'est racheté. Attendez, on va voir. Voilà, le monsieur, le responsable de l'élevage, n'a pas voulu laisser partir à 30 000 euros la fille de Western. Racheté. Mais ça va peut-être se vendre à l'amiable, hein. Ça va peut-être se vendre à l'amiable. Alors maintenant, on va passer au 250. Queen Maev. Présenté par, le Hara de Précolette. Et c'est une fille de Selkirk qui est Kundalini par El Grand Senior. Elle est vide actuellement. Poulinière qui a donné naissance à deux vainqueurs. Louvigny, je connais bien, cheval de grand handicap, cheval de handicap. Désolé. Et Bactapur, une Nakus de 3 ans qui a gagné 3 courses. Nous sommes maintenant à 1000. Elle est vide, alors ça va pas être facile à vendre. De super père des mères, Selkirk ici, à 1000, à 1000, 1000, on chante maintenant à 1000, à 1000, sa mère est par El Grand Seigneur, à 1000, nous sommes maintenant à 1000, à 1000, nous sommes maintenant à 1000, une seule, à 1000, on peut les juger, à 1000, c'est bien vu, à 1000, Nathan de Berclamor de Tombe, s'il vous plaît, 1000 euros, la mère de deux vainqueurs, à 1000, nous sommes, dernière fois, dernière chance, à droite l'enchère, une seule là, 1000 euros. Allez, juge. Merci, Laetitia. Le numéro 251 est présenté par le Hara de la Barbotière. Alors, pour cessation d'élevage. Voilà, 1000 euros, c'est adjugé, mais Queen Maev. Quand elles sont pas pleines, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à vendre. Alors maintenant, c'est le 251 présenté par le Hara de la Barbotière dans la Sarthe, à côté de Sablé-sur-Sarthe. Appartenant à monsieur François Marchal, cessation d'élevage. La Castellango. Ah, une fille de Chichi Castellango, la mère partie de Salsa. Elle est pleine de redback. Son produit par Vespone cette année est mort, folle, malheureusement. Elle est grande. C'est la famille des W Walk on Mix. Redback 4000, 4000, 4000. Wallancy, donc Westerner. Tiens, on en parlait juste avant. C'était le père de la pouliche qui a été rachetée 30 000. À 1000, 1000. C'est la famille des Walk on Mix. Walk Sibo également, qui s'illustre en obstacle et gagné le prix du comté de Nice à Cagnes-sur-Mer. Elle est pleine, monsieur, 1000. À 1000, je pleine ici. 500, oui, à 1500. À 1500, 1500, oui, j'ai eu. À 1500, l'enchère en face, à 1500. À 1500, 1500, contre vous, là, Laetitia. À 1500, 2000, 2000 enchères. À 2000, nous sommes dedans. 2000, 2500, 2500, 2500, pleine. Le père. Pleine de redback, donc il va faire la monte en Rosière en Saline en Lorraine l'année prochaine. À 2005, et Gilded aussi à 2005. À 2500, nous sommes à 2500. Sa mère, 2005, pas vous, Laetitia, à 2500. À 2005, 2500, tu en contrôles là, monsieur. Non, Laetitia, c'est votre enchère là, monsieur, n'est-ce pas? 2005, ici, c'est mon enchère, 2005. Oui, le 5, c'est ici. À 2500, 3000 euros, à 3000, 3000. Ah non, n'arrêtez pas, s'il vous plaît. Je veux bien lui vendre les juments là, monsieur. À 3000. Ah oui, bah John Kelly, quand même, il est son client, faut pas qu'il s'en aille, il faut qu'il lui vende le cheval. La jument, la Castellango, une fille de Chichi Castellango, qui a gagné elle est toujours sur 2200 mètres à 4 ans. 3000, 3000, c'est bien vu. On rappelle qu'elle est pleine. Jeune jument, née en 2008. C'est lui et vous, monsieur, là. À 3500, voulez-vous? À 3000, merci encore votre aide. À 3000, fini, là. À 3000, on va juger. Alors, 3000 euros de dernière fois, dernière chance. À 3000, nous sommes. Fini, là. On va juger. Laetitia. Ah, voilà. À droite, c'était le Hara de la Barbotière. Les numéros 252 Jean-Claude Verle sont absents. Nous passons au numéro Ah, 252, pas de 252 ni 253. Du lieu des champs. Donc on va passer à Richard Powell qui nous présente. Tiens, c'est rare, ça, une fille de Actuan, la mère par Charlie Hayes. Très belle souche allemande, c'est la sœur de La Hernanda, une Hernando. Dernier service le 15 février. Alors, la mère par Charlie Hayes, ça c'est quand même pas commun parce que Charlie Hayes c'est le père de Darshan, c'est vieux, hein, Charlie Hayes. La Hernanda. English Ballet, Grand... Alors, il y a le Nakus, le produit par Nakus qui va être à vendre juste après le 257. Et là, elle est pleine de Archive Marshall. 5 000, 3 000, 1 000, voulez-vous 1 000. Mettez vos enchères à gauche, l'enchère maintenant en 1 000. À 1 000, à 1 000, l'enchère maintenant en 1 000 par Laura. À 1 000, nous sommes à 1 000 sur le marché, à 1 000. À 1 000, 1 000, l'enchère maintenant en 1 000. Suivant, s'il vous plaît, 1 000. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est la poulinière qui appartient à l'étalonnier du Hara du Mézeray, Samuel.
maintenant, monsieur, 3000. Type sympa, j'essaie de le repérer, j'arrive pas à le voir autour du ring. Voilà, l'étalonnier du haras du Mézeray qui élève lui-même, qui a cette jument et qui présente cette jument ainsi que le produit qui sera présenté. Donc trois numéros. Ça, c'est un beau papier. Hein. La mère part Charlie Hayes, c'est une touche allemande. On était déjà 3005. Sœur de 6 vainqueurs. Par contre, elle n'a pas couru. 3500, s'il vous plaît. Sur l'ordinateur. 3500 l'enchère ici à 3500 et plus vous la Laetitia, ok? C'est contre vous, hein? À 3500 l'enchère en face, à 3500 ici, à 3500. Plus vous à droite là, mais 3500, 4000, 4000, 8000. Ah, Richard Powell, le voilà. Et Samuel, il est là. Samuel, il est juste à côté. C'est le garçon avec des lunettes. 500 l'enchère à 4500. La sœur de Siva. Voilà, il est là. Ah, le Mézeray, c'est pas très loin de chez Richard Powell, hein? 500 l'enchère à droite à 4500. Richard, il est dans la vallée de la vie. Vous allez voir ce film sensationnel qui vous sera présenté dans quelques jours. Une bonne famille groupe 1 de English Ballet à 5000. À 5000, nous sommes maintenant à 5000, rien à droite là. À 5000, nous sommes l'enchère à gauche là, contre là, Laetitia. À 5000, nous sommes l'enchère à gauche par Laura. À 5000, vous voulez pas mettre 500? À 5000, nous sommes. Non, c'est sûr. Merci pour votre aide. 5500. 5500, vous l'avez presque. À 5500. 5500, nous sommes maintenant à 5500. Ça. À 5500, Laura. À 5500, l'enchère à droite ici. À 5500. Jouons en plein ici, des archives Marshall. À 5500, c'est bien vu. À 5500. 6000 enchères. À 6000, nous sommes. À 6000. 6000. 6000 enchères maintenant à 6000. À 6500, voulez-vous? À 6000. 6000, nous sommes maintenant à 6000. À 6000. 6000. Sur deux black types. 6500. 6500. Deux black types, dont 6 vainqueurs. À 6500. 6500, 7000, voulez-vous? À 6500, enchères ici. À droite à 6500. Remettez-en-nous là, s'il vous plaît. À 6500. Regardez comme elle est née. À 6500. Elle est pleine en plus. À 6500. À 6500, c'est sûr. À 6500, non. À 6500, l'enchère à droite ici. Dernière fois, dernière chance. On va juger. À 6500 par Laetitia l'enchère. On la juge. Laetitia, merci beaucoup. 6500. 6500. Est-ce que c'est vendu? Est-ce que c'est vendu? Est-ce qu'on a le sourire du côté de Samuel? Oui, voilà. On est satisfait de la vente. On est satisfait de la vente. Maintenant, faut savoir dans trois numéros, parce qu'ils vont vendre le foal dans trois numéros, la foal de Nakus. Félicitations à Francesca. Troisième demi de 2000 guinées en Irlande. Le père de Della Carina, Raimoli, Bellerina. La mère y gagne 4 fois elle-même. La grand-mère, 4 fois. L'arrière-grand-mère, 5 fois. Donc, une famille qui court. Petit fils de Danzig ici, on débute à 2000, allons-y à 2000, 2000, mettez vos enchères à 2000, 2000 en haut là, 2000, mettez vos enchères maintenant à 2000, 1000 euros, à 1000 euros maintenant, à 1000, à Foul ici à 1000 euros, né la fin d'avril à 1000, mettez vos enchères maintenant à 1000, le fils de Della Francesca à 1000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, à 1000, petit fils de Danzig, l'excellent Danzig ici à 1000. Bah écoutez, je connais pas cette charmante blonde, les enchériseurs. Jeune fille charmante blonde qui achète le lot précédent. Nous sommes maintenant la grand-mère 4. C'est marrant, je sais pas qui c'est. À 1000, nous sommes l'arrière-grand-mère. Connais pas. 5 fois. Alors. Nous sommes maintenant à 1000. À 1000, mettez vos enchères. À droite, l'enchère maintenant à 1000. À 1000, 1000, nous sommes maintenant à 1000. À 1000, elle est sur le marché. Della Francesca, un fils de Della Francesca et la pétroleuse gagnante de 4 courses. Qui prend le relais. Qui a donné naissance à 2 vainqueurs. À cauche l'enchère. À 1005, 1005. Poulain. Qui fall, né le 28 avril. 1005, Et Della Francesca sera présentée au mois de décembre à Deauville. 1005, 2000, 2000 enchères maintenant en 2000. À 2000, d'une famille qui court à 2000. À 2000, nous sommes maintenant en 2000. À 2000 enchères contre vous là. À 2000, nous sommes le frère de deux vainqueurs à 2000. Deux vainqueurs au-dessus de la mer. À 2000, nous sommes maintenant à 2000. À 2000, à 2000 contre vous là. Laura, à 2000, ramettez-en là s'il vous plaît. À 2000 euros. 2000 euros. À 2000 enchères à droite alors. À 2000, nous vendons pas d'argent. Ah, j'ai fait près du roi qui a vendu pas mal de chevaux. On va juger cette fois-ci. Pas très cher. Fini là. L'enchère à droite à 2000. On la juge. 2000, merci beaucoup. Laura. Allez, on passe la page. Le 256. Excusez-moi, Laetitia. 2000. Six. Laetitia, elle a beaucoup de travail. Hein. Les acheteurs sont beaucoup, beaucoup de son côté. Numéro 257, présenté par le Hara. Il n'y a pas de 256. Donc le 257. Alors, on va retrouver. On va retrouver notre équipe de Samuel et de Richard Powell. Puisqu'ils ont vendu la mère tout à il y a quelques minutes. Et là, ouh! De bonne taille, elle marche bien comme son père Nakus. Oh ben. Nakus. Ah ben alors ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez cette balzane sur le antérieur droit. La mère vient de passer aux ventes là, c'est le premier produit de la mère, joli poulain.
Ça, c'est étrange. Je n'ai jamais vu une balzane faite de cette façon-là. En fait, c'est comme une balzane qui commence mais qui finit pas. Enfin, regardez sur le, regardez l'antérieur droit du cheval. Regardez bien l'antérieur. 2000, 2000 à gauche, ça va dans 2000. À 2000, nous sommes à 2000. Contrôle là, monsieur, à 2000. 3000, 2005, 2005, 2000, ça pas de quoi. À 2005, sans pas de souci. À 2005, 2005 et 3000, voulez-vous. 3000 euros maintenant à 3000. Toute belle. Alors donc, ce poulain, cette pouliche, pardon. 3000, à 3000. Parnacous et Lestia. À 3 balzanes blanches, mais elle a un dixième de balzane. Au niveau de l'intérieur droit qui commence, qui fait le tour de la jambe juste en dessous du genou, mais en fait ça reprend de la robe alzane en dessous. C'est très surprenant. Son père gagne un Globin à 2 ans à 4000, à 4000 perd des nombreux vainqueurs. Très joli pouliche, très signé Nakous qui vient de faire un gagnant hier à 2 ans. Nakous qui arrive au haras du Grand Chênaie. Ils ont un peu de chance au Grand Chênaie parce que depuis quelques jours il annonce de Nakous au Grand Chênaie. Il a sorti plusieurs vainqueurs dont une à 2 ans hier ou ce aujourd'hui, je ne sais plus. Sami 500, nous sommes maintenant à Sami 5. Sami 100 perd des nombres vainqueurs. Nakous, c'est Sami 500. C'est le premier produit de Lestia qui a été vendu tout à l'heure, 5005. Et là, on est à 5005 aussi. Le juge paternel aussi à Sami 500. À Sami 100, de mon taille là. À Sami 500, c'est bien vu. Ça, c'est un poulain. Évidemment, le modèle de cette foule est sans commune mesure avec le modèle de la foule précédente, 255. Ça, c'est vraiment une très très jolie pouliche. Bien d'état, bien épaisse. 5. On les juge. Laetitia, merci. Alors, est-ce que Richard Powell et Samuel, les talonniers du Mézeray, sont contents, sont satisfaits? Du Chêne pour la succession de Monsieur Christian Anti. Banavi, Pouliche B, né le 19 mars 2014 par Shakespearean et Loughlin. Voilà, bon. La fille... Ah ben, ils ont le sourire, voyez-vous. Ça se voit. Par la mère, par Enrique. Ils sont bien contents. Ah ben, tant mieux. C'est les premières lignes ici qu'on peut débuter. Allez-y, 5, toi. Alors, Foul. 1000 euros qui débute, 1000 euros. Ah, c'est sûr qu'il est moins costaud que le Foul précédent. 1000. Foul, les deuxièmes générations de Foul de Shakespearean. Présenté par le Hara du Chêne pour la succession de monsieur Christian Anti. La mère est par Enrique, elle s'appelle Loughlin. 2000 euros, l'oral, votre enchère de 2000 euros. Elle est passée en vente tout à l'heure avec le 223. 2000 euros. À 2000 euros maintenant, c'est bien vu, 4 la taille, 2000 euros, belle pouliche. 2000 euros seulement. À 2000 euros, c'est bien vu, pas de regret. 2000 euros. À 2000 euros, Laura, c'est votre enchère, pas d'erreur. À 2000 euros, c'est bien vu. À 2000 euros, pas d'erreur. À 2000 euros, le marteau va se lever alors une seule, pas d'erreur. À 2000 euros, rien en face, ni à droite. À 2000 euros, c'est bien vu, Laura, c'est votre enchère. À 2000 euros, c'est bien vu. Laura, confirmez devant moi, 2000 euros. Ça va pas être facile à vendre, ça. À 2000 euros, le marteau va se lever alors ni à droite, ni en face. À 2000 euros, la fille de Shakespearean, mère Enrique. À 2000 euros, 500, il était temps. 2500, 3000, Laura, vite. À 3000, vous l'emmenez, 3000 euros, si vous voulez. À 2500 euros en face de moi. À 2500 euros, c'est bien vu. À 2500 euros, pas d'erreur. À 2500, votre enchère, Sylvain. À 2500 euros. On la juge, 2500, Sylvain, merci. Le numéro 259 est présenté par le... Alors, le 259 maintenant, Lost Breeze, présenté par Laura de Grandcan, qui passe beaucoup de chevaux, une fille de Le Boréal, poulinière, qui a 10 ans, elle est pleine de Scalot, qui est un beau cheval, qui fait la monte au haras du logis Saint-Germain. Boréal ici, du moment, la mère Cretengo, la famille Lots of Love, Lucas Garan. Boréal, le frère de Borgia. Combien débutons ici, pleine de Scalot, combien débutons les premiers foules, hein, de Scalot, à 1000 qui démarre, 1000 qui débute, 1000 pour les vite, 1000 chic pouliche, 1000 euros, 1000 euros, à 1000 euros chic jument, 1000 euros, qui démarre, 1000 euros, à 1000 euros pour les vite, 1000 euros, bon, bien fait ici, 1000 euros, à 1000 maintenant, 1000 euros, bien vu, 1000 euros, j'ai une seule, pas d'erreur, 1000 euros. Alors voici le monsieur qui a acheté plusieurs chevaux déjà, qui signe le bulletin précédent à 2500 euros. 1500 euros maintenant, 1500. Et 1500 euros, la mère, et combien? 2000 sœurs de Black Tech, 1500 euros. À 1500, 2000 maintenant, 2000 euros. À 2000 euros, on y est, 2000 euros maintenant, 2000 euros. À 2000 euros, 2000 euros, allez-y, trop, 1500. 2000 sœurs de Lots of Love, une Java Gold. À 2500, le premier produit avec Daniel Eastwood. À 3000 maintenant. Et là, 4000 euros, on est maintenant 4000. 4000, à 4000 euros tout de même, 4000 euros. Ça, c'est une souche, alors, pour un grand, ça, c'est une souche qui vient de chez, je vais y arriver, de Gustut à Merland, voilà. 5000 maintenant. À 5000. Parce que Boréal, c'était l'étalon, de Gustut à Merland. 4500 euros, c'est bien vu. Issu de Java Gold, Dietrich von Bötticher.
5000 euros. L'éleveur 5000 euros téléphone de Rick and Run 5000 euros. Avait importé chez lui en nom des États-Unis, Java Gold. 5000 euros, 2000 une belle pouliche, une belle jument, hein, 10 ans, à 5 pleine de scalos, le 9 avril. Regardez le modèle, une belle jument qui est bien faite, une bonne arrière-main, une belle matrone à 5000 euros. À 5000 euros seulement, 5000. À 5000 euros, on y est, 5000, 5000, 6000, 5500 alors. À 5500 euros, 6000 pour y aller, 6000 euros. À 6000 euros. Alors, on va faire un point statistique. 6000, bien vu. À 6000 euros. À 6000 euros, votre enchère en face de moi, à 6000. À 6000 euros, pas de regret nulle part, 6000. À 6000 euros, allez-y à droite. À 6000 euros en face, c'est votre enchère. À 6000 euros au téléphone, pas d'erreur. À 6000 euros, une belle jument. À 6000 euros, bien vu. À 6000 euros, pleine d'un étalon dont c'est les premiers folles. À 6000, 7000 maintenant, 6500 alors. 6507 pour y aller, 7000. À 7000 euros, si vous voulez, maintenant, 7000, maintenant, 7000, maintenant, si vous voulez, au téléphone, 7000 d'euros. À 6500 euros, le marteau va se lever. À 6500, 7000, 7000. À 7000, bien sûr, 7000 euros. Regardez les tissus qu'elle a, c'est du moins un poil extra, super bien présenté, à 7000 euros. À 7000 euros, l'enchère est en face de moi. À 7000 euros, le marteau va se lever. À 7000 euros, c'est bien vu. À 7000 euros, demi-sœur de 3 black type. À 7000 euros, pas d'erreur, l'enchère en face. À 7000 euros, fini Guy. À 7000 euros, Sylvain, votre enchère. À 7000 euros, on a du 7000, moi aussi. Le numéro 260 est présenté par le haras de la Hétrée. Borghesina, jument Alzane née en 2011 par Vatori et Luminescence. Elle est présentée pleine de High Rock, dernier service le 25 juin. A noter que sa sœur Astral Mérite compte une victoire et une place supplémentaire. Elle a remporté le prix du Crédit Mutuel. Alors, 7000 euros pour la 24 octobre. 259. Du prix Guy Chancelier à Bordeaux. Là, on va passer au 260. Une fille de Vatori qui s'appelle Borghesina, présentée par le haras de la Hétrée. Alzane comme son père d'ailleurs. La mère Luminescence par signe divin. À combien débutons les enchères? 3, 4 000. Borghesina n'a pas gagné. Elle n'a même pas pris des places. Elle a fait 4 sorties à 3 ans. Elle est pleine de High Rock qui fait la montoire de la Hétrée. Depuis l'apparition du catalogue. Et combien débutons? 1000. Par contre, c'est la sœur de Astral Mérite. Bonne pouliche de Apsis. Elle a gagné 3 courses. Maintenant, 1500. Elle a gagné à Saint-Malo cette année d'ailleurs. Enchères 1500 euros pour. Et deuxième d'un bon handicap pour Lyon-Angers cette année aussi. 3 Fresh Miller, 3000 euros. À 3000 euros maintenant, 3000. La mère est par signe divin. Signe divin qui faisait la montoire nationale du Lyon-Angers. À 3500. Maintenant 3500 euros. Fils de Bering, issu d'une origine à 3500 de Moussac. À 3500, Sylvain, bien vu. À 3500 euros, c'est pas l'erreur. C'est Guy Petit qu'on voit ici. Pour aller à 4. À 3500 euros, bien vu. 3500. À 3500 euros pour aller à 4000, bien vu. L'enchère est là. À 3500 euros, bien vu. Une belle jument qui a du cadre ici. Hein, une demi-sœur de gagnant. Alors, voilà, Luminescence, sa mère, elle tient son nom de signe divin qui était elle-même par Le Menday. Elle est pleine donc de High Rock, je l'ai dit. Pleine tard. Hein, le 25 juin. On a dû. 3500, Sylvain, merci. Le numéro 261 est présenté par le haras du SAS, Roger Yves Simon. Alors, le 261, 1001 flots, présenté par le haras du SAS, Roger Yves Simon. Fille de Turgeon et maçonnate par Val de l'Orne. Ça, c'était un cheval qui était quasiment stérile. Val de l'Orne, un fils de Val de Loire. Ça remonte, mais c'est très très ancien, ça, Val de l'Orne. Une fille de Turgeon, demi-sœur de Black Tap, et gagnant cette jument, c'est la demi-sœur de Mademoiselle Luna. Qui a 3 victoires. Et la jument est gagnante en obstacle. Maison Lafitte, c'est la famille de Rocky Buasi. Elle a démographie, l'élu. 5 bon ans et ici. Elle est médaine. Pédigré obstacle et tout. Tiens, il y a Richard Venn qui va bien décrocher son téléphone. Tandis que l'acheteur du lot précédent est... Ah bah c'est toujours le même monsieur. C'est toujours le même monsieur qui achète probablement pour le Maghreb. À 1000 euros, belle jument qui se déplace avec du cadre. 1000 euros, une fille de Turgeon, 1000 euros. À 1000 euros, demi-sœur de Black Tap, 1000 euros. À 1000 euros, qui débute, 1000 euros, qui m'appelle. 1000 euros, 1000, qui démarre 1000, j'ai maintenant 1000 euros. Ah, 1000 euros, maintenant 1000 euros, c'est bien vu, 1000 euros, 1000 euros. Ça, c'est un beau pédigré. Turgeon, la mère par Val de l'Orne, la grand-mère par Akamas, c'est vraiment des croisements originaux. Et voilà, Richard Venn met des enchères. C'est la sœur de Mademoiselle Luna, Black Type, hein, Black Type en obstacle, deuxième de liste, troisième de liste d'Anguin. C'est la nièce de Rock by Basie, qui était un super cheval entraîné par Jacques Orte, monté par Christophe Pieux, qui a gagné le prix de dans la Lafitte, famille de Magnus, Cosmographe, L'Élu, que des vrais vrais bons chevaux d'Auteuil qui portaient la casaque de monsieur Nagy Pharaon. 3, si vous voulez, 3 maintenant, 2500 euros, 3000, à 2500 euros, pas d'erreur Sylvain, 3000. À 3000 euros maintenant, 3 maintenant, 3000, 3000, à 3, 4000, 4000 euros bien vu, 4000, à 4000, 3500, essayez 4000, à 4000 si vous voulez, 4000, 4000, 3500, allez-y 4000.
J'ai 3500 pour aller à 4000. 4000 euros. 4000 euros si vous voulez 4000 maintenant, 4000 alors. À 4000 pour la prendre, essayer 4000. J'ai 3500 en face. À 3500 pour essayer 4000, 4000. À 3500, essayer 4000 si vous voulez. À 3500, c'est plus vous au téléphone là-bas, c'est l'enchère là. À 3500 euros, essayer 4000. À 3500 euros, bien vu. À 3500 euros. 4000 euros. 4000 euros, merci. 4000. 4000 euros l'enchère là-bas. 4000 euros, on y revient à 4000. À 4000 euros l'enchère est à droite. 4000 pour moi, 4000. À 4000 euros. À 4000 euros l'enchère. Est-ce que Richard Venn. 4000 euros là-bas. À 4000 euros. Est-ce que Richard Venn va remettre une enchère? Bonjour, hein, mademoiselle Luna de Miss Old Black Tide. Est-ce que Richard Venn va remettre une enchère? Il est là! Richard Venn. 4000 euros l'enchère là-bas. Il essaie de faire comprendre. 4500. 4500. Voilà, il a essayé de dire 4200. Ben non, ça marche pas. Hein. 4000. Non, on prend pas 200. 4500. L'anglais là. 4500 pour aller 5000. Ah, il essaie de chiner. Hein. L'enchère est en face. Il les donne pas comme ça, c'est sous. Hein. 4500. Mais t'inquiète pas, Richard, c'est pas des livres ici, c'est des euros. 500 euros, c'est là. On a le juge, 4500, Richard Venn, merci. Et voilà, Richard Venn Bloodstock, qui a remporté cette enchère à 4500 euros pour la fille de Turgeon avec une mère, donc par Val-de-Lorne. Fille de Sadlerswell. Franchement, très originale. Présentée pleine de Satry, dernier service le 21 mars. Une Médène. Oh, une fille de Chris qui est présentée par le Haras de la Pommeraye. Chris, formidable étalon, Chris, elle est pleine de Satry. Elle n'a pas gagné, mais elle a pris plusieurs places. 8 exactement. Pour l'instant, dans sa production, le premier produit a disparu hier en ligne, pas de chance, né en 2007. Ensuite, Diane de Provence n'a pas couru. Une, deux ans qui n'a pas couru encore. Bon pédigré des airs Prince. Très, très bon papier. Une fille de. Voilà, un gros pédigré maternel, celui de Light Cavalry, fils de Brigadier Gérard, comme Meran d'ailleurs. Famille de Desert Prince, gagnant des airs riches 2000 Guinées. 1000 euros, qui prend les enchères de 1000 euros qui voilà, mais là, ça, je pense que ça va pas être très facile à vendre parce que elle a déjà 1000 euros, 4 ans. Elle aura 15 ans l'année prochaine, elle n'a pas fait de gagnant encore. Pourtant, elle a du modèle. De l'os, 1000 euros. Grande jument. Si vous voulez 500 maintenant, 1000 euros. À 1000 euros. Fancy affaire, elle s'appelle. Une crise. Sadlerswell. On est compte, une crise. 1000 euros, le jeune de la mère. 1500, bien vu. 1500 euros. À 1500 euros, c'est pas d'erreur. 1500, 2000 maintenant, 2000 euros. À 2000 euros maintenant, 2000 euros, j'ai bien vu. 2000 euros, pleine de Satry, 2000 euros. À 2000 euros maintenant, 2000 euros maintenant, 2000 euros, c'est bien vu, pas d'erreur. À 2000 euros, c'est pas d'erreur. À 2000 euros, c'est Sylvain, votre enchère. À 2000 euros, fini à gauche. À 2000 euros, personne à droite. À 2000 euros, on va le faire. 2500. 2500 euros, c'est là. 2500 euros, bien vu. À 2500, pas d'erreur. À 2500 euros, c'est là l'enchère pour vous, Guy. Fini, Sylvain. À 2500 euros, le marteau va se lever alors. À 2500 euros, pas de regret. À 2500 euros, c'est là. À 2500, Guy, votre enchère. À 2500 euros. On a le juge. 2500, Guy, merci. Le numéro 263 est présenté par le Haras de la. C'est vendu. Enfin, c'est vendu, c'est adjugé toujours. CEA, écurie Lessy. Ah, une AQPS. Roche verte. Français, née en 2005. Elle est indiquée SF. Et Magivert. Pourquoi? Elle est présentée pleine de Magadan. Pourquoi? Pourquoi? Le 21 mai. Bah, parce que. Le. Comment dire le. Demi-sol. Famille, pardon, de noir et vert. Studbook AQPS a été créé en 2006, officiellement. Le studbook officiel des AQPS a été créé en 2006. Donc, depuis 2006, c'est-à-dire l'année des S, tous les chevaux sont AQPS. Mais avant, les chevaux étaient, qu'on considérait comme demi-sang ou AQPS. Ils étaient officiellement indiqués comme SF ou AC, des fois, ça dépendait des fois. Qui m'appelle? Selon les races de provenance. Et là, en l'occurrence, c'était Roche Verte, c'était la dernière année où on avait des SF. Les R, nés en 2006. Par un hacker, la mère par Bullington. Elle est pleine de Magadan. Magadan qui va faire la monte l'année prochaine à Trébon, à côté de Abscisse Monitor Closely. Et puis. À 2000 euros. Laura, votre enchère. 2000. Américaine Post. Lyon Active. 2500, essayez. À 2000 euros, c'est bien vu, pas d'erreur à gauche. À 2000 euros, pas de regret, la fille d'arnaqueur à 2000. À 2000 euros. À 2000 euros maintenant, la pleine de Magadan à 2000. À 2000 euros, pas de regret nulle part. À 2000 euros, c'est les premières lignes avec Magadan. À 2000 euros. Voilà, les premiers. Magadan est un jeune étalon, hein, mais premier en ligne. Un bon cheval de. Euros, c'est votre enchère. Un bon cheval d'Aïcha Paral Magadan qui était entraîné par Elie Lelouch pour la Kazakh Willenstein. On a juge, Laura, 2000, merci. Voilà, 2000 euros. Ouais.
Histoire ancienne, le rat des faunes qu'on va retrouver avec une fille de Turtle, une 3 ans, fille de Turtle Ball et Made of Dawkins, gagnante de l'Easton, sœur de Night Style, gagnante groupée en Italie il y a 2 ans, le Grand Critérium. Dernier service le 21 avril. Mère de 8 produits, mère de 10 produits, 8 en âge de courir, 3 vainqueurs, Made of Dawkins. Elle a gagné l'Easton, mais elle n'a pas réussi à produire à son image, elle a fait pas mal de gagnants, dont une. Mais pas à son image. Elle est pourtant par Kendor, Made of Dawkins. Et là, c'est donc histoire ancienne, une fille de Turtle Ball qui nous est présentée. Pleine de Meguri, pardon. Elle est issue donc d'une mère Black Tap, gros Black Tap, hein, qui gagne en listed à Longchamp. La fin de Man of Dawkins, Partner Shift. Donc elle est pleine de Meguri qui fait la monte au Hara des Faunes. Ça, donc depuis plus de 2 places de Danny Wallen. 3, qui débute 1000, qui débute 1000, les enchères, 1000 euros qui débute. J'ai maintenant 1000 euros, Sylvain, bien sûr, 1000 euros, bien vu, 1000 euros. À 1000 euros, l'enchère, 1000 euros en face de nous, 1000 euros. À 1000 euros qui continue, Guy, allez-y, 500, qui m'appelle 500, 1000 euros, c'est là, 1000 euros en face de nous. À 1000 euros, l'enchère, bien vu, 1000 euros, à 1000. Alors, on va faire un petit point statistique. 500, si vous voulez, 1000 euros. À 1000 euros, 1000 euros. Nous en sommes à 73,33% de vendus. Seule enchère, 2000 maintenant. On monte un peu, on était à 70. Tout à l'heure, 73,33% de vendus, donc. 3000, maintenant 3000. Avec un prix moyen de 5045 euros. On a monté, on a passé le cap des 5000 l'année dernière. On était à 74,32% de vendus, un tout petit peu supérieur à aujourd'hui, de 1% exactement. Et par contre, un prix moyen qui était inférieur, hein, 4118 euros. Donc là, le prix moyen passe de 4100 à 5000. Bien vu, pas d'erreur. Quant au prix médian, on était à 3000 l'année dernière et 4000 cette année. 3000 euros, pas d'erreur. À 3000 euros. Sylvain, votre enchère à 4000 maintenant, 3500 à 3500, 4 si vous voulez donner 4 maintenant, 4000 à 4000, bien vu, 4000 à 4000 euros, j'ai maintenant 4000 maintenant, 4000 euros à 4000 euros, bien vu, 4000 à 4000 euros, pas d'erreur, 4000 à 4000 euros, c'est vu, à 4000 euros, la mère Kendor à 4000 euros, fini Guy, je vous entends plus, à 4000 euros, essayez 500 à 4500 euros, à 4500 euros, le marteau va se lever à 4500 euros, bien vu, à 4500 euros, plus haut en face, à 4500 euros, pas là, à 5000, à 5000 euros maintenant, 5000, à 5000 euros maintenant, 5000 euros, à 5000 euros maintenant, 5000 euros, à 5000 euros, Guy, terminé, à 5000 euros, l'enchère en face, à 5000 euros, dernière fois, dernière chance, Turtle Ball, Kendor, à 5000 euros, bien vu, à 5000 euros, Guy, je vous entends plus, à 5000 euros, l'enchère est en face de nous, à 5000 euros, bien vu, à 5000 euros. On la juge. Sylvain, votre enchère, 5000, merci. Le numéro 265 est présenté par l'élevage du clos. Maclot, pouliche grise, née le 30 janvier 2014 par Air Chief Marshall et Mappa, fille de Linamix. A noter que son frère Fearful compte une place supplémentaire. Il s'est placé 3e du prix Politain à Saint-Cloud le 15 octobre et totalise 35 250 euros de gains. Cette pouliche est vendue sans TVA. Petite fille de Linamix, Chief Marshall, Annie Dancer, Linamix, une mère gagnante, qui a produit gagnant. Alors, 5000 euros pour le 264. Maintenant, c'est Maclot, un petit Air Chief Marshall gris. Une petite Air Chief Marshall grise. Qui tire sa robe grise de son grand-père maternel, Mappa. À 1000 euros qui de son grand-père maternel, Linamix. Mappa, c'est la mère, elle a gagné. Grand Prix des Jeunes à Lyon. À 1000 euros maintenant, 1500. C'est la famille de Minimix, Linamix. Qui avait. 1000 euros maintenant, 3 à 3000, 3000. Minimix, on s'en rappelle, c'était un super cheval. Il avait lutté très férocement contre Voix du Nord dans une des dernières éditions du prix Lupin, un groupe 1 qui a disparu par la volonté du baron Edouard de Rothschild. Bizarre. Et donc Minimix, il avait terminé deuxième de ce prix Lupin, battu très peu par Voix du Nord, une lutte épique. Il avait gagné avant le prix Créful et malheureusement, il s'était tué à l'entraînement chez Cricket de Marine. À 4500 euros, une chic pouliche 4500, bien développé, à 5000 maintenant, 5000, à 5000 euros c'est là, 5000, votre enchère Laura, 5000, si vous voulez, si vous voulez, 500 alors, à 5000 euros c'est Laura, l'enchère, à 5000 euros, bien vu, le marteau va se lever alors, à 5000 euros la fille de Air Chief Marshall, la mère Linamix, à 5000 euros la mère qui a produit gagnant, à 5000 euros une gagnante d'elle-même, à 5000 euros le frère a plus de 30000 euros de gains et on parle de troisième. On parle de 5000 euros à 5000 euros. Pas d'erreur. Laura, votre enchère à 5000 euros. Alors, il y a un frère qui s'appelle Fearful, un railing de 3 ans. Juge Laura, 5000, merci.
qui a gagné à Fontainebleau. Le numéro 266 est présenté par le haras du Chesnay pour la succession de M. Christian Anti, La Louvine, jument Alzane née en 2001 par Lou Solitaire et Méalasta. Elle est présentée pleine de Rob Roy, dernier service le 25 avril. Lou Solitaire devant vous, très bon père de mère aussi, la mère Patty King. Qui achète, c'est Zied qui a acheté. Non, elle reproduit ici puisqu'elle a déjà fait 3 vainqueurs. Elle est pleine de Rob Roy. Combien de butons ici? 3, kilomètres 3, 3, 1000, 1000, maintenant 1000 qui démarre, 1000, 1000, 1000 euros, belgement, 1000 euros, 1000 euros, allez-y, 1000 euros, ah ouais. À 1000 euros qui débute les enchères de 1000, 1000 euros, à 1000 euros qui débute, j'ai maintenant 1000, bien vu, 1000, maintenant 1000, 1000, bien sûr, 1000 euros, 1000 euros, une enchère, Guy, maintenant 1000 euros, à 1000 euros l'enchère de Guy, maintenant 1000 euros, bien sûr, 1000 euros, à 1000 euros, à 1000 euros l'enchère, Guy, c'est vous votre enchère, 1000 euros, 1000 euros, à 1000 euros, une seule, pas d'erreur. 1000 euros, à 1000 euros une belle jument avec un bon carré de 1000 euros, à 1000 euros seulement la fille de Lou Solitaire, 1000 euros qui a produit des gagnants, hein. À 1000 euros, à 1000 euros dont un qui a plus de 60 000 euros de gains tout de même, hein. À 1000 euros, à 1000 euros seulement, 1000, 1000, 1000, 1000 euros, à 1000 euros qui m'appelle, allez-y, à 1000 euros, allez-y, 1500, à 1000 euros seulement, pas d'erreur, à 1000 euros le marteau va se lever pour une seule enchère, à 1000 euros Guy, votre enchère, à 1000 euros, bien vu, pas d'erreur, à 1000 euros... On a le juge, Guy. 1000 euros, merci. Les numéros 267 et 268 sont absents. Nous passons au numéro 269, présenté par le haras de Mirande, appartenant à la SCEA haras de Mirande et Isabelle Paco. Magic Mountain, jument B, né en 2006 par Monjeu et Mountain Spirit, fille de Royal Academy. La chance d'avoir une jument par Monjeu ici, les mères Royal Academy. Elle est issue d'une mère qui est déjà gagnante, qui a produit plusieurs vainqueurs, dont une 9 victoires et plus 100 000 euros de gains. C'est la famille de Persian Silver Golfen. Une fille, donc, de Mangeu ici devant vous. À combien débute-t-on? 3, qui débute 3? 3 000, maintenant 1000, 1000, 1000, qui démarre? 1000, 1000 euros, 269, fille de Mangeu, Royal Academy derrière, 1000 euros. 1000 euros, on parle bien de la même chose, hein, 1000 euros, qui débute, 1000, 1000, 1000, 1000, maintenant luthier derrière, 1000, maintenant j'ai maintenant 1000 euros, à 1000 euros, Guy, votre enchère de 1000 euros, maintenant essayez 1500, si vous voulez 500, à 1000 euros, 500, vous voulez 500, si vous voulez, à 1000 euros, Guy, une seule enchère, à 1000 euros, 1500, on y est maintenant, 1500 euros, 1500, à 1500 euros, bien vu, 1500 euros, à 1500, alors le 269, voudrez-vous, Guy, bien vu, 1500 euros, quelques absents au préalable, le 267 et 8 sont pas là, donc le 269 désormais. Magic Mountain, une fille de mon jeu, une fille de mon jeu, et Mountain Spirit par Royal Academy, elle n'est pas pleine, elle n'a pas été saillie. Elle a eu un foal cette année, une foal l'année dernière, il y en a 2 ans qu'elle a l'entraînement, et le premier produit par Alnamix, elle a 3 ans, Vampirique est morte, malheureusement. À 2000 euros, bien vu. À 2000 euros, une... Fresh Biller, Sylvain. Une Mongeux. Bon, elle est un peu nerveuse, c'est normal. C'est une fille de Mongeux. Faut pas être surpris. La famille de Mercet, de Mounsi. 500 euros, maintenant Guy, elle est 3. 3, si vous voulez, 3, maintenant, 3, 3, si vous voulez, maintenant, 3000. Oui, de Madelia, donc, grande souche de. Guy, essayez 3000. À 2500. De l'élevage Wildenstein. 2500, on y arrive. À 3000. 3000, la fille de Mongeux. 3000 euros. Sylvain, allez-y, 4000. 3000 euros. À 3000 euros, bien vu, terminé cette fois-ci. À 3000 euros, 500, si vous voulez l'emmener. À 3000 euros, le marteau va se lever pour l'enchère, Guy. À 3000 euros, bien vu. À 3000 euros, pas d'erreur. À 3000 euros, terminé là-haut. À 3000 euros. Non? Bon, alors, revenez en arrière. 2500. Ah, retour en arrière, 2500. Ah, ça, c'est Laura. Elle est jolie, Laura, la spotteuse. S'il vous plaît, en haut, votre enchère, 2500. 2500, à vous là-haut, 2500 euros. J'avais 3000, c'était une folle enchère. 2500, vous êtes OK? Vous êtes d'accord? D'accord? Vendu, 2500 euros, merci. Le numéro 270 est présenté par le haras de Lonré, Mouzaïa, jument B, né en 2010, par Martillo et Moscagotine. Jacques Berès, qui a acheté à 2500 euros la Mongeux. Donc on va passer à la fille de Martillo, présentée par le haras de Lonray, une 4 ans. Et Moscagotine par Singspiel. Elle est pleine de Désert Blanc, d'un bon service le 19 mars.
fille de Martillot, un bon étalon qui va rester finalement O'Hara chez les deux Touillons. Fille de Martillot. Il est parti en Bretagne et puis finalement il reste dans le Jura. Un bon étalon Martillot. Il n'a jamais beaucoup sailli mais c'est un très bon étalon par un abat. Père de plusieurs gagnants de listode. Il démarre les enchères de 1000 euros, 1000 euros. À 1000 euros qui débute 1000 euros. À 1000, j'ai maintenant 1000, une seule enchère de 1000 euros. À 1000 euros, bien vu, 1000 euros. À 1000 famille de Majoritat, Malinas et Eishin Flash, le champion japonais. Eishin Flash va débuter sa carrière d'étalon au Japon. Quant à Malinas, lui, il la poursuit en Angleterre, à Yorton Farm. 2000, à 2000 euros, c'est bien vu, pas d'erreur, 2000 euros. À 2000 euros, pas de regret, 2000 euros. 2000 euros, à 2000 euros, 2000 euros, bien vu, 2000. 2000, à 2000 euros, pas d'erreur, 2000 euros. À 2000 euros, votre enchère. À 2000 euros, pas d'erreur. À 2000 euros, Sylvain. À 2000 euros, bien vu. À 2000 euros, le jument Cadumonel, plein de désert blanc. À 2000 euros, la fille de Martillot. À 2000 euros, 2, 3, 3, maintenant 2500. Alors, à 2500 euros, c'est bien vu, 2500. À 2500 euros, 2, 3, 3, maintenant 3000, 3000 euros. À 3000 euros, pas d'erreur. À 3000 euros, c'est là, 3000. 3000, à 3000 euros, bien vu. À 3000 euros, le marteau peut se lever alors. À 3000 euros, bien vu, c'est Sylvain, c'est votre enchère. À 3000 euros, fini Guy. À 3000 euros, le marteau se lève. À 3000 euros, on a juge. Voilà, Mouzaïa à 3000 euros. Et voici Alban Chevalier Dufaux. Est absent. Nous passons au numéro. Alors, pas de 271 qui est absent. Vittori, New Fantasy, jument Alzan, né en 95 par Zaphonic et New Europe, fille de Charpeau. Cette jument est vide. This mare is not in foal. Elle est vendue avec une saillie gratuite de l'étalon Satri. Jument vide. On le répète, la fille de Zaphonic, she's not in foal. La fille de Zaphonic, donc, la mère de plusieurs bons gagnants. Alors, 272, New Fantasy, une fille de Zaphonic, qui est longue. Oh là, elle est longue, cette jument. Présentée par Jamel Fittori, elle est pleine de Satri. 3000 souche allemande. Je le répète, 3000 euros, 2000 à 2000. Fille de Zaphonic, quand même. Elle a gagné deux courses. Alors, c'est une poulinière confirmée. Hein. Elle est née en 95 et elle a 19 ans. Elle va prendre 20 ans l'année prochaine. Ça va pas être facile à vendre. Elle est pleine. Mettez vos enchères. Il y a eu le poulain de Kamsin qui a été vendu hier. Je ne me rappelle plus combien. 1000 euros, l'enchère minimum, 2000 euros. Allons-y, 1000 euros, c'est vu. Elle a fait 1, 2, 3, 4, 5 vainqueurs. 1000 euros qui m'appelle 1000. 1000 euros seulement, vous la laissez partir. Mais merde, 19 ans. Zaphonic, souche maternelle. Black Type ici, à 1000 euros seulement vu. À 1000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît. Il faut débuter à 1000 euros. 1000, à 1000 euros, dernière fois, pas de regret. 1000 euros seulement, vous la laissez partir à 1000. 1000 euros, dernière fois. Dernier tour de salle à 1000 euros, pas de regret nulle part. Retirez. Pas d'enchères. Le numéro alors, Tamayouz. Alors là, on change de registre. On va passer à une jeune jument, Tamayouz. Enfin, Tamawood, fille de Tamayouz. Et Oak Cabin par Refuse to Bend. Refuse to Bend. Qui est la nièce de Alexander Tango, gagnante de groupe 1, la fille de Daniel Dancer, Alexander Tango, gagnante de groupe 1 dans les Garden City Stakes, course de pouliche aux États-Unis. Famille de Ouzamik Souza Dancer, famille de Hippodamia, c'est une vieille souche, hein, Hippodamia, Dupré. Elle est gagnante. Hippodamia et Ouza Dancer, Ouzamik, c'était des Lagardères. Jument qui a peu couru. Rentrée neuve au Hara, combien... Alors, elle est pleine de fuissé. Elle a eu un premier produit cette année qui s'appelle First Wood de Dunkerque. Et donc là, elle est pleine de fuissé du 7 mai. Gagnant de groupe 1, combien pour débuter les enchères? Une excellente famille maternelle, celle de Ouzamix notamment, de Hippodamia, famille bien connue. 5000, 3000 euros, 3000 euros, pleine de fuissé à terme en avril, à 3000 euros, jeune jument. À 3000 euros, 2000, voulez-vous 2000, à 2000 euros, 2000, à 2000 euros, 2000, à 2000 euros qui m'appelle, 2000, 1000, voulez-vous 1000, à 1000 euros qui m'appelle, 1000, mettez vos enchères. 1000 euros, 1000 euros en face de moi par vous, Sylvain l'enchère, là l'enchère à 1000, 1000, à 1000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît. Elle a peu couru, elle est gagnante et placée à 2 ans, pleine de fuissé, 2000. Guy, à droite l'enchère. 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, voulez-vous 3 maintenant, à 2000 qui met 3, à 2000 euros l'enchère à droite, pas vous Guy l'enchère. Un monsieur là qu'on a vu qui a acheté beaucoup de chevaux pour l'instant. Mettez vos enchères s'il vous plaît, à 2000, à 2000 euros, voulez-vous, à 2000 euros qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 2000 seulement, 2, à 2500, 2500, Sylvain en face, à 2005, à 2500, 2500, à 2500 qui couvre l'enchère de 2005, c'est bien vu, pas de regret, à 2500 euros, 2500, 3000, on y revient, pas vous Guy l'enchère, 3, 3, à 3000 euros, 3, on met 500 500, 3500, 3500, 3500 en face de moi l'enchère à 3005, à 3500 euros contre vous Guy cette fois, à 3500, pleine de fuissé, gagnante à 2 ans.
à 3000. Tamawood, donc par. Alors, Tamayuse et puis Rafusteben. Père de mère qui est mort dans sa première série au radiologie il y a quelques années. Il est arrivé en grande pompe, hein, il venait de sortir Sarafina. À 4 000. Et puis à la première saillie, ben il est mort. À 4 000. Crise cardiaque et patatrac. 500, 4 000. À droite, l'enchère. 500 si vous voulez. Oui, 4 500. 4 500, on y revient. En face de moi, 4 500 euros par mois l'enchère, Guy. Contre vous, à 4 500. 4 500 euros. L'enchère est en face et on va juger à 4 500 euros seulement. Vous la laissez partir, pas de regret. 4 500, dernière fois, dernier tour de salle à 4 500. C'est mon enchère, Guy, contre vous. Terminé. Merci de votre aide. Là, l'enchère. Dernière fois, on m'appelle, 5000, 5000, à droite, on y revient, 5000 à droite, merci de votre aide, pas de regret en face, rien à gauche, le marteau se lève et on adjuge, 5000 à droite. Le numéro 274 est présenté par l'élevage Marquis. Allez, 5000 euros, c'est vendu là, Tamayuse. Alors maintenant, on va passer au 274. Yerba Soldado, présenté par l'élevage de la marquise de Moratala. Dernier service, oh, le 12 avril. Fille de Hurricane Run, la mère pas machiavélien. Belle hein, jument ici. Placée en deux sorties, une place en deux sorties à 3 ans. Elle est pleine de Tinors, qui portait lui-même la casaque de... En mars, la mère la marquise de Moratala. Oh, ça, c'est une marquise de Moratala. Belle jument, hein. Beaucoup de cadre. Bien connue ici pour cette petite fille de mon jeu par l'excellent Rick and Run. C'est la nièce de chargé d'affaires qui a été un très bon cheval de course gagnant du Morny. Un excellent étalon, bien quasiment stérile. Gagnant de la poule des. Ça, c'est une belle souche maternelle, tiens. 5000 euros, 5000, 5000. À 5000 euros, 5000 euros. On the Wind, la mère qui n'a pas couru. Elle a fait un vainqueur avec 4 prognonages de courir. La gagnante, c'est Jolie LED. C'est bizarre comme nom. Jolie LED. Fille de Saki. Si vous voulez, 2000. Comme Tinors, d'ailleurs. Qui a gagné 6 courses. On a refait le croisement sur Saki. Je vous rappelle que Yerba Soldado est pleine de Tinors. Ici de Saki. Et elle est sœur de Jolie LED. La meilleure production de la fratrie. Belle jument, je le répète. Jolie LED, issue de Saki. 4000, 4000, 5 à droite, 5000 maintenant. À 5000 euros à droite, l'enchère. C'est une 5000, très belle jument. À 5000, 6 à jeune jument, ça va se vendre ça. 6000, à 6000 euros, regardez-la. Belle jument, je le répète. À 6000 euros, 6000. 6000 euros qui couvre l'enchère de 6000 euros seulement 6. À 6000 euros par vous, l'aura l'enchère à 6000. À 6000 euros qui prend le relais 6 seulement, c'est bien vu. À 6000 euros, jeune jument placée. À 6000 euros, la mère sœur de charger l'affaire. Elle est pleine de Tinors, je le répète. À 6500. À droite, 6500, à droite l'enchère. 6500, pas là, pas à gauche. 7000, on y revient. 7000 euros qui couvrent l'enchère de 7000, mettez vos enchères. 7000, c'est Laura par vous, l'enchère de nouveau à 7000. À 7000 euros qui couvrent l'enchère de 7000 euros, vu Guy, contre vous cette fois. 7000, à gauche l'enchère. 7000, c'est bien vu. 7000 euros, le marteau se lève, on peut la juger. La fille de Rick and Run, pleine de Tinors. 7000 euros. 500, 500, 7500, 7500 à droite, de nouveau l'enchère, là-bas, à 7500, 7500, 8000, à 8000 euros, toujours à gauche, 8, à 8000 euros, 8000 euros qui couvre l'enchère des 8000 euros, toujours à gauche, l'enchère, le marteau se lève, on va la juger, à 8000 euros seulement, vous la laissez partir, pas de regret, Laura, c'est chez vous, on est d'accord, à 8000 euros, le marteau se lève, Guy, contre vous cette fois, 500, 8005. 9000 Laura. On met 10, Guy ? On essaie ? On essaie 10000 ? 9000 à gauche, l'enchère. À 9000, faut mettre 10000 pour l'avoir. Belle jument, je le répète, regardez-la. À 9000 euros. Voulez-vous 10 ? À 9000, contre vous. À 9000 euros, l'enchère est là à gauche. 500 ? 9500, 9500, de nouveau à droite l'enchère. À 9500 euros, la mère part machiavélienne à 9500. À 9500 euros, à droite l'enchère, le marteau se lève. À 9500 euros, dernière fois, 10 000. Ouais, c'est normal, ça se vend ça. 11 si vous voulez. 10, 11 000, oui. À 10 000 euros. À 10 000 euros, c'est un beau pedigree. Puis il a une bonne tête, cette pouliche, moi je trouve. Cette jument. C'est une Hurricane Run. Hein. Hurricane Run, on sait tous ce qui lui est arrivé. Hein. Il a fait Ecto et puis il est tombé en déprime en Irlande. Donc il est devenu stérile. Enfin, il était devenu. Ben, il ne sait plus, il ne remplissait plus, il n'y avait plus rien qu'à aller. Il est reparti en Irlande, en Allemagne, chez son éleveur, Dietrich von Bötticher. Ça a été vendu, 11 000 euros. 10 000 euros. Et puis les choses sont reparties un peu dans le bon sens. Bon, c'est pas redevenu un étalon qui peut saillir 50 juments, bien sûr, mais il en saillit, il est rempli. Dernier service le 27 avril.
Jument. Alban Chevalier Dufaux qui signe le bulletin. Donc on peut imaginer que c'est racheté parce que la famille Chevalier Dufaux est très liée avec notamment la marquise de Moratala depuis longtemps. Mère de Gagnant déjà, elle est pleine de Mégurie à Terme en Mars. C'est la sœur de Chopoulou. Bien voilà. Connue. On le voit là, ici, sous la casquette. Alban Chevalier Dufaux. Ah! Alors, la famille maternelle, une fille de Six, Sing Kiang et Oulawatu par Comrade in Arms. 5000, 3000, voulez-vous 3000, 3000, 3000. Donc c'est présenté par le Haradé Faune, comme vous pouvez l'imaginer. Elle a gagné 6 courses. Sing Shop. Allez, 1000 euros 2. Qui m'appelle? Famille de, c'est la sœur de Chopoulou. 5 victoires, placée de listade à plusieurs reprises. Belle jument. Allez, 1000, allez, 1000. Toute proche famille de Captain Shop et Talon au Haradé Faune. 1000 euros, 1000 euros. Très précoce, fille d'Indian Rocket. 1000 euros l'enchère en face de moi, Sylvain. 1000, ah, 1000 euros qui couvre l'enchère de 1000 euros. Mettez-moi. C'est une vieille souche Rothschild, c'est marrant. Sous la cinquième, on retrouve Jeu de Paille, Nononito, Off-Bayer, Twestos, Nadine. Ça, c'était plutôt des gabeurs. Sin Kiang, petite fille de Fabulous Dancer, pleine de Mégurie. 1000, la proche famille de Captain Shop, la sœur de Chopoulou. À 1000 euros seulement, nous sommes. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 1000, ah, 1000 euros qui couvre. Elle est pleine de Mégurie, donc. Je rappelle qu'elle a gagné 6 courses quand même. Et pour l'instant, elle a fait un gagnant, Sunshop. Une gagnante, même Sunshop, sur 950 mètres, prix du premier pas à Lyon. Ultra précoce, mais par Indian Rocket. Dernière fois, pas de regret, à 1000 euros. Autrement, pas grand-chose. D'où son prix. Donc, le 276 à suivre. Le numéro 276. Voilà, Edjira et Edjira, oui, par Linda Zla et Aor Ziga par Linamix. Edgira, présenté par le rat de la Barbotière. Le 22 avril 2014 par Linda Zlad et Arziga, fille de Linamix. Fille de Linda Zlad avec une mère par Linamix. Sorel compte deux places supplémentaires. Elle s'est placée troisième du prix du Conseil Général de la Vendée au Sable d'Olonne le 24 octobre et quatrième du prix de l'île d'Ouessant à Saint-Brieuc le 5 octobre. Belle pouliche ici par Linda Zlad, la mère par Linamix. Croisement Sallers Wells Linamix, intéressant ici. La mère a produit plusieurs bons chevaux. La 3 ans est placée. Va falloir suivre le lot suivant, le 277, parce que c'est un cheval extrêmement particulier. Dans la famille ici, donc. C'est le seul et unique produit, le lot suivant, le 277, le seul et unique produit de Montmartre, né en 2010. Je vais vous raconter un peu plus tard son histoire. Pour l'instant, on va regarder sur le 2, on va rester sur le 276, gris, comme son père de mère, Linamix, puisque la mère Aorziga est par Linamix. Aorziga n'avait pas gagné, elle a donné 3 vainqueurs. Ah, 2000 euros qui couvre l'enchère de 2000 euros. Regardez-la, 2000, mettez vos enchères, s'il vous plaît. Notamment Zigaboy, qui a gagné cette année en obstacle, un qualifié. 2500, belle pouliche, je le répète, à 2500, à 2003, maintenant à droite l'enchère, à 3000 euros. Belle famille maternelle, regardez-la. Croisement Sadler's Wells, Linamix, la mère par Linamix, à 3000 nous sommes. Guy, c'est vous. Pour le moment, 3000 à droite, à 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000. Regardez-la, pouliche intéressante ici, bon papier maternel, à 3000 euros seulement nous sommes, à droite l'enchère. À 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000, à 3000 euros à droite de nouveau l'enchère, toujours pas vous Guy, à 3000 euros qui met 500, 3000, à 3000 euros contre vous cette fois le roi à 3000, à 3000 euros et rien en face pour le moment, 3000, mettez vos enchères s'il vous plaît, 3000, à 3000 euros le marteau se lève, je vais l'adjuger. C'est Jean-Claude Verne, Jean-Claude Verne, le patron de... Faut mettre 4 maintenant pour... de la Barbotière qui nous présente lui-même son foal. C'est un joli foal. Hein. Pouliche là, et Edjira. La mère n'a pas gagné, c'est ça le truc, mais autrement, c'est une jolie foal. À 4000 euros, l'enchérez pas vous, Guy, pour le moment à 4000. Elle se déplace bien, cette pouliche. Voulez-vous 500, Laura? On essaie? Merci de votre aide. Pas à gauche. À 4000 euros, l'enchère est à droite par vous, Guy. C'est vu. 4000, pas en face et rien à gauche. Pas de regret. À 4000 euros, mais 500 quelque part si vous voulez. Regardez-la, bonne souche maternelle, bon papier, pouliche élégante, belle famille maternelle. Je le répète, 4000 euros, l'enchère est à droite, le marteau se lève, pas de regret nulle part. À 4000 euros, Guy, votre enchère. Dernière fois, on la tue. 4000, Guy. Le numéro 277 est présenté par l'élevage Rambert, Ida des Échanaux. Alors, jument B né en 2000. Ce que je voulais vous dire sur le 277. Fille de Caldoun. C'est une fille de Montmartre, vous allez me dire, oui d'accord, et alors? C'est une fille de Montmartre née en 2010, c'est ce qui signifie que c'est le seul et unique produit de Montmartre né en 2010. Alors, ce qui s'est passé en 2009, c'est que Montmartre est arrivé en grande pompe, où aura du pain,
gagnant de groupe 1 dans le gagnant de groupe 1 à l'occasion de c'est tiens Jean-Christophe Bell qui signe le bulletin vainqueur cette année du Diane cette année j'en étais où donc Montmartre gagnant du Grand Prix de Paris qui arrive en grande pompe au Haras du Pin formidable l'épars s'était arraché et puis eh bien en 2006 en 2009 quand le cheval commence à saillir eh ben il saillit pas de libido voulait point niquer et rien ne se passe alors désespoir drame catastrophe mais que va-t-on faire il ne saillit pas. Et puis alors le cheval a été mis au vert et puis quand même en toute fin de saison au mois de juin ils lui ont ramené une jument, ils avaient fait des essais, des traitements, enfin des trucs et ils lui ont amené une jument crise par Caldoun, jument qui passait par là, un passe du diable qui avait pas fait grand chose jusqu'à présent dans sa production, 9 produits un vainqueur, et ben elle était grise, et ben il l'a saillie et il l'a remplie. C'est la seule et unique jument qui l'a saillie pur sang de course en tout cas parce qu'elle a eu des essais avec d'autres juments. Voilà. Et eh bien ça a donné Ida des Échanos. Présentée ici en vente par l'élevage Rambert. Une place en une sortie à 3 ans en Ostac. Cette fille de Montmartre. Famille de nièce de Alexandre Farnèse, un fils de Carwent qui a été deuxième du Michel Louisville Listed à Deauville. Famille plutôt de Sunday Horse qui était meilleure, hein, 7 victoires en plat et 2 en obstacle. On essaie pas 500, c'est sûr, pas de regret, fini, rien à gauche. Voilà pour le seul et unique produit de Montmartre. Depuis Montmartre, alors l'année après tout s'est mieux passé, il s'était déclenché. Et puis bah, cette année Montmartre c'était formidable, des vainqueurs, la deuxième du prix de Diane et c'est l'embellie. 3000, Guy. Le numéro 278 est présenté par... Alors, le 270, on est quasiment à la fin. Rue Ravignan. Déjà ? Né en 2010 par Barry. Même pas 17h, on a quasiment terminé. Ben oui, il n'y en a plus que... on va terminer au 282, figurez-vous. Alors, le 278, présenté par le rat de la Pommeresse, c'est Rue Ravignan, une fille de Barry. Pas Pascal Barry, elle est bonne. Non, une fille de Barry. Poker Chip, la mère... par Bluebird, Poker Chip la mère a gagné le Flying Shielder Stakes groupe 2 pour les 2 ans en Angleterre, excellente jument de précocité la mère, également 3e des Chevelly Park Stakes, un groupe 1 Chevelly Park Stakes sur les 1200 mètres de Newmarket gagnant de Listed cette année. Combien elle a fait 12 produits, 3 vainqueurs donc une poulinière Poker Chip qui n'a pas produit à son image et qui nous propose ici Rue Ravignan la fille de Barry qui n'a pas couru elle-même et qui est pleine actuellement de sa tri présentée par le rat de la Pommeraie par vous Sylvain Lanchère 1000 à 1000 euros au 1000 à 1000 euros qui couvre l'enchère de 1000 euros la fille de Barry pleine de sa tri à 1000 euros à terme en mars à 1000 euros seulement nous sommes mettez vos enchères 1000 à 1000 euros 1000 2000 2000 2000 Guy Lanchère à 2000 à 2 à 2000 euros 2000 à 2000 euros par vous Guy Lanchère à droite pas d'erreur à 2000 à 2000 euros qui prend le relais à 2000 voulez-vous 500 à 2000 euros qui met 500 à 2000 euros à droite l'enchère 500 2005 en face à 2500 euros à 2500 euros le marteau se lève en face de moi l'enchère à 2005 Guy contre vous à 2500 euros pas de regret nulle part mettez vos enchères belle jument ici regardez là qui m'appelle 2500 euros par vous en face de moi l'enchère pas là-bas pas là à 2500 à 2500 euros qui prend le relais qui couvre l'enchère de 2500 3000, on y revient. 3000, là-haut, l'enchère à 3000 euros. La fille de Barry, pleine de sa tri. Regardez, la mère est gagnante de groupe. À 3000 euros seulement, nous sommes là-haut, l'enchère. À 3000 euros tout là-haut. À 3000 euros. 3000, à 3000 euros. On met 500 ? Merci de votre aide. 3000 euros, c'est en haut, l'enchère. Pas à gauche et pas là-bas. À 3000 euros, là-haut, l'enchère. Dernière fois, pas de regret. On peut la juger. À 3000 euros seulement, vous la laissez partir. Dernière fois, dernier appel, là-haut, l'enchère. On a dû. 3000. Le numéro 279 est un supplément au catalogue Blue présenté par ML Bloodstock, Blue Aster, jument B né en 2010 par Astarabad et Bleu d'Avril, fille de Pistolet Bleu. Elle est présentée pleine de Sadex, dernier service le 26 avril. Une excellente famille maternelle d'obstacles ici, regardez la famille. Pour cette fille d'Astarabad, la mère par Pistolet Bleu. Est placée de course principale à Auteuil. Cette jument est sœur de April Blue, notamment. Idem, placée de course principale, placée de Listed à Auteuil. La mère est sœur de Royal Auclair, bien connue. La souche maternelle proche de Don Mirande. Alors, le 278 a été vendu 3000 euros, donc on arrive au 279. Astarabad, pleine de Sadex, à terme, de bonheur, à terme en mars.
Combien pour débuter? 5000, voulez-vous 5000, 5000 euros, 5000 euros, 5000, 5000, 3000, 3000, voulez-vous 3, 2, allez 1000 euros, voulez-vous 2000, allez 1000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 2000, allez 1000 euros. Allez, le 279. À 1000 euros, mettez vos enchères 1000, à 1000 euros, regardez. Le Pédigré, le numéro 279, supplément au catalogue. Ah, c'est un supplément au catalogue. À 1000 euros qui couvre l'enchère de 1000 euros, mettez vos enchères. À 1000 euros qui prend le relais, 1000, 1000, 1500 si vous voulez. Blue Esther. Fille de Astarabad, présentée par Amel Bloodstock, Ischirel. Allons-y, 1500. Bleu d'Avril de la Mer a été troisième du Will Monarch. Et cette Blue Esther est la sœur de April Blue, placée de Liston également à Auteuil dans le prix Le Galès de Maisaubran. 2500 en face c'est de moi. Vrai sous obstacle. La mère est sœur de Royal Eau Claire. Et un groupe de. Gagnant de groupe 2 aux États-Unis, n'importe quoi. Gagnant de groupe 2 en Angleterre et deuxième du Grand National de Liverpool. Famille aussi de Don Mirand, gagnant du Troton et du Troyton. Don Mirand chez Isabelle Paco, hein, qu'on se souvient bien. Deuxième du Murat. Enfin, un vrai top niveau d'Auteuil. À 3000 euros, votre enchère, Guy, on est d'accord. On met 500. Merci de votre aide. 3000 à 3000 euros. Ah, tandis que, évidemment, on n'en a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, mais le nouvel espace membre, profitez-en, jouez avec. Très important, le nouvel espace membre. Dernière fois. C'est le nouvel espace membre que vous pouvez visiter. Tous les gens qui sont membres de Francia qui ont une page développée, que ce soit pour l'élevage, pour les étalons ou pour les débourrages, eh bien vous avez la possibilité de mettre à jour désormais très très facilement toutes vos informations. Allez, 3000 euros pour le 279, on en est au 280 pas, 281 non plus. Et on arrive au dernier. Voici, regardez la fille du conducteur. À 17h, il est trop tôt pour aller manger. On a le droit de prendre l'apéritif, non? C'est la sœur. Allez, 17h01. Plaisir de vous voir. Parce qu'on n'en a pas eu assez hier soir chez Michael, à la cantine. Le CRV de Château-Gontier. 282 Saga, Maeva, présentée par le Hara de Précolette, une fille de Conic Turf. Et Queen Maeve, qui est passée au ventre tout à l'heure avec le lot 250. Kirk, combien pour débuter? La grand-mère. Championne. C'est Ischirel qui rachète l'eau précédent. Oui, c'est lui qui présentait, c'est lui qui rachète l'eau précédent. Mettez vos enchères, 3000. Donc le Harad Précolette avec une jolie pouliche de Conic Turf. Bah Conic Turf d'ailleurs fait la montre pour le compte de Ischirel. Attends, il est où lui maintenant? Conic Turf, il aura de la biche. 1000, 2000 en face de moi. J'ai pris 2000 en face. Voulez-vous 3 à gauche? Allez, 1000, l'enchère est en face, 2000. Allez, 1000 euros par vous, Sylvain, l'enchère 2. Allez, 1000, oui. Allez, 1000, c'est contre vous, Laura. 2000, allez 1003 à droite maintenant, 3500, 2500, allez 1005, allez 1500 euros à droite l'enchère, belle pouliche, la sœur d'une pouliche estimée. Ouais, elle est belle cette pouliche là. À 2500 euros. Elle est belle, la Mirabelle, elle est belle, la 282, c'est le dernier lot du catalogue. À 2500 euros, on peut être jugé, belle pouliche par Conic Turf ici à 2005. À droite l'enchère, Guy c'est vous, on est d'accord, 3000, on y revient, à 3000 euros seulement. Laura, que fait-on? On met 5 si vous voulez. 3000, l'enchère est à droite. 3000 euros. Je vous laisse réfléchir. Alors on va adjuger, puis après bah, on va vous laisser. 3000 euros, le marteau se lève. Merci de votre aide. Pas en face, rien à gauche. Dernière fois, pas de regret. À moins que. 3000 euros. On adjuge. 3000, Guy. On adjuge. Le numéro 283 est un supplément au 4. Ah non, c'est pas fini, il y a le 283, pardon. Il y en a un en rab. B né en 2010 par. Ah bah non, mais il y en a deux en rab même. Il y a le 283 et le 284, pardon. Il y a deux chevaux en rab. Donc le 283, c'est Entre deux terres et non pas Entre deux mers, présenté par Guy Ischirel. Linda Zlade et Entre deux mers, c'est le nom de sa mère. Elle même sœur de Lady Normandie. Mais Entre deux mers est la propre sœur d'ailleurs de Lady Normandie. Les deux sont par Saint-Estèphe. La fille de Linda Zlade ici. Lady Normandie a gagné le prix Zedan à Maison Lafitte. Troisième du prix d'Aumale. Combien pour la souche aussi de Baie d'Honneur. Et puis dans le registre de l'obstacle, on trouve Acombo qui a gagné groupe en Angleterre. La famille de Baie d'Honneur. Elle est pleine de Conic Turf, l'étalon de Guy Ischirel. Et cette jument a gagné en obstacle à Bordeaux à l'âge de 3 ans. Pouliche précoce. Entre deux terres. Donc elle a 4 ans. Elle est pleine pour la première fois de Conic Turf le 28 mai. 2000 euros qui m'appellent. Mettez vos enchères. Allons-y, regardez là. 2000, 1000. Voulez-vous 1000 euros? 1000. À 1000 euros qui m'appellent. 1000. À 1000 euros la fille de.
Lindas. Et là, voilà, on vente. Nous sommes à droite, Guy Lenchère, 1000. À 1000 euros, allons-y, 1000. À 1000 euros, voulez-vous deux maintenant, à 1000. À 1000 euros qui m'appelle à droite, Lenchère, 1000 euros seulement, pleine de connecteurs. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 2000 à droite. À 2000 par vous et contre vous, Guy Lenchère. À 2000. À 2000 euros, faut mettre 3 maintenant. 2. À 2000 euros qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 2000 seulement. 2000 à droite, Lenchère. À 2000 euros. Bonne famille maternelle ici, pleine de connecteurs, gagnante en obstacle. À 2000, Lenchère est à droite. Par Guy, pas en face, rien à gauche. Le marteau se lève, on peut la juger à 2000 euros seulement. Dernière fois, pas de regret. Guy, c'est chez vous. 500, 2500, 2500, à 2500. En face, l'enchère, par vous, Sylvain, maintenant. À 2500 euros, à 2005. Cette fois-ci, Guy, c'est contre vous. On peut la juger en face, à 2500 euros. Dernière fois, pas de regret. Fini, Guy. Dernière fois, on la juge. 2005, Sylvain, votre enchère. Le numéro 284. Il y a le dernier supplément. Il en reste un. C'est une pouliche sortie. C'est le 284. Xavier Thomas. C'est la Quimba, présentée par Xavier Thomas de Moult, l'homme de Mont-de-Marsan. Ah, une fille de Clodoville et Green Empire par Second Empire. C'est la nièce de Palodio, le premier bon cheval sorti par Médocis, gagnant de la Coupe de Maison Lafitte. La fille troisième du Ghanais aussi. Elle est bien née, cette pouliche. Ouais, c'est une bonne souche maternelle de place. Ça a 2 ans. La Cumbia, elle a gagné en plus, elle a gagné 2 courses. Elle a fait l'arrivée avec de bons chevaux. À 2 ans. Elle a fait l'arrivée avec Nuzos Canarias, notamment, cette pouliche-là. Fille de Clodoville, je le répète, la mère par Second Empire. La mère et sœur de Palodio, gagnant de la Coupe de Maison Lafitte, placée du Ghanais. Le dernier numéro de ses ventes. Combien pour débuter les enchères? La fille de Clodoville, 5000, 3000, 3000 euros, gagnante à 2 ans, à 2 reprises, 3000 euros, 2000, la petite fille de Denil par Clodoville, à 2000 euros, 2000, à 2000 euros, 2000 euros, à 2000, à 2000 euros, voulez-vous 1000, à 1000 euros, voulez-vous pour débuter 1000, à 1000 euros, gagnante de 2 courses à 2 ans, elle a couru de bon lot cette pouliche-là. Cette jument, pardon, à 1000 euros, 1000 euros qui m'appelle, mettez vos enchères, 1000, à 1000 euros seulement, 1000, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 1000, à 1000 euros, l'enchère minimum de 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros pour la Cumbia, 1000 euros, supplément au catalogue, le numéro 284, à gauche l'enchère, pas vous l'aura, à 1000 euros qui couvre l'enchère de 1000 euros, le dernier numéro du catalogue, à 1000 euros seulement, nous sommes 1000, à 1000 euros, rien à droite et pas là, 1000 euros, votre enchère l'aura, mettez vos enchères, s'il vous plaît, à 1000 euros, la Cumbia. 1000 euros seulement ? Je répète, mais elle a fait l'arrivée avec Nuzos Canarias, cette jument-là. À 1000 euros seulement nous sommes. Gagnante de 2 courses à 2 ans, à Paris, à la test. À 1000 euros seulement nous sommes. Jument précoce, fille de Clodoville. À 1000 euros, c'est vu, pas de regret nulle part dans la salle à 1000. C'est votre enchère, Laura. On va juger. À 1000 euros seulement. Dernière fois, pas de regret. Le marteau va se lever à 1000 euros seulement. Pouliche de qualité, à 1000 euros. Le marteau se lève. Je vous sens hésiter en régie. Oui, effectivement, on hésite. À 1000 euros, l'enchère est là. Laura, c'est chez vous. Pas de regret. Pas là, rien à droite. C'est énervant. Tu l'avais ou pas? Un moment de réflexion, non. C'est la dernière du catalogue. Oui, non. Ouais, vas-y. 500, 1500, 1500, 1500. Bon, voilà, on en a mis une, il m'a forcé. 1500 euros, l'enchère. Il m'a forcé. À 1500 euros, c'est contre vous cette fois-ci, Laura. Le marteau se lève et on va la juger. Pas de rien nulle part. Pouliche précoce ici, à 1500. Dernière fois, pas de rien nulle part. On la juge. Ah bah voilà, on a bonne mine. 1500. Ah bah voilà, ah bah bravo. La l'enchère. On a bonne mine. En régie, ici. Voilà, France Cire, voilà, c'est nous qui avons acheté. Et donc, tiens, tu as une petite interview, une interview. On va arriver tout de suite. Voilà. Mesdames, messieurs, pardon, merci de votre activité. Bon, alors, on va signer en direct le bulletin et puis on va accueillir Emmanuel Viau juste après. Pour notre prochaine vente. Juste après. Et voilà, je signe, c'est... Ce qui sera la première vente de l'année en France. Je signe en direct, mesdames, messieurs, je suis là, effectivement. Activité sur ces 2 journées, bonne fin de journée. Ah, on a bonne mine. Ah, nous voilà partis avec des chevaux. 4940 Soucelles, ça c'est l'adresse. Voilà, 06 26 35 64 16, numéro de téléphone, vous le connaissez tous. Voilà, assujetti à la TVA, voilà, très bien. Alors, il va chercher les résultats. Il va regarder. Ils sont là, les résultats, si tu veux. Ils sont là, les résultats. Mais bon, il va revenir dans quelques instants. Je ne sais pas si on aura le temps de l'attendre en direct. Merci. Qu'est-ce que je vais faire de cette jument-là? Je vais donner le à Lise, parce que c'est elle qui m'a forcé à acheter le cheval. Bon, il va falloir pas en parler maintenant au ministère des Finances pour savoir ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'on a le temps d'attendre
d'attendre. On va enregistrer une interview de Emmanuel et on va la remettre en ligne. Ce sera bien plus simple. En attendant, eh bien, je vous salue, Marie. Voilà, et notre père qui est aux cieux, puisque nous sommes là. Tiens, Nadia, c'est ma femme. Elle est là, elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle a des cheveux accordés à ma. Je raconte n'importe quoi. Allez, on se dit au revoir. Pour nos prochains rendez-vous des ventes, ce sera la mi-novembre, bien sûr, à Deauville. Et puis nos prochains rendez-vous exotiques, ce sera bien sûr au Japon pour les grands reportages autour de la Japan Cup et les grands reportages de découverte. Allez, je vous la souhaite bien bonne. Voilà, elle est là. Lise, elle va vous dire, regardez, on est magnifique. Moi, je suis orange et puis elle est toute jaune. Vas-y, vas-y, lève-toi, regardez le petit poussin qui est là. Magnifique. Le petit poussin. Allez, ciao à tous. À bientôt. On va interviewer dans quelques minutes Emmanuel Viau et puis on va mettre ça en ligne. On va l'enregistrer. Ciao.